been forwarded to an automatic voice message system. Y a ta fille qui est arrivée, mon copain. Ça y est. Maman jolie, mon copain. À tout de suite, mon copain, à tout de suite. Comment ça va et toi? Bon, j'ai rien compris. Mais ouais, d'accord. Bonjour, attends. Mais hey, tu sais que Bonjour. j'ai oublié ton nom encore? Avord. Attends, c'est comment que tu t'appelles déjà? Harvard. Ah oui, Harvard, putain! Non, Harvard, pas Harvard. Ouais, mais Harvard, moi je t'appelle Harvard. Oh, vous m'appelez tous comme ça, hein. Bouclette. Ouais, mais ces bouclettes, ils sont très bien. Oh, j'arrive. Pardon, pas pour hein. Tiens, t'en besoin. C'est moi. Pardon, papounet, pardon, hein, je viendrai première, première. Oh, bon, ben. Maman, je Mais m'engage. oh, mais comment ça? Oh, mais non! Mais non, mais elle est bonne, le numéro de Maman, la lèvre, maman, hein, au maman, 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 je... moins. Ça s'appelle. Ouais. La voiture qui est juste derrière toi, mon copain, elle est ouverte. Bah non, bah non, bah non. La blanche. Je vais chercher. Maman, Je vais maman, bah chercher je suis pas Isabelle. quand même, papounet, hein, maintenant. Ah, bah, pas compris, hein. Bah, je reste avec toi, papounet, hein. Ah non, mon copain! Ah non, mon copain! Vas-y, Alex, je te laisse. Je Vas-y, pas de soucis. bouge. Allez, bon courage.
Attends, deux secondes, je fais une petite formation et je suis à toi, ok? Ouais, j'ai pas fait exprès, t'inquiète, je vais te donner de l'argent après. Oui, ça c'est rien ça. Oui, c'est normal qu'on m'entend pas. J'avais tout totalement mute mon son, donc depuis le début on m'entend pas. C'est magnifique. Salut tout le monde, merci mon petit Zoa de m'avoir prévenu pour ça. Je suis nul. Putain, depuis tout à l'heure on ne m'entend pas. C'est génial. Streamer professionnel, bonjour. En fait, j'avais mute parce que tout à l'heure, j'étais en train de record un truc pour ma fille. Et je voulais pas forcément, tu vois, qu'on entende le micro et tout. Et pour que, tu vois, elle puisse l'écouter. Elle écoute le truc et tout, mais j'ai oublié de mute. Putain, je suis vraiment trop con. Ouais, bah écoute, hein, ça fera un début. Streamer professionnel, on va dire. Mama, tu connais, hein. J'arrête de trop dire mamma, je le dis beaucoup. En fait, c'est que tu débiles disponible, Sam. Maman, encore une jaquette différente. Maman, c'est le vieux, j'ai le vieux préféré, mon copain, c'est le vieux préféré des zones d'archi, mon copain. Mais pourquoi il a pas pourquoi la même. Guette-moi comment il est fragant. Mais guette-moi pourquoi il a pas la même jaquette que les autres. Il avait un truc qui n'a pas la même jaquette. Elle est très 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 belle, mais je comprends pas pourquoi il a pas la même jaquette. C'est parce que c'est un ancien jean, quoi. Ils sont plutôt neufs. Moi, ça fait des années que je l'ai, vous savez. Il fut un temps, il y a même pas qu'il y a marqué ça en fait, dessus, pour vous dire. Du coup, donc, toi t'es 1, eux ils sont 9, c'est ça c'est... Donc vous êtes 10. Non, il est pas 10, non. Bah t'as dit ils sont 9. Bah, avec toi, ça fait 10. Ils sont 9, la nouveauté de quelque chose. Ah, maman la grotte, c'est bon. Charlie, viens ici. Ah, c'est à qui la belle auto derrière le petit 4x4 C'est toi qui l'as embrassé sur le cou, Charlie. Oh, maman, c'est pas moi. Ouais. C'est pas rouge, ah, c'est à toi le 4x4, il est magnifique, j'aime beaucoup. Ah non, moi je fais que des bêtises. Par contre, pour... Mal. Al... Qu'est-ce... Vous voulez le 4x4, c'est ça? Allez, partir avec. Non. Oh, bah, si vous voulez, il n'y a pas de souci, mais je vous prenez, pas de problème. Je l'ai moi-même emprunté à quelqu'un sans date de retrait, donc allez-y. Charlène. Ah, mon copain, tu l'es. Charlène! Oh, mais moi, Charlène? C'est qui, merde? C'est pas toi, Charlène. Maman, c'est Charlène, papa. Ah ouais, Charlène. Bah oui, mais moi j'aime bien t'appeler Charlène. Je voulais t'appeler Charlène. Maman, c'est ta connasse de mère qui t'appelait Charlène. C'est toi qui lui as fait le béco là. Il a un béco sur la joue. Je reconnais le compte sa mort de ton rouge à lèvres. Je reconnais la compte sa mort de ton rouge à lèvres. Bon, je vais le voir. La tête de mes morts, si tu lui as fait le béco, je vais le démontrer. Ah maman, on va faire un barbecue là-dessus, maman. Oui, je veux bien s'il te plaît. Ouais, ça m'arrange. Ah mon copain. Ah mon copain, par contre le béco que t'as sur la joue là, c'est ma fille qui te l'a fait ou pas? Non. Ah ok, d'accord. Donc elle évite la calotte de ses morts. Je sais pas, c'est vissé, mon papa. Ah, maman, regarde-moi ça, tous les chromes.
Vas-y, c'est la fille à José, mon copain. C'est la fille à José. Mais tu ne m'avais pas dit que t'avais une petite fille. Bah si, j'ai toujours dit que j'avais une fille. Bah je sais pas, on a pas écouté. Bah la carte, c'est mort aussi. Fils en plus, mon copain. Bah ouais, moi, vous avez expliqué, mais chaque fois vous avez dit que vous comprenez rien. Attends, mais bon, attends, vas-y, attends, je reconnais, attends, bouge pas, il y a l'écrou, il est mal serré, je vais tirer ça. Touche pas, touche pas. Je vais tirer l'écrou, mon copain, t'inquiète pas. Je vais mettre un pied-bouche. Un pied-bouche ? Un maman, il veut mettre le pied-bouche, il veut prendre la calotte de ce mort. Vas-y, touche le pôle échappement, vas-y, vas-y. Touche, il est tout chaud, tu m'as kiffé. Je touche le pôle échappement, mon copain. Il est chaud, mon copain, il est chaud. Vas-y, touche. Il est chaud, mon copain, il est chaud, hein. Merci pour ton sub, Kateri. Ça fait trop. Il y a pas de t'abonnes. T'es la meilleure, non, attends, ma belle. Je vais refroidir dans vos échappements, mon copain. Ah, vas-y. C'est moi qui vais trop refroidir, tu fais ça par contre. Tu sais, c'est la meilleure façon pour refroidir, mon copain. C'est Et en plus, mon copain, tu vois, si jamais t'as soif, tu peux boire la piste aussi, mon copain. C'est gratuit, tu vois. On donne de quoi d'hydrater en plus. Toujours en finis. Maman, je dis, monseigneur, mon copain. Ouais, je suis d'accord, ouais, tout à fait. Ouais. Et pourquoi t'as plus l'enchappement de le compagnie? Tu peux aller pisser sur ta carlouche si tu veux, par contre. Bah non, c'est à force de pisser, elle est toute rouillée, t'as pas vu, mon copain? Regarde-moi ça, comment elle est rouillée. Bah, j'ai pas envie que mon pot s'oxyde, donc tu vas pas pisser dessus. Ma, ça lui donne de la valeur, tu vois, parce que tu vois, là, quand c'est tout neuf, là, tout ça, on a l'impression. Ah, oh, je vais t'enculer. Vas-y, on fait ça pour voir. Ma, s'il vous plaît, y a des gens qui vont passer. Oh, ouais, on peut besoin. Maman, elle mériterait une bonne petite couleur, mon copain, une couleur jaune bise, mon copain. Mais je vais te mettre un pied bouche, je te dis, je vais te mettre un pied bouche. Sans mémoire, je dis, mon copain, sans mémoire. C'est mon copain. Montre-lui la force du pied bouche. Tiens, papa, j'ai ce qu'il faut. Tiens, regarde, papa, il a mangé le trottoir, papa. Maman, je dis. Non, pas encore. Bah, on a des petites frappes. Ouais, faut que tu me fasses une répa. Répa, une fourrière. Répa, carrosserie. Fourrière pour toi. Oui, je m'occupe de la fourrière, j'arrive. Check le moteur aussi. Maman, je vais checker le moteur, y'a pas de problème, le copain. Touche pas, toi. Maman, regarde-moi ça, tu vois. Vas-y, donne les outils, y'a pas de problème. Donne les outils, voilà. Oh, maman, c'est mal réglé tout ça, là. Attends, je vais te mettre ça, tu vas rouler à plus qu'à 50 km/h, là. Parce que ça va pas du tout, là. Ah, maman, il est violent. T'as pas touché, espèce de sale bâtard, va. Non, je suis pas un bâtard, je suis un Martin. C'est un mélange de tout, là, t'es un bâtard. Vous calmez direct, s'il vous plaît. Merci. Maman, c'est un peu ta moto, là. Oui, bah écoute-moi bien, toi. Si tu veux pas que je te dégage d'ici, tu fermes ta gueule, merci. Oh là là. Oh, maman. Je ferme ma gueule. On ferme notre gueule. Ouais, bah bref, retourne réparer ta moto, il me fait pas chier, on règle nos embrouilles tranquillement. Écoute-moi bien, petit vieux, là. Tu dégages d'ici. Quoi, petit vieux, sinon, quoi, c'est moi petit qui vieux. Te dégage d'ici. D'accord. Bah, dégage-nous d'ici. Vas-y, dégage-moi, vas-y. Oh, maman, il va lui mettre la calotte de ce bord, vas-y. Ici, t'es sur une pétale d'entreprise, tête de mort. Ouais, sauf qu'à l'heure actuelle, moi, je suis venu pour faire réparer ma moto et je vais te donner de la thune, donc ferme ta gueule. Écoute, j'en ai rien à foutre de ta thune. Si j'ai pas envie de te réparer, je te répare pas. Actuellement, je suis occupé. Il va faire la bagarre. J'attends que ça soit en train de s'énerver sur mon parking. La bagarre. Écoute-moi bien. Tu vas aller voir un autre garage. D'accord? Le propriétaire, il est pas content là. Non, mais c'est rien, c'est tous des faibles d'esprit. Il a tapé tonton. La papouna. Bonne soirée, messieurs, du coup. PlayStation. Et je regarde, j'en ai même une pour. Ah, maman, t'as une PlayStation. Viens, PlayStation. T'as pas cette place? Merci. Je vais te donner ça, PlayStation, à lui aussi, c'est une chacun. Je vais me faire réparer. Ah moi aussi j'ai droit à une PlayStation. Ah j'en ai que deux, j'en ai que deux. Ah mais c'est désolé. Ouais c'est tombé. Il y a 4 manettes à chaque PlayStation. Des 8 manettes on peut mettre que 4 sur la 5. Bah oui, mais 4 par console. Ah oui, 2 consoles ça fait 8. Ah t'es un bon. On va mettre ça dans une dans chaque auto. Ah là là. Et la gadget, t'as le meilleur des chefs à côté de toi. Lui, c'est le meilleur. C'est ma sœur. Maman, t'as une sœur. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est magnifique. Hein. Ah, maman, tu l'as déjà mariée. Tu veux devenir une Martinez, ma copine. Non, ça va, je vous jure. T'es sûr? Non, mais il y a de la place dans la famille, t'inquiète pas. C'est mon fils, il cherche une femme. Oh, mais je vous jure, ça va. Moi, d'habitude, on se marie et on fait que des bébés contre Martinez. Mais moi, j'aime bien espérer les routes de traverse, comme on dit.
Non, ça va aller. Non, mais il y a pas de problème, vous savez, hein, c'est juste on fait les bébés et puis après vous partez où vous voulez. Non, hein. Je peux pas avoir des gosses dans tous les cas. Non, on peut pas avoir. Ah. Ah, on peut adopter. Oh, moi, c'est triste. Hein. Ah. Je suis désolé pour vous. Ah, bah, je... Vous êtes les premières personnes bienveillantes. Bah, pourquoi, bah, pourquoi d'habitude, triste. Les gens ils sont méchants avec elle quand ils lui disent ça. Bah, pourquoi la pauvre elle peut pas avoir d'enfants. C'est trop bien d'avoir des enfants. Bah, enfin, j'en ai un, j'ai un fils. Bon, il est un peu bête, mais il est gentil. Hein. Nous, la con, c'est mort, la famille, c'est toute notre vie. La femme, tu vois, regarde. En tant que shérif, je devrais pas. En tant que shérif, je devrais pas, mais. Puis les gens ils sont cons. C'est pour ça. Me dis pas que c'est le mien. Non, mais. Me dis pas que c'est le mien, je vais te donner 2 PS5, tu me plais. Non. Bah, nous, on est gentils, la famille, c'est sacré chez nous. Mais, bah, oui, parce que tu vois la calotte de ses morts, là, tu vois, là derrière, là, la gadji, là, tu vois, ça, c'est ma fille. Ah, bon, ouais. Elle est à moitié demeurée, mais je l'aime quand même. Mais ta poule, non. Mais c'est pas de ta faute. Je t'ai déjà expliqué, ta mère était une prostituée, juste deviens pas comme elle. Ah bah, je suis désolé, elle a un peu d'éteint sur sa mère, la pauvre. Bah oui, mais c'est pas de ma faute. C'est... Enfin, si, c'est de ma faute. C'est la génération de nos jours, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, ah, si, c'est un peu de ma faute. C'est vrai, moi j'ai couché avec une prostituée, et puis elle a eu un gosse, et puis elle voulait continuer à travailler. Je lui ai dit, reviens dans la famille martinaise. Elle a pas voulu. Mais non, mais viens là, mais... Du coup, j'ai dit... Viens là, Charlie, viens là. Mais qu'est-ce qui se passe, mais... Il a chouravé le pneu. Maman, je savais pas que c'était un réflexe. C'est un réflexe. Moi je vois une voiture de shérif, j'enlève toutes les roues, quoi. Bah c'est surtout, peu importe la voiture, quoi, maman, on enlève toutes les roues, quoi, à chaque fois qu'on voit une voiture. Maman, hein. C'est de la ferraille, là-dessus, il hein. Y a de la belle ferraille, là, sur les jantes. Il y a de la ferraille, quoi. Surtout quand c'est du chrome, là, ou de l'alu, là, maman, que c'est beau, hein. Ah, j'ai peut-être rangé la boîte à outils. Et donc, voilà, nous, on adore la famille, c'est pour ça que le fait que vous puissiez pas engendrer de famille, nous, ça nous peine, hein. Hein, Salva. Non, mais pour une fois, il y a des gens bienveillants. Comment ça, elle peut pas avoir de famille? La petite dame, à première vue, elle peut pas avoir d'enfant, la pauvre. Parce que j'essaie de la marier, là, tu vois, tout de suite, mais elle peut pas avoir d'enfant. Attends, je vais te passer un enfant à moi. Non. La famille, c'est important. Et si tu veux pas, en plus, maman, je sais pas comment tu fais, ma copine. Ensemble, c'est bon. Sois pas déçu, ma petite Charlène. J'adore t'appeler Charlène, parce que c'est comme ça que je voulais t'appeler à la base. Ça doit être difficile pour moi. Mais c'est pas de ta faute, c'est de ma faute. J'ai couché avec une prostituée et puis elle a pas voulu de toi, elle voulait continuer à travailler. Moi j'ai rien fait. Jamais tu veux toucher les. C'est pour ça que je t'ai dit que je voulais pas que tu ressembles à une prostituée, que je voulais pas que tu mettes le maquillage comme du pot de peinture, là, maman. C'est pas un pot de peinture. Bah, maman, un petit peu quand même, t'en mets beaucoup. C'est hein. Pas bien, ça. Non. Ouais, t'as mis juste un petit peu le rouge à lèvres de pétasse, hein, mais tout va bien. Bah, non, parce que j'ai mis du rouge à lèvres rose, hein, comme Barbie. Hein. C'est du rouge à lèvres de pétasse. Hein. Ah, maman, c'est toi le monsieur qui tirait des sacs sur Palais Tour la dernière fois. Oh, bah, lourd. Bah, non. Bah, si, t'étais là, t'avais un monsieur, il était là comme ça avec toi, là. Et puis, bon, bah, nous aussi, on tirait les sacs. Moi, j'ai tiré 17 sacs aujourd'hui, mon copain. 17 sacs. Bah, j'ai aucun doute là-dessus. Moi, j'ai mis ça, mais je suis une noble personne, quand même. Mais... Non, personne, tout ça. Tu dis ça parce que t'as la petite jaquette là sur le dos, là. Mais maman, pourquoi t'appelles des singes derrière toi, d'ailleurs? Pourquoi t'appelles des gens derrière? Elle me fait pas peur, la madame la shérif. Bah oui, mais t'as pas le dessin. C'est pas comme si c'était la sueur du shérif, quoi, donc non, il me fait pas peur. Mais pourquoi t'as pas le dessin derrière ta jaquette, là? T'as fait pas assez de peinture pour faire le dessin? Non, mais ça va arriver. Ça va. Ah, la couturière est au chômage. C'est pour ça que t'avais plus assez d'argent. T'avais plus assez d'argent et tu prenais le sac de la mamie. C'est pour ça. D'accord. C'est quoi un prospect? Je comprends pas ce que c'est. Pourquoi il me parle de prospect? Tu donnes des prospectus, c'est ça? Ah, mais non, je suis en période de prospection, quoi. Ah, donc tu fais de la prospection, du coup. Ah, mais pourquoi tu. Non, t'approches pas comme ça de moi, j'ai l'impression que c'était pas fini. Juste que je suis pas encore un membre à part entière du club, quoi. C'est un tas de merde, c'est tout. Voilà, Salva, tu peux pisser dessus, du coup? Si, tu peux. Allez, non, il y a une comment, une situation particulière. Ah bah vas-y, fais ce que tu dois faire, ta merde, du coup. Allez, la merde, vas-y, la merde, vas-y, fais-le. Vas-y, mon tas de merde. Allez. T'as gâché mes chances, président, là. Ah, mon tas de merde. Te laisse pas faire, par contre. C'est notre tas de merde, pas le vôtre. Ah, te laisse pas faire, prospect, te laisse pas faire. Attends, mais la merde, c'est à tout le monde, non?
Non, c'est pas... Bah écoute, le monsieur là-bas, le moustachu, il a dit que t'étais un tas de merde, mon copain. C'est notre bousin, c'est pas le vôtre. Je suis leur tas de merde, pas le vôtre. Alors oui, vous me respectez. Mais de la merde, c'est... Mais comme vous dites, si je m'énerve, ça va partir mal, mon copain, comme tu dis. Mon copain, ma main. Je suis pas un tas de merde, encore une fois. Et ça le va, attention. À la menace. Oh, maman. Oh, maman. Ça stoppe. Oh, moi, ça stoppe. Oh la golden qu'elle s'est mangée celle-là. Non, mais... Faites son réglo, j'interviens pas. Faites son réglo, j'interviens. Non mais vas-y, prospect. N'importe quoi lui. Oh, vas-y, Salva, vas-y, encule-le là. C'est que dans ta mère là, vas-y. La calade de c'est mort, Vas-y, prospect, défonce-le. Voilà. Ça c'est la calade du Martinez là. Voilà. Vas-y, pisse-lui dessus là. Pisse-lui dessus, c'est de la merde là. Maman. Éloignez-vous, lui. Vraiment qu'une merde. Bon, ça va, mon grand. Il vaut bien son surnom, t'as de merde, ça lui va bien. Voilà. Au moins là, y a pas trop de risques. Au moins. T'as de merde. Vas-y, mange bien le sol, il a quel goût le sol là. Ah, il n'y a pas bon goût, il n'y a pas bon goût. Mais crache-les les graviers, vas-y, crache-les les gravillons. Il a le goût de t'as de merde, c'est par terre, mon copain, t'as de merde, c'est par terre. Je trouve qu'il a des dents. Ça, bon. Ah, maman. Ça, c'est du Martinez, là, tu vois. Il a pris la calade de ses morts, là, derrière le crâne, là. Elle l'a bouffé, hein. On a l'impression, par contre, que là, il est en train de tailler une pipe, là, par contre, mon copain. Non, c'est... Non, il me taille pas une pipe, il peut pas tailler une pipe avec son crâne. Bonsoir. Bonsoir. Bah non, mais je l'ai payé. Ah, il est déjà parti. Ok, d'accord. Maman, t'as de merde, bien. Eh, je suis pas ta merde. Viens voir que je te fasse un petit check, mon copain. Tu t'es bien battu quand même, mon copain. Sort mes morts. Moi aussi, j'aime bien battre, mon copain. Si jamais t'as envie de te battre, tu viens dans mon camp, mon copain. On va se lâcher avant, mon copain. Ouais. Prochaine fois, ça se passera pas comme ça, on fera c'est pas ça. C'est ça que j'aime bien, moi, en fait. J'ai une jaquette comme vous, mon copain, c'est que vous aimez bien la baston. Prochaine fois, on fera ça dans une vraie cage. Préparé. Une cage comme des fauves. Vas-y, sors les griffes, prospect. Sors les griffes. Montre les griffes. Rugy. Moi aussi, je peux montrer mes griffes si vous voulez. Vas-y, la mamelle. Montre les griffes. Maman, j'ai peur. Vas-y, prospect. Non, mais. On a monté les griffes. Mais on a monté les griffes, putain, pas la mamelle. Mais quelle est. Mais quelle est con. Sérieux, c'est un bien copain. Aïe. Moi, je suis tombé. Vas-y, prospect, vas-y, monte les griffes. Sors l'écran. Vas-y, rabille-toi la mamelle. Sors le cobra, vas-y. Non, je peux pas me battre. Ah, il en a deux. Il a deux griffes. Il en a deux. T'as perdu. Ah, vas-y, la charnelle là. Sors les griffes. Vas-y, sors les griffes avec la gâtine. Mais c'est Nathan, j'entends plus. Ah, mais qu'est-ce qu'il a, le copain? Pourquoi tu fais que crier là? Maman, on s'entend plus parler. Moi, j'ai pas de fille. Ah, bah, tu sais pas ce que j'ai entre les jambes, mon gars. Maman, t'as pas envie de voir. Qu'est-ce qu'elle a, ta fille, entre les jambes? Maman, prospect, enlève le fut, prospect. Ma fille, c'est celle-là, là. Et moi, si tu veux, j'ai deux pics sur les seins. Bah, moi, pas pour nerf. Vas-y, enlève le fut, prospect. Et puis, entre les jambes, t'as tous les pics du niglou. T'as tous les pics du niglou, là. Non, mais là, ça va plus. Ah, c'est là, mais c'est plus. Tes poids de là, c'est bien un combat, c'est. Chamel. Oh, et voilà. Ah, bah non, t'as raté. Oh, ils sont bizarres, si j'étais. Voilà. Maman, pourquoi il a un slip couleur des drapeaux américains? Maman, j'avais pas vu. Oh, mais ton fut. Parce que tu veux bien te rhabiller? Maman, son slip, il me fait rigoler, quoi. Maman, qu'est-ce que vous regardez là, les gars? Maman, c'est dur, on va un peu comment ça se dessus. Maman, tout à l'heure, parce que les chéris, ils ont juste regardé la bataille, parce qu'ils étaient dans le loyer. C'était un l'un contre l'autre. Ils se battaient les yeux parce qu'il y avait un vacant. Maman, il a dit qu'ils se sont battus les yeux avec le shérif, et les shérifs, ils ont gardé, battu dessus. Maman, j'ai dit, tu comprends tout ce que j'ai dit? Ouais, je suis comme ça.
Madame Gouverneur, alors, vas-y. Madame, monseigneur. Mais c'est quoi ton nom de famille, du coup? Tu veux pas de famille? Santiago. Santiago? Ah, ça va, t'es pas une Lopez? T'es pas une Lopez? Ou une Lopette? Ah, maman, vas-y, je pense qu'on va déconner, là, parce qu'il y a les autos qui nous attendent, là. Bah, allez, à la plus tard, la vieille, hein. Allez, à la... Vas-y, allez, Brico, hein. Ouais, vivou. Non, mais... On y va là, on fait quoi, on s'encule? On va encore vite fait là. Ah oui, on va encore, d'accord, ça marche, on va prendre l'auto. On va prendre l'auto. Le gitan? C'est là, pour toi. Ah bon, copain? Ouais. Tu t'as dit d'aller chercher la ferraille au Belize. Oh, ça va bien, copain? Ça va, et toi? Si tu veux, ce soir, il y a un rassaut à 22h et il y a moyen que tu aies de la ferraille là-bas. Maman, il est où le rassemblement? Toi, t'as un bon, mon copain. Je. C'est quoi ton nom? C'est Salva, mon copain, Salva. Je sais pas si j'ai un truc. Je t'envoie la pause une fois que je suis sorti. Attends, vas-y, j'entends ton téléphone, je vais te donner mon téléphone si jamais. Si j'ai vu Salva, il est malade, tu m'appelles. Hein. Vas-y, je t'appelle. Ouais, il y a du monde, donc il y a beaucoup de ferrailles, je crois. Oh, maman, ça c'est pas vrai. Est-ce que vous me laissez la possibilité de regarder ce qu'il y a sur votre camion? Parce que j'ai un peu. Bah, allez-y, allez-y. Il n'y a rien du tout, à part le turbo. Vraiment rien. On a juste le turbo, la dernière fois on a voulu faire la full pair. Non, même pas les pneus, on a voulu changer les pneus, mais vas-y, vas-y, regarde, fais ton plaisir, mon ami. Vas-y, on fait ça. Maman, mon copain est déverni, là je vois que tes copains ils ont mardi. Hein. Ouais, ah, non, ouais. Ah, non, toi, toi t'es pas avec eux. Hein. Je me vous confonds tous avec les jaquettes là. Maman, la dernière fois en fait, il nous a dit que la première vue c'était sur celui qui était pas tout rouillé, qu'on pouvait tout changer, mais sur celui-là on pouvait rien changer. Ouais, celui qui est pas rouillé, il est magnifique. Vraiment, je vous le conseille. Bah c'est oui, mais tu sais, il y a la peinture. Ouais, mais la peinture ça allait. Mais non, mais on n'avait pas les sous, tu vois, pour acheter des trucs pas rouillés, quoi. On a été obligé d'acheter ce qu'on avait la possibilité, quoi. En or. Ouais, mais ça fait vraiment dégueulasse, tu vois, là, avec la rouille et tout, quoi. Vraiment, vraiment, ça fait vraiment dégueulasse. Hein. Ah, ouais, ok, il ouais, y a pas grand chose. Ouais, ouais. Y a pas grand chose. Oh. Ah, c'est pas grave, ouais, quoi. Non, si. Je voulais voir parce que justement, je sais qu'il y en a une des deux qui permet pas mal de choses. Ah, c'est l'autre, c'est celui qui est pas rouillé. D'ailleurs, je trouve ça dommage qu'on puisse pas faire la même chose sur les deux. Mais bon, après, ça c'est pas de nous, c'est les concessionnaires et les motos là, ils veulent pas mettre du truc sur des trucs rouillés, je crois. On va essayer de prendre la place, je le mets là au parking. Ouais, qu'est-ce que ça marche, pas de problème. Ouais, on va au banc, il y a Chabelle qui est déjà parti avec une voiture. Bon, ok, bah vas-y, je vous rejoins. Vas-y, monte, ma petite Charlène. À moi, partenaire. Je t'appellerai toujours Charlène, parce que c'est comme ça que je voulais t'appeler à la base. Mais non, partenaire. C'était comme ça que je voulais t'appeler. C'est la connasse de ta mère qui t'a appelé. Qui t'a appelé. Charlène. Allez, on va faire le 4x4 là. Maman. Maman, le 4x4. Maman. Bah, je sais, mais t'inquiète pas, c'est parce que je t'aime bien justement. Ouais, c'est pour ça que je te donne le petit nom, hein, parce que c'est comme ça que je t'aime, pas ton air. Oh putain de merde, je sais pas ce qu'il veut faire. Hop là. T'as vu ça et tout, ce petit 3-6 là? Trop fort, pas ton air. Ouais, je sais. Me montre pas trop ton amour, hein. Tu me le montreras ce soir, dans le lit. Bah, je dis, je vais avoir un point, mon copain, apparemment, il y a une. Il y a un événement là qui va se passer avec des voitures, mon copain, plein de voitures. Apparemment, il y aura de la ferraille là-bas à récupérer, peut-être des bagnoles, mon copain. Ah bah ouais, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup de place encore. Mais par contre, je crois qu'on a une voiture toute pourrie dedans là, qu'il faut qu'on dégage. Tu sais, une deux places là, une noire là, je crois que c'est nul à chier. Non, mon copain, il n'y a plus de place dans le garage. Hein. Je crois qu'il n'y a plus qu'une place hein, dans le garage. Hein. Ouais, mais il y a deux types de voitures, là je vais en sortir une, on a deux fois la même, c'est des deux places, et elles sont pas ouf, hein, pour vous montrer. Ah, si,
Après, on peut passer aussi au Dynasty chercher une autre bagnole, mon copain. Un autre garage. Hein. Bah, mais faut voir combien ça coûte, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Bah, on aller au Dynasty. Tu vois, ces voitures-là, là. Celle-là, là, là ça, ça, c'est tout pourri, là, ces deux-là, là, la blanche et la grise. Hein. C'est avec deux places, en plus. Eh ben, vas-y, on les achète, mon copain. Je prends la grise. T'as vu mon copain, en plus ça accélère même pas ça. Après on peut les prendre pour descendre, hein. Ouvre ta fenêtre, je te comprends pas mon copain. Je t'ai dit, celle-là en plus elles accélèrent même pas, elles ont rien dans le cul quoi. On va les laisser là mon copain. Après on peut les prendre pour descendre, hein. On va peut-être faire ça mon copain, on va ranger les... On va ranger les autos là, ranger parce que ça roule toujours plus vite que nos autos, hein. Après, Christopher, il fait quoi? Parce que là, je l'ai vu, il était là-bas, il était en train de discuter avec le gars, mais je sais pas ce qu'il fait. Hein. Je l'ai fait embaucher là-bas, mon copain. Ah, il travaille là-bas? Ouais, il travaille là-bas maintenant. Oh, maman, la calotte de ses morts, putain, c'est bon ça, comme ça, il pourrait nous réparer les autos, lui. Maman, c'est bon ça. Ah, maman. Vas-y, bon, pour savoir si on va avoir un autre garage. Mais ça serait bien qu'on en ait dans le sud, comme ça, tu vois, si on irait moins loin pour justement avoir ça. Maman, bonjour, mon copain. Je l'appelle parce que je voulais savoir combien ça coûtait pour avoir un garage, mon copain. Dans le sud, mon copain. Je sais pas encore, mon copain. C'est quoi, c'est en fonction de la zone où il y a des bris, du coup, c'est ça, mon copain. Au niveau de la casse auto, mon copain. Je sais pas, vous avez combien de places dans les garages, mon copain. Et ben, 6, mon copain. Eh ben parfait, on fait ça mon copain. Très bien mon copain, bah j'y vais sur zone et je t'envoie les positions mon copain. A tout de suite. On va ranger les caravanes. On range les caravanes et on va à la casse auto mon copain, on va mettre à... place. Alors Mamel, tu viens? On va où? On va à Casoto. Ok. La Christopher, elle est où? Il est en train de travailler, il a été embauché au Grand Valais Harmonie. Maman, t'as failli m'écraser là. Maman, t'as été embauché, mon copain. Maman, mon copain, j'ai raté. T'as raté, mon copain. Je rigole, j'ai eu. Ah, ça c'est bien. Monte dans le coffre, mon copain. Descends, mon copain, descends le coffre. Mais dans le véhicule. Maman, ils ont mis les turbos là-dessus, hein. T'entends le petit bruit là, comme ça là, il y a un turbo là, maman. Rien, non, mon copain. T'as, pourquoi ils ont mis les turbos sur des véhicules aussi pourris que ça là? Ah bah c'est pas parce qu'ils sont cons, hein. Maman, ça a rien dans le cul, même avec le turbo, tu vois. Okay. Regarde, putain, là, j'arrête pas d'accélérer. Je suis même pas arrivé, tu vois, à 160, là. Ça va pas du tout, c'est de la merde, hein. Hey Iron, comment il va le frérot? Merci pour ton raid. Oh, ça doit leur chier. Hein. Tu t'es remis à streamer plutôt?
Ah non, franchement, ça, ça... Ah, on va dérimer, non, comment... Attends, parce que je vais attendre Salva, là, parce que là, j'ai accéléré comme un gros porc, mais ah, tiens, c'est moi, il est là. Je vais le laisser passer devant, parce que j'ai envoyé la case auto, mais bon, après, c'est lui qui a le contact, Jesse. J'aurais pas dû m'arrêter dans une montée, je suis vraiment abruti, hein. Waouh, vous êtes monté à 10 d'un coup, là, ou qu'est-ce qui se passe? Merci, les gars. T'es venu avec plus de monde que deux, en fait, Iron. T'as repris le stream? Tes petits jeux à côté, ou alors t'as repris carrément du GTA? Oh là là, t'as vu maman de l'autre côté, gamin. Il y avait deux motos et deux autos, là, maman. Ça doit être un super terroriste, là, maman. Il y a un peu mal à l'hélicoptère. Ah, moi, ça, je vais regarder. GTA ? Toujours en RP, là, t'as un petit groupe, t'as un petit truc comme ça ? Nous, on est sur Vision, avec des anciens. Bah, il y a Papy, ancien Troussons. Après, on a. Bah, je sais pas si t'avais connu. Je sais pas si sur la fin, t'avais connu la Gang Unit qu'on avait fait. Là, j'étais Mayans. Bah là, c'est la grande unit avec 3 personnes autour. On a fait un petit groupe de petites frappes sur vision. Petites frappes sur vision en mode gitan. Dans 5 minutes, je t'envoie la pause du rasoir, ça marche. Ok, y'a pas de problème, on du voisin et puis nous on débarque hein, tranquillement. Par contre, là, je sais pas où ça se passe le rassemblement, parce qu'il faut faire attention, il y a beaucoup, beaucoup de flicailles là sur. Dans la ville. Il y a des sirènes de partout. Hein. Mais t'inquiète, t'as envoyé la pause, c'est dans un petit endroit bien caché. Ok, matin, bon, y a pas de problème. Hein. La calotte de ses morts, on te revendra ça. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu nous dis. Hein. Les Martinez, on est là. Hein. Pas de soucis. Vas-y, à tout de suite. De suite. Ah, maman, il est en train de ranger le téléphone, j'ai pas vu. Ah je ne sais pas conduire. On est en train de ranger le téléphone dans la poche, j'ai regardé la poche. Maman, on a failli finir dans le tank. Bah non, c'est le tank, j'ai voulu faire un bisou au tank. Ouais. Maman, j'ai envie de racheter ça. Maman, j'ai envie de la. Maman, j'ai envie de la. Attends, vas-y, c'est bon, vas-y, je tape dessus là. Non, voilà. Non. Oh, t'en as un peu bordel, toi. Maman, comment j'ai envie de la racheter là, cette petite casse là. Oh, ton fils, il a fait une bêtise pour faire ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Oh, t'as bouffé le préservatif. On est en train d'acheter ou de louer un parking. Il a bouffé le préservatif. Il a bouffé le capote. Regarde le capote. Bon, moi, ce qu'on va faire, je vous explique, mon copain, on va mettre un parking ici, 6 places, mon copain. Comme ça, on aura un parking dans le sud. Bah, mon copain, c'est dis-moi que j'ai une capote. Mais putain, j'avais dit que t'étais un débile, maman. Du coup, Salva, il m'a appelé le copain, là, il va m'envoyer la position dans 5 minutes. C'est bon, mon copain, c'est un peu gluant, là. Qui ça, mon copain? Le copain de tout à l'heure, là, tu sais, Ibeniz. Ibeniz, le gars qui t'a donné la voiture, non, il va t'envoyer la position pour. Il va m'envoyer la position pour le. Tu sais l'événement. Donc, il y a de la ferie. Ah, ça y est, là, je crois qu'il vient de. Il vient de m'envoyer un point, donc à mon avis, il va m'envoyer la position. Voilà, j'ai la position. C'est bon. Eh ben, vas-y, si tu veux, vas-y avec 3 personnes, comme ça, moi, je reste ici. Prends Christopher et. Tu veux que. Attends, je vais monter dans l'auto, vas-y, je vais te le mettre sur le GPS, comme ça, tu l'auras. Mais vas-y, moi. Ouais, c'est ça, mon copain, vas-y. Voilà, tu vas nous aider là, c'est bon? Parfait. Faut me laisser une bagnole ici par contre. Bah, je vais prendre celle-là. Vas-y, Christopher, on va dépêcher. Vous allez faire quoi? Christopher, Charlie, va avec eux. Christopher, monte dans le coffre avec la capote. Ah, avec eux, vous allez voir. C'est ça qui va rendre le coffre? Non! Tu vas rendre le coffre? Mais elle va pas savoir comment rentrer dans le coffre, hein, Christopher. Maintenant, mon cul, il passe pas. Passe pas, t'as qu'à migrer. Attends, bouge pas, je te le dégonfle. Je prends une petite aiguille. Eh, touche pas aucune. Putain, touche pas à la gueule.
Je vais te mettre la calandre sans ordre. Dépêche-toi d'entrer dans le coffre. Dépêche-toi d'entrer dans le coffre avant que je te décommande la gueule de sa mort. Ouais, papounet va te déglinguer, t'as pas à marcher le terrain. Voilà, je peux faire ça là. Allez, moi. Ta gueule, la petite qui hein. Elle a des têtes grouilles, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, bah, ma voix, t'as un petit cul hein. Bah alors, un petit cul c'est joli, une petite couille ça sert à rien. Non, mais la calandre c'est mort. Je veux pas dire, mais vraiment, on tient un gros cul hein. Déjà j'ai un gros cul hein, pas un petit. Hein. À tous les coups, genre tu prends une aiguille, ça fait pouf. Oh, t'as vu comment elle m'assoupe, papounet. Attends, la calando c'est mort, Christopher, t'es en train de dire que c'est pas du vrai là. Je peux t'assurer. Ah putain, ça m'énerve. Tu vois ça m'énerve. Je te jure que. Maman, je vois pas. J'ai tâté la qualité. Voilà. Et je peux t'assurer, nous, chez les Martinez, tu vois. Hein? Ah ben, on fait pas des trucs, tu vois, avec du silicone ou des trucs bizarres, tu vois, c'est de la qualité, c'est de la vérité. Mais non, c'est ma mère, c'est une pute, elle avait des atouts, hein. Voilà. Non, mais... Bon, ouais, maman, quand tu fais ça sur le coup de maman, c'est que pouf, ça passe plus à tout moment. Oh, maman, il insulte sa mère, attention, je vais lui mettre le coffre dans la gueule, là, regarde le poteau, là. Tiens, dans le coffre, voilà. Voilà. Alors... Ouvre-moi ta grande gueule là, hein! Maman, la prochaine fois! Maman, descend! Oh, mais papounet! Maman, descend! Non, ah, ok! Je t'ouvre le coffre! Oh, hein. Enculé, papounet! Non, je vais pas l'enculer! Je t'ai ouvert le coffre là! Bah, laisse-le courir! Il est con, hein. Va rentrer à pied. Hein. Ah, il a changé d'avis, je crois. Moi, la prochaine fois, ne t'inquiète pas, tu l'auras la calotte de ses morts. Et quoi? Ah, tu vas avoir une calotte dans ta gueule. Hein. J'ai rien dit. Bouffe tes préservatifs, hein. Petite couille, hein. Ah, maman, maman, c'est jamais fin. T'as un plus gluant, ça colle. Bah, en même temps, tu vois, quand tu vois. C'est du cousin, c'est de la bonne qualité. Vaut mieux qu'il les bouffe, les préservatifs, parce que la calandre de ses morts, il pourra pas les utiliser autrement. Hein. Ah, bah, ouais. Hein. Comment il est moche, il est con, hein, putain. Alors, non, ça, après, en il est pas si moche que ça, mais bon, il est vraiment très con par contre. Ouais, ah, vous avez dit quoi? Oh, moi, bon. C'est un Martinez quand même, respect. Ah, on va monter, répondez-moi, bah, bon, moi. En fait, j'ai tapé sa tête contre un mur quand il était bébé, c'est pour ça. C'est ça qui est, je croyais que c'était. Ça a fait une petite déformation. Mais je croyais que c'était Chamel quand même, c'est ça qui l'avait déformé. Ah, bah, je crois que c'est Chamel ou moi, je sais pas, je m'en souviens plus. Hein. Oh, maman, regarde-moi toutes ces autos là. Qu'est-ce qu'il y a, mon copain? Il y a plein d'autos là, mon copain. Je suis dans le coffre. On reste dans le coffre, bouffeur de capote. Ah, désolé, je me suis pris encore le mur. Mais de quoi là, on va le coffre. Tiens. Parle mieux, toi, par contre. Maman, c'est quoi ces autos là? Maman, qu'est-ce que c'est ça? Bienvenue. Ah, mon copain, comment ça va? Pas top et vous? Ah, c'est un garage ici ou... Non, c'est juste nos locaux de l'association Streetcar Society. Ah, mais il y a de la belle auto là, dis donc. C'est de la belle ferraille, ouais. Tout ça. Hein. Eh ben, écoutez. Et tu fais quoi en fait? C'est juste pour montrer les véhicules? Non, ou tu vas faire une petite course? Non, en gros, là pour le moment c'est un rassemblement ici, donc on attend un peu tout le monde, on va attendre jusque 22h30, 23h. Après on va bouger sur, au niveau de l'observatoire, sur le parking de l'observatoire, où là il y aura du coup le pawn shop qui vont mettre des mises en vente de leurs véhicules avec des petites réductions. Et puis un petit parcours de course qu'on aura à faire, par contre la course sera pas fort déclarée quoi. Mais non, il va y avoir des activités. Le pawn shop fait l'honneur de venir pour vendre des véhicules. Tu sais qu'à chaque fois que tu me dis pawn shop, j'ai toujours l'impression que tu me dis pawn shop. Hein, mais bon, après, ça tient dans ma tête. J'ai du mal à J'ai pas trouvé.
Ah non, t'as pas d'envoi de vin. Ouais, j'ai essayé de voir, même avec l'unicorn, mais c'était fermé pour avoir des... Un accord de gain. Ouais, bah, voilà. Maman, si tu veux, il y a des... Bon, gros, je crois qu'il y a un dans la voiture, là. Un dans la voiture, là. D'accord. Mais non, mais pas les capotes, bah, putain, des femmes qui dansent, oh là là. Si tu veux, non, je suis sûr que Charlet et la mamelle, elles vont danser, hein, si t'as besoin qu'il y ait des personnes qui dansent. Hein. On verra sur place, je te dirai quoi. Ah, par contre, si t'as, non, si t'as un petit billet, je suis pas contre, tu vois, pour les faire danser, comme ça, ça nous permet de payer un petit peu, tu vois, de l'appareil. On va attendre un peu qu'il y a d'autres gens qui arrivent ou pas. Ah maman, il y a pas de soucis. Bah, bon, après, nous, tu vois, par contre, on a que des voitures volées, donc on n'a pas des belles voitures comme vous. Hein. Bon, c'est pas grave, tant mieux pas. Ah, d'accord. Bah, je pense que les flics vont venir nous casser les couilles, donc encore eux. Bah, de toute façon, c'est leur job, hein, tu sais, de venir toujours nous voir. Hein. Ils font que ça, hein. C'est... Mais bien, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ah, bien le bonsoir, monsieur. Toi aussi, t'as une belle auto comme ça? Ouais, nickel. C'est laquelle belle auto? Moi, c'est la Custom, la balade bleue française. Oh maman, alors celle qui est carrément pas en exposition là-bas? Alors celle-là. Celle-ci là. Ah maman, qu'elle est belle. Ça doit coûter super cher une jante de ça là. Vas-y Christopher, mets-la sur les tréteaux là, on va prendre les jantes là, ça va coûter super cher ça. Allez, t'as quoi? T'as peut-être 20 ou 30 000 unités pour la jante? Bah c'est ça mon copain, tu vois, ça se rend bien cher là. Ah oui, ça se rend cher ça. Non, non, si tu perds tes pneus, mon grand, c'est vraiment dommage, hein. Mais dommage, hein. Ma magasin, c'est bon, tout. Ah, tu sais. Moi, je te dirais, fais attention parce qu'à ce qui paraît, il y a des gitans, ils arrivent en ville, là, comme ça, et puis ils volent les blocs de bon, non. Ils volent tout, hein. Ah, oui, je fais gaffe. On met ça sur ta tête, là, ou des parfums, là, et puis hop, on prend les jantes, là, parce que ça fait la ferraille, hein. Ah, bah, c'est sûr. Ah merde, je viens de dire que c'est nous qui faisons ça, putain, je suis con. Non, t'as dit des gitans. Ouais, mais moi, on est des gitans. Ah bon, bah les couilles. Allez, mon copain, je peux t'assurer. Ouais. On a volé les pneus du shérif devant lui, et on a fait du troc avec lui. Non. On a troqué, il m'a donné un skateboard, des jumelles, des cigares et des cigarettes. Parce que ce débile, il nous dit, bon bah vas-y, on a fait le troc, tu touches plus au véhicule. Il nous amène un deuxième véhicule, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on enlève les jambes de l'auto. Logique. Et voilà, et on est obligé de troquer encore. Nous, tu vois, c'est... on cherche pas à voler pour voler, on cherche à voler pour troquer. Mais c'est bien, tu vois, c'est un business. Mais c'est ça, y'a pas de petit business, y'a pas de petit profit. Non, c'est ça. Y'a que des profits. C'est ça. Faut voir ça. C'est ça. Donc ça ramène de la thune. Voilà, le nerf de la guerre, c'est l'argent voilà. Et les gadgets. Oui, aussi. Là, et les sacrés gadgets. Et la petite quoi? La picole. Oh, maman, mais ça, de toute façon, t'es obligé de picoler pour vivre. Parce que si tu picoles pas, bah tu vis pas. C'est vrai. Il faut mettre de l'essence dans le moteur, tu vois, comme pour les voitures. Bah oui. Maman. Tout ça. Maman, bah de toute façon, il y a mon frère, il va pas tarder à arriver, là, tu vois, ouais. c'est le padré de la famille, là, c'est le padré nous, là, tu vois, c'est comme ils disent les Mexicains, là. Tu vas voir, là, c'est ça, le voir. Ah bah tiens, justement, comme quoi, tu vois, je parle de lui, il m'appelle. Maman, comment on y va? Ouais, bonjour, ça va bien? Ouais, ça va, bah là, tu vois, il y a plein d'autos, mon copain, tu vas voir, c'est des autos de magnifiques, parce qu'ils vont faire tout un parcours, ils vont aller jusqu'à l'observatoire, il y a là le pawn shop. Le pawn shop, il est là, donc peut-être qu'il y a moyen d'avoir un numéro, tu sais, pour vendre tout ce qu'on a comme petite ferraille. Maman, mon copain, on a créé le garage, on est rentré à l'intérieur, moi et Chabelle, et plus de bagnole, mon copain. Ah! Bah, maman, je viens vous chercher, j'arrive. On a pas de goût, ouais. Vas-y, à tout de suite. Non, Christopher, ils ont plus de voiture, mais il faut une voiture que. Il faut de place. Ah bah, allez, mon copain, je vais rester là, mon copain, je vais chercher un véhicule. Ah, mais bon. Tu vas chercher un véhicule où? Bah, aucun, mon copain. Mais non, mais on est là pour prendre des véhicules. Pas pour en ramener des beaux. Vas-y, je vais juste aller chercher, on les ramène, t'inquiète pas. T'inquiète, ah, bon, je m'en déjeune pas, hein. Essaye de voir pour le véhicule là, noir là-bas qui est derrière, là, il est bien là. Tu peux essayer avec un lockpit, j'ai un lockpit sur moi. Oh merde, oh là. Enfin le biker qui a pas de mouton. Le biker en 4 roues. J'avoue, mais pourquoi tu prends ton cuir alors que t'es en 4 roues? Alors allô. C'est ça le concept? Enlève ton cuir. Ouais,
Pourquoi je l'ai dans la main? Bah va mon Robin. Ah bon, je peux pas les donner? Ah bah on va vas-y prends le loup. Mais je l'ai toujours dans la main, je comprends pas. C'était trop tard, genre. La voiture, non, elle m'a suivi. Non, mais ça m'emmerde, ça. Bah, déjà, et puis bon, je pense qu'il a pas. Ah, bon, on va. Ah, bon, vas-y, essaye. Ah, ouais, me chercher, hein. Ouais, t'inquiète. Aiden? Mais tu l'as eu le prochain? Ouais, ça marche, je l'ai. Vas-y, on essaye sur une voiture tranquille ou pas devant de fond. Putain, par contre, maintenant j'ai le truc accroché partout. Ah, vous avez pas vu mon gros? Attends, on va devant. Waouh! C'est encore moi qui a un problème ou comme moi? Non, je sais pas. Mama! Mama Lando! Maman, je peux pas y sortir là, faut quand même. Maman! On fait quoi, on va? Va, je sors, vas-y. Là maintenant! Oh, maman! Oh, non! Maman, j'ai très mal! Maman, j'ai le tournevis dans la main, j'ai donné le lockpit à Christopher, mais j'ai encore le tournevis dans la main. Et par contre, il y a un truc. Viens voir, regarde, j'ai vu un truc, regarde. Maman, en première vue, avec le. Je peux essayer, tu vois, de rentrer dans l'entrepôt avec le tournevis. Vas-y, essaye, mon gars. Tu veux que j'essaye? Mais c'est le nôtre. Donc forcément, je vais pouvoir rentrer. C'est quoi le tournevis, mon copain? Bah, c'est le. Tu sais, les petits lockpits, les petits trucs qu'on a là, on en a pas mal des tournevis.
Maman, c'est vrai. Maman n'a plus d'auto, hein. Je pense qu'il va falloir que je fasse bibi, en fait, mon copain. Moi, je pense aussi, je vais aller chercher une auto, hein. J'ai le tournevis, donc c'est bon. Oh, ouais, ok. Wow, for real too. Oh, il y a une bonne meuf, lui. Elle serait pas ouverte, celle-là. Dans le véhicule, merde, je l'ai plus, putain, non. Mais j'ai dit que j'étais la tarte, j'ai pas dit ce que je faisais, marmotte. Comment il va le poteau? Relis ce que j'ai mis. J'ai dit que j'étais là tard ce soir. J'ai pas dit que j'allais pas faire autre chose. Comment il va le poteau? Même pas il dit bonjour, hein. Espèce de vilain. Qu'est-ce qu'ils ont mis, notre monoscope? Non, mais je sais, t'inquiète pas, mon marmotte. Hein, je sais très bien. Hein. T'as essayé Dune d'ailleurs, marmotte, ou pas? Je sais pas si c'est le genre de jeu qui peut te plaire, toi. Bah, tu me diras, t'aimes bien Age of Empires, donc ouais, non, ça peut pas. Mais du coup, je suis coincé, j'ai plus de lockpit puisque je l'ai donné. J'en ai plus du tout. On est baisé. On a joué avec Corby à Dune pendant 2-3 heures là, l'autre jour. Il y a une partie, c'était bien cool. Maman, j'ai pas dans le tournevis et j'arrive pas justement à voir les voitures. Oh merde. Ah bah on est dans la merde, hein. On est carrément dans la merde, oui, comme tu dis. FF14, bah moi aussi je vais reprendre pour Dontrail. Tu veux te remettre à jour pour jouer à Dontrail, c'est ça? Non, papa, je crois qu'il est parti pisser, il arrive. Non, moi, je sais, mais là, pour l'auto, vas-y, appelle ton fils pour savoir si justement il a une auto ou quelque chose comme ça, quoi. Parce que là, on est dans la merde. Il y a Mélissia aussi qui va y jouer, en mode tranquille, mais très tranquille, lui. Bah, en fait, j'avais le tournevis dans la main, mais le tournevis, il a fait pouf. Voilà, maman, mon copain, on a un problème, on a plus de voiture, on est bloqué à la casse, hein. Je vais te donner les clés du garage, comme ça. T'as des quoi, là? Ah ouais, moi, ça va. Attends ici que je t'ouvre la porte. Ah non, je vois Christopher, il arrive. Mais voilà, une voiture, c'est toujours la même. Non, il a dû voler une voiture vu quand j'ai pris la seule qu'on avait. Bah non, j'ai fini, non. Ah bah non, il fallait que je rentre, il fallait pas que je zone, j'ai zoné, mais il fallait que je rentre. Donc là, on peut mettre 6 véhicules, c'est ça? C'est ça, mon copain. Ah, bah, là-dedans, on va être bien. Voilà. Comment ça? Ah, marmotte, qu'est-ce qu'il y a? Dans 3 semaines, si on veut le garder, dans 3 semaines, il faut rappeler le Dynasty, on repaye pour 3 semaines. Mais c'est combien pour 3 semaines?
Mais c'est combien pour 2 semaines? Là, j'ai payé pour 3 semaines le garage. Mmh, c'est combien? C'est 4000, mon copain. Oh, ça va, c'est pas trop cher. Ça va faire un peu plus de 1000$ la semaine. C'est ça, mon copain. Ça et fait, c'est à chaque fois 4000? C'est à chaque fois le même prix, mon copain. D'accord, d'accord. Après, j'ai d'autres personnes qui ont aussi FF14, qui sont sur Cerberus aussi, donc si t'as jamais envie de jouer. Mal encore bizarrement quand même, je trouve. T'as pas qu'elle sautille quand le cours? Vas-y, cours un coup là, Jean-Man, dans ma malle. Donc cours un coup, on a voulu faire quoi? Non, cours un coup parce que quand tu cours, tu fais un truc bizarre. Ouais, c'est pas ce que je pensais, ouais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je prends normal. Bah, tu cours en fait, on a l'impression que tu cours comme dans un dessin animé. Je pensais parce que c'est une mycose entre les jambes. Ah! Ah, carrément la mycose, quoi. Ça marche, bah vas-y, bah de toute façon, je passe après mon stream. Je passe vous. Et d'abeille donc, merci pour le lurk. On fait quoi du coup, mon Romain? Bah non, il y a Christophe qui m'a dit qu'il arrivait. Mais putain, la calotte de ses morts, quoi. Il faut absolument qu'on ait tout le temps des lockpicks sur nous, là, parce que non, sinon, c'est casse-couille. D'ailleurs, on n'a pas trouvé des gars qui nous les vendaient, là, ces petites ferrailles, là. Là, c'est la petite tablette, là, qui t'a donné, la petite dame, là. Il n'y a pas des lockpicks, t'as trouvé? Non, je sais pas, mon copain, il faut qu'on vérifie vite, hein, moi. Ah, je savais pas que t'as... La calotte de ce mort, que t'as... Je savais pas que ta fille, justement, elle aimait bien tout ce qui était fumette, là, yoga. Tu sais, Kassoto, là on était derrière, hein. Toujours, hein. Ouais. Ah ouais, merde. Bah, vas-y, on. Bah, je sais pas comment on va faire, hein, si t'as qu'une place, hein. Bah, il faudrait que tu. Au pire, que tu retournes au camp et que t'ailles chercher la caravane, hein, mon copain. Non, attends, qu'ils viennent avec une place, c'est pas grave. On va te serrer dans le coffre. Ah bah non, mais viens, papa, il dit, il faut que tu viennes, on va voir, on va voir. On se sert dans le coffre, là, et puis voilà, c'est bon. Vas-y. Vous allez chercher une voiture. On arrive, mais ils ont une voiture à deux places. Eh ben, vous avez. Il y a quelqu'un qui monte avec lui, vous allez chercher les voitures. S'il n'y a pas les voitures ouvertes, vous voyez, hier, on trouvait plein, on trouvait plein aujourd'hui. Mais. Ah, bah non, je crois que c'était lui, mais non, mais non. Ouah, mal à grand de nous! Vas-y, monte dans le coffre, mon copain! Vas-y, monte! Madame, quelqu'un rentre dans le coffre? Attends! Pour les gens, en fait? Ah bon? Ah! Vas-y, on va aller chercher les voitures, on arrive! Vas-y, monte! Ah, bah, tu risques de monter? Vas-y, on stasse! Ah, bah, je peux pas monter, moi! Vas-y, il faut que tu regardes! Non, il faut qu'on descende, vas-y! Ah, vas-y, essaye de rentrer dedans. Essaye de rentrer dedans. Avant, ah, je sens là. Chabel, elle est entre nous deux, Chabel, elle va prendre. Ah, vas-y. Bonsoir. Ah, je sens sa mamelle là, maman. Ah, maman. Ah, moi aussi, je vais venir. Y'a les Smith. Maman, mon copain. De quoi y'a les Smith? Mais de quoi tu parles? Et ouais, tu parles de Schmitt là, on est serré. Ah, il va faire un accident, les Schmitt. Ah, ça va, j'ai dit dommage. Maman, mon copain, c'est serré là, toi. Maman, je serré. T'es serré, ma fille, t'es serré. Maman, je suis en saucisson entre vous deux. Ah, bah, maman, il y a le saucisson entre mes jambes qui est en train de se durcir là, par contre. Maman, je fais tout dur aussi, mon copain. Ah là là, là j'ai pile poil les fesses là en plus, là, maman. Moi j'ai le devant, mon copain. Tante, c'est bon, je vais lui enfiler. Ah, vas-y, hein, t'as juste à baisser la culotte là. Oh, ah, bon. On est deux en même temps, mon copain. Vas-y, ah, vas-y, oh là là. Voilà,
comme ça, mon copain. Et moi, j'arrive, j'ai ton e-box. Sans démon. Oh là là. Ah, y'a pas la place là, y'a pas la place là, c'est... C'est trop serré et je parle pas du coffre, hein. Maman... Maman, seigneur... Oh maman, y'a les enfants dans la voiture quand même, hein. J'ai jamais vu ça de mes yeux vus. Maman, y'a Schmitt. Mais qu'est-ce qu'il veut le Schmitt là, quand on pense qu'on nous casse les couilles là, un petit peu là... Il nous laisse tranquille là. Ah, c'est vrai, genre, on met une gueule sur ton cou, ça fait pas. Ah, moi, bah là, c'est casser les culs, hein, pas casser les couilles, hein. Ah, bah, demande à Jamel, là. Ah, bah, là, je me fais carrément casser les couilles. Ah, moi, on la sent, ça. Ah, bah, si tu veux, tu passes après, Charlie, si tu veux. Ah, mon chou-doudou, il est pas là, mon chou-doudou. Allô, 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 allô. Ah, bah, ton chou-doudou, non, il dort, avec ton chou-doudou. Mon chou-doudou, il dort, hein, mais je vais aller le réveiller, t'inquiète pas. Ah, bah, en plus, tu sais que ton chou-doudou, il est arrivé avant toi, hein. Il était là, il était tout triste, il a dit, ah, bah, t'es pas là, bah, vas-y, il est parti dormir. Ah, mais t'inquiète pas, je vais lui faire une gâterie, hein. Ah, là, 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 là. Ah, ça, je te connais, je connais la gâterie. Et de toute façon, vu qu'il là, il est en train de bien dormir, ce soir, vu que tu viens d'arriver, tu passes d'abord dans ma caravane, hein, on a dit, hein. Ça me rappelle pas ton patronneur. Voilà, comme ça je te remets en jambe là, je te repratique avant que le chouloulou il arrive, hein. Maman, mon copain. Allô. J'aurais dû faire un petit bidou quand même. Non, pas de petit bidou. Oh non, mon petit bidou. Interdiction. Maman, c'est d'accord, quoi ça, c'est ton sein ou c'est ton ventre? C'est mon sein. Oh, maman, elle a pris du poids, hein. Maman, c'est pour ça que je fais le yoga, hein. Maman, demande de faire une gomme. Bah, viens ouvrir le coffre, espèce d'herbe ici, là. Maman, oui, connard. Maman. En fait, ah, bon, de bata, putain, je pars, mais vous me... mais reviens. T'es un peu déshabillé pour faire ça. Putain, alors, je pars, personne me répond. Bah, tu peux rattacher le pantalon, quand même, hein. Ah, je rattache son pantalon, vas-y. Ah, mon Romain, mon beau bleu. Ouais, un peu de place. Ah, il va falloir le mettre dans le sud, mon copain. Que? Tant de mémoire, je l'aime bien celui-là, moi. Qu'est-ce qu'on fait, mon copain, maintenant? Bah, on retourne dans le sud, là, au truc... Bah, il faut reprendre une voiture, hein. Bah non, vous montez avec Christopher, là, dans le coffre. Oh... Bah, une dans le coffre, et puis une devant. Ou toutes les deux derrière dans le coffre. Attends, je vais mettre le point. Vas-y, je te donne le point GPS. Ah, bon, va. Qu'est-ce que tu fais, hein? Maman, on va. Ah, tu savais où c'était en même temps, putain, je suis con. Ah, je vais l'arrondir, moi. Ah, bah, moi, je fais comme ça. De quoi, c'est pas comme ça? Qu'est-ce qu'elle voulait? Non, c'est bon. On est en vrai héros, mon copain. Bah, vraiment, copain. Bah, ça, là, l'auto, là, get l'auto, là, un peu roulé dans la terre, là, avec cette auto, là. Oh, c'est bon, ça, c'est bien, mon copain. S'il y a un drap qui passe, mon copain. Ah, c'est pour ça que je reste pas sur les rails, mon copain. On te sait, moi je suis arrivé devant eux. Attends, mais bon, c'est un rassemblement d'auto, donc moi je ramène l'auto, hein, mon copain. Maman, je le dis. La calade de ces morts que je suis sûr, ils vont pas en revenir de mon auto.
Moi, tu vois, une auto comme ça, moi, ça m'irait bien, là. Moi, j'aime bien, les, genre, c'est une auto, là, tu vois, les autos avec des barres, là, tu vois, de protection, parce que moi, j'aime bien la cascade, tu vois. C'est, il faudrait, qu'on fasse des shows, là, tu sais, sur les ronds-points, là, ou sur les parkings, là, tu vois. On se fournit, tu sais, un gros 4x4, là, on écrase les autos, là, et on fait des espèces de gros parcours, là, avec les voitures, des cascades, là. Attends, j'ai cru voir quelqu'un. Ah non, il n'y avait personne. Ah, il n'y avait vraiment personne. J'ai trop regardé derrière, là, je crois. Ah, mais je te laisserai conduire après, mon gars. T'as un fou du volant, mon gars. Bah, parce que j'aime la cascade, mon copain. Ma. Je suis un cascadeur, moi je suis pas un pilote. Hein. C'est... Moi, mon but, c'est de faire la cascade avec l'auto. Hein. Est-ce que t'as pris un petit choc là? Regarde, avec cette auto-là, tu peux passer partout. Là, tu vois, c'est... Maman, je le dis, mon frère, il faut que je fasse quelque chose. Vas-y. Demain, je vais à Dallas vite fait, il faut que j'aille voir. La famille Martinez, ils m'ont appelé. Ouais, ils sont pas contents parce que tu t'es emporté le monde de la famille, c'est ça? Ils veulent encore te casser les couilles, c'est ça? Ouais, c'est ça, mon copain. Ah, putain, la calotte de ces morts. Et si tu vois nos parents, là, tu leur mets des grandes calottes dans la gueule, là, de ma part. Hein. Bah, ma chérie, je vais essayer de ramener le père, mon copain. Ah, bah, si tu peux, hein, ça serait bien, parce que je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu, là, déjà. Là, la fille, là, je sais pas, il l'a laissé partir, là, déjà, c'est pas mal. Il faudrait qu'il lâche un petit peu, parce que si il veut que, comme ils disent, la merde, l'expansion de la famille Martinez, il veut qu'on s'explante un peu partout, hein. Bah, moi, je dis. Ah, ils veulent à chaque fois qu'on se déplace tout le temps avec toutes les caravanes et toute la famille, mais bon, faut bien qu'on se diversifie un petit peu, tu vois. Parce qu'avec les Lopez, là, qui font des petits partout avec n'importe qui, là, ça va pas le faire, hein. En plus, avec 780 caravanes, mon copain, il vaut bien qu'on se mise un peu, on peut plus aller sur tous les terrains, mon copain. Ah, tu te rappelles la dernière fois qu'on était à la pompe à essence, elle a dit oh, « Maman, on peut pas passer parce que toutes les autos, vous avez vidé une pompe à essence. » On avait été obligé de siphonner un petit peu et de répartir l'essence dans toutes les caravanes si on n'allait pas aller à la prochaine pompe à essence. On avait dit 17 pompes à essence, mon copain, 17. Bah oui, maintenant, 144 caravanes, c'est des 120 litres là-dedans, mon copain. Ah, maman, je le dis, moi. Avec 10 caravanes, on vide déjà, moi. Là. Ah, bah, ouais, hein. Ils sont pas prêts à chaque fois. Et on leur dit, mais il faut nous laisser aller à la pompe pour les poids lourds. Ils ont dit, bah, non, c'est pas les poids lourds. J'ai dit, bah, mon copain, tu vas être surpris, hein. Maman, ils connaissent pas, hein. On a changé les trucs qu'il y avait dedans, mon copain. J'ai vu les 40 litres, c'est 200 litres, mon copain. 200 ah, bah, litres, ouais, bah, ça, c'est pour celle où il n'y a pas beaucoup d'habitants, hein, sinon c'est 140 litres, hein. Ah, maman, ils sont partis. Ah, du coup, ils sont partis à l'observatoire. Maman, faut aller à l'observatoire, et ils sont là-haut. En plus, ils m'ont dit qu'ils... De quoi? Maman, on est bien. Ah, moi, je me dis. Plus ouvant, mon copain. Ah, mais c'est pour ça que je t'ai dit, moi, j'aime bien les autres comme ça. Hein. Moi, je veux que des autos comme ça, tu vois. Moi, j'aimerais bien jouer avec une moto de Vipers, mon copain. Ah, ça va être compliqué. Tu sais très bien l'amour qu'ils ont pour leur moto, là, ces espèces de petits cons, là. Franchement, ça va être compliqué. Je te promets qu'on va pouvoir envoyer une, mon copain. Ah, mais sur le centre, c'est mort que je t'aide, moi, mon copain. Tu me connais, hein. C'est jamais je me défile, hein. Tout à l'heure, je t'avoue que, tu vois, j'étais à deux doigts de mettre la calotte de ses morts, mais quand le flic, il a dit à la loyale, j'ai fait, bon, bah, je me retiens, je mets pas la calotte de ses morts. Ah, bon, moi il est bien, chéri. Je lui ai volé sur la tête, mon copain. Ah, du coup, t'as une épée maintenant? Maintenant, j'ai une épée, mon copain. J'ai la foutre dans le fion de Chamel. Ah, mais elle va rien sentir, hein, tellement la vitesse d'avoir plus gros. Ah, mais c'est très long, mon copain. Ça va lui arriver dans la bouche, mon copain. Allez, tout à l'heure, là, tu vois, quand on était dans le coffre, là, je lui ai mis dans le cul, putain, j'ai même pas senti que je touchais les bords, bordel de merde. Hein. Peut-être qu'elle arrête un petit peu, là. Ah, maman, je prends les routes de traverse, là. Ah, les roues arrière, elles sont un petit peu trop larges. Ou le poteau était un petit peu trop large. Mais maman, je pense que ça va être compliqué de voler les autos, parce qu'ils sont tous à côté de leur auto, là, pour faire les courses et tout ça, là, ça va être compliqué, hein. Pas sûr qu'on puisse voler l'auto. Hein. Maman, motard. Suis-le, mon copain, suis-le.
Là, on veut une cigarette, mon copain. Maman, ça roule vite. Maman, ça tourne. Hein. Tu fais une supérette ? On va dire, on fait une supérette. Après, j'ai un coup d'eau sur moi. Bon, c'est marrant, on va dire. On... Ah, t'as pris le goudron ? J'ai pris le goudron, mon copain. Ah, il nous faut de l'argent parce que là, il nous faut des couteaux. Hein. Maman, ils ont les supérettes là. Après, ce qu'il homologue, c'est pas genre là, mon copain. T'as Il est homologué ou un de machin là, mon copain ? Machin, je sais rien, je l'ai volé et j'ai pas le permis, donc je m'en bats les couilles si c'est homologué ou pas, mon copain. Bon, les copains, qu'est-ce qui se passe ? Bonsoir, seigneur. Bonsoir. Bonsoir, mon copain, comment ça va ? Ça va. Qu'est-ce qui se passe, mon copain ? Un petit braquage de bijouterie en cours. Ah, maman, il va. Un peu la zone. Il va la coup de main pour quand l'on est en train de prendre les bijoux là ? Quoi ? Bah non, ils valent pas de sous de main, non ? Je pense pas, non. Ah, maman, parce que si on a. Vous leur dites. On a les techniques comme ça, vous ? Bah, on a les techniques de gitan, la sang de ses morts. Il y a de la ferraille là-dedans, mon copain. 911, quel est votre genre ? Il n'y a pas de cuivre là. Il n'y a pas de cuivre, mais les pierres précieuses et puis le platine et tout ça, et l'or, ça se revend bien, mon copain. On vend pas que le cuivre. J'imagine bien, ouais. Ah d'ailleurs, tes jantes là, c'est pas de l'alu ça là ? Je reconnais, c'est de l'alu hein ? Ah, ouais, je vais laisser mes jantes tranquilles. Ah, on peut t'en prendre une ou deux là, t'inquiète, tu peux rouler après. Non, je vais en avoir besoin. Ah, bah pourquoi ? On prête l'auto si tu veux. Attendez, qu'est-ce que j'ai ici ? Ça peut vous faire plaisir. Ah, maman, tu vois, ça c'est un bon gars, tu vois. J'aime beaucoup, tu vois. On a vu le chef des shérifs, là. On lui a pris ses jantes, on a fait du troc avec lui. Donc, du coup, on fait tout le temps du troc. On est ouvert pour le troc. J'ai des pinces à cheveux, là. Ah, voilà. Maman, ouais. Je veux bien les pinces à cheveux. Là, voilà. Les petites pinces à cheveux, voilà. Maman. Une pour un, une pour l'autre. Voilà, mais pour les faire fondre. Et vous avez quoi, vous, madame, là, pour le troc ? Moi j'ai un kit de nettoyage si vous voulez. Pour attendez, mais dans le troc, il n'y a pas un principe d'échange ? Ah bah c'est. Oui, on échange, on ne vole pas les pneus ? Merci pour moi. Oui, j'avoue. Kit de nettoyage, là, c'est bien. Enfin, tu me dirais, il a quand même. Il a quand même il a quand même le pétou, quoi. On n'aurait peut-être pas volé le pneu devant nous avec le pétou. Hein. Ah, ça, c'est sûr, mon copain. Donc bon, du coup sens, on a. Le sang de ses morts, on a gagné le troc, tu vois. Eh oui. Alors, bonne soirée. C'est mort. Ah, tu penses qu'on va demander aux autres de l'autre côté pareil ? C'est bon, moi. Salut, mon copain, gros homme ! Bougez, messieurs, dames. Techniquement, il devrait être dispo. Il va la coup de main pour la bijouterie ou ça se passe comment ? Non, ça va, merci, bonne soirée. D'accord, mon copain. Et si jamais on prend un petit peu une jante là, on a lui là. Il fait une seule. C'est pas 70 chars là. C'est 70 chars, mon gars. La playa, c'est vers là-bas. Mais pourquoi la playa ? Il y a de la ferraille là-bas, mon gars. Il y a de la ferraille ? Ah, bah, bien sûr, Bogadji, il y a de la ferraille. Alors, est-ce que mon copain il peut prendre juste une des deux motos ? Parce que vous en avez besoin que deux, qu'une seule. Non, comme ça, non, mais non, juste pour la ferraille, on vous rend les plaques après. Juste l'antenne. Écoute-moi, t'es mort. Vraiment, tu vas aller sur la playa. Elle a dit tête de mort, le sang de ses morts. C'est une gadji, je l'aime bien celle-là. Tu vas voir, il y a plein de. Il y a plein de vélos rouillés là, tu vas pouvoir te faire du. Ah, maman, mais. Alors, je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même plus de ferraille sur la moto quand tu as comme ça. Déjà, récupère des vélos et après, je te dis pour les motos, d'accord ? D'accord. Ok, y'a pas de soucis. T'appelles les Martinez si tu veux. Ah, les Martinez. Et si jamais tu vois t'embouter une voiture, tu vois, dans ta gazou là, tu vois, qui fait la connerie là, tu nous appelles, on lui désosse la voiture devant toi. T'inquiète pas, mon copain. Et on prend tes jantes en même temps. Allez, des bisous. Non, ça c'est des bisous. Mamma, get l'auto là, mon gars. Vas-y, prends une jante, vas-y, démonte la jante. Vas-y, roule. Vas-y, avant de là. Maman, je te dis, je vais voler les deux, mon gars. Allô, mon gars.
On est en train de chauffer des pneus, mon copain. Maman, j'en dis. Vous êtes où, là, mon copain? Il y a de la voiture en poison, on arrive, mon copain, on arrive. Maman l'auto, maman! Maman l'auto, mon copain. Maman l'auto. Ah, maman, tu veux faire du truck, là? Vas-y, je te passe l'auto, tu me donnes ton auto, hein. Non, ça ira. Non, mais sinon, on prend juste les jantes. On n'a pas de problème, on va pas du peux rouler avec. Oh là là, je peux pas, c'est les jantes intégrales. Si t'enlèves les jantes, t'as plus de... Mais oui, mais justement, c'est pas grave. Ça, c'est ton problème. C'est pas notre problème, nous. Mais c'est pas ton problème. Bah non, c'est pas ton problème. Oh, maman, il y a pas d'auto ici. Et si on enlève la portière, mon copain? Juste une portière. C'est pas cool, c'est pas cool. Mais non, l'aileron derrière, mon copain, il sert à rien, l'aileron. Bah oui. Bah si, il me sert, ça reste à coller la route. Si on enlève l'aileron, je m'envole. Il te sert, bah justement, s'il te sert, on te l'enlève, comme ça tu seras plus serré. Le pare-choc avant, mon copain? Bah si, t'as dit que t'étais serré, il fonctionne, comment ça il fonctionne? Bah oui, il m'est utile. Ah, il t'est utile? Ah oui, il est utile. Il t'est utile à quoi? Ah bah si on enlève l'aileron, je m'envole, tel un oiseau. Ah bah c'est cool de voler, non? T'as pas envie de voler? Il y a toujours tout le monde qui a voulu voler. Oh, c'est pas cool, c'est pas cool. Tu serais le premier être humain à voler avec une voiture? Ça serait bien, toi, non? Ah, en soi, je suis pas le premier, hein, j'en ai déjà vu. Ah bon? Ah ouais, d'accord. Bah vas-y, rentre là, c'est mon copain. Vas-y, fais attention à toi. C'est Et puis, ferme bien ta voiture, hein, mon copain. Ah oui, il faut. En vrai, oublie de la fermer, ça serait bien. C'était une voiture de Louis Helios que j'ai volé, mon copain? Ouais, je crois, oui. Maman, le mec était en train de filmer la scène, mon copain. Maman, t'as pas le droit? Si, t'as le droit, vous êtes venu, t'as le droit. Je m'en fous, mon copain. Maman, elle est plus là? Maman, elle est disparue. Maman, elle est revenue là-bas, mon copain. Maman, on va la piquer, hein. Maman, elle est bientôt l'auto, hein. Elle est belle, ton auto, mon copain. La prochaine fois, je vous tire dessus comme si vous étiez des poulets. Des poulets? Ah, maman, pourquoi tu tires dessus? Croyez-moi, vous voulez pas tâter du revolver, hein. Du revolver? Ah, mais ça me mort, un revolver? Je vais pas toucher ça, mon copain. Une balle, une tête. Ça, c'est dessus, mon copain, ça tue, ça. On a juste regardé s'il y avait de la ferraille, mais il n'y a pas assez de ferraille sur cette auto-là. C'est pas terrible. Non, touche pas à mon auto, non. Ah, mais parce que si on sait très bien, tu vois, t'allais de fois, chaque fois, si on regardait la ferraille juste devant toi, t'allais dire non, touche pas l'auto, touche pas l'auto. C'est vous? C'est eux, maman, la ferraille, c'est de la bonne ferraille, la matraque, là, maman. Maman, il y avait du plastique. Oh, maman, attends, ça s'applique les yeux. Vas-y, attendez, mais j'aurais pu les menacer comme ça depuis le début. Ah, maman, non, pas les yeux. Los Minos. Maman, on a rendu l'auto, ou pas? Ah, mais. Ça c'est bien fait. Appelez, c'est moi qui vous vole votre caisse. Ah, maman, elle a pris l'auto, faut l'arrêter, moi, monsieur Dachon. J'ai rêvé, je suis désolé, je suis aveugle, je vois rien. Maman, elle a pris l'auto. Je vous ai rendu l'auto, je vous ai fait la correction. Ah, bah nous aussi on avait rendu l'auto, nous on l'avait juste garé là-bas. Ah, ça fait mal aux yeux. Ah, ça pique. Ça pique comme un sang, c'est mort. Nous on n'avait pas piqué, hein. Enfin, si l'auto. T'as eu autre, c'est qui t'as eu au téléphone? T'as eu la mamelle? Chauffeur, il montait apparemment avec des filles vertes là, mon copain. Hein? Quoi? Ah, j'ai pas compris. Oui, Chamel, dis-moi. T'es où? Bah, moi, je dis, vous êtes où là? Maman, je crois que c'est moi qui les ai volés, mon copain. Je crois que c'est moi qui les chouravais, mon copain. Je crois que c'est pas vrai. Maman, je dis, vous êtes où là, actuellement? Ouais, bon, on arrive, on est pas très loin. Voilà. Maman, on va leur voler les pneus quand on va arriver.
Moi, essence, c'est bon, je dis, c'est qui, oui. Essence, c'est bon. Maman, on arrive, on est à côté, maman. Ah, j'adore cette auto là, on peut rouler partout, hein, quand... Maman, attends, maman, je vais la mettre en disposition, maman. Ah bah vas-y. Tu fais que... Ouais. Maman, mon copain, c'est la meilleure voiture du lot, hein. Vous allez faire la course. Maman, bien sûr, je vais faire... Bah, bien sûr, je vais faire la course, maman. Tu vas faire la course avec ça, hein. Bah bien sûr, moi, mon copain, qu'est-ce que tu crois? Elle tourne bien. Ah bah, elle tourne au moins à 110, 120, tu vois, mon copain, mais tu vois, moi... Elle tourne bien dans les virages. Oh, bah franchement, oui. Bah, et tu sais, le petit secret avec celle-là, c'est que, tu vois, la petite butte là en face, là, maman, je peux y aller dessus directement. Eh, maman, mon copain, dis-moi, vu que t'es là depuis tout à l'heure, les gens qui étaient là avec leur voiture de Scooby-Doo, tu sais qui c'est? Les Brésiliens. C'est un Brésilien, ça? Ben, attends... Brésiliens, ah bah c'est pas, ils ont qui une femme, apparemment mais... sont de Caio Perico. Donc, ah. Chercher l'erreur. Ah d'accord, parce que je sais pas, nous ils nous ont dit qu'il y en avait une, c'était une femme, mais c'était un homme, je comprends plus rien. Oui, pareil, j'ai dit merci madame tout à l'heure au Bénis. Ah bah moi j'ai failli me faire frapper parce que c'était j'ai dit madame, hein. J'ai dit voilà, là. On vient de se faire agresser, c'est des fous, hein. Ils ont dit qu'on avait volé des pneus sur Vespucci. Bah oui, nous ont dit. Je sais pas si vous avez vu la course, mais on est au rassemblement. Fifrelin là-bas, sur la voiture bleue là! Bah, les pattes de la roue! Maman, tu diras à ton copain, il a la tablette là à côté de l'oreille là. Il avait une grosse tablette à côté de ton oreille quand même. Ça, pourquoi tu cries? Comment ça, une grosse tablette? Bah, là, le monsieur là-bas, là, qui est parti avec sur le truc, il a clairement une tablette. Oui, oui, bien sûr. Bah, si, regardez là, dans sa main, il a une tablette. Bah, il a vraiment une tablette, hein? Ah, oui, il a une tablette dans sa main. Bah, ouais, mais. Oui. Ah bah il téléphone avec une tablette. Allez voir le monsieur qui téléphone avec sa tablette. Maman, mon copain, je suis fan de votre jean. J'adore votre jean, il est trop beau. Maman, il y a de l'auto là. Maman, monsieur. Comment tu dérapes ce temps, tu vois? Ah, je crois que c'est un gars, monsieur du bon job. Monsieur, c'est vous le patron du bon job? Oui. Ah, parce qu'on aurait des petits trucs à vous vendre, mais en fait, à chaque fois, on trouve alors, pas... Alors là, on est juste présent pour l'assaut et pour les 5 véhicules sur place. Après, tout ce qui est autour du pawn shop, on n'est pas ouvert officiellement. Vous ouvrez quand? Parce qu'à chaque fois dans la semaine, on essaie de vous avoir et puis on ne trouve pas beaucoup. Vous avez un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous appeler? Alors, pas sur mon nom perso, non, et en plus, je vous ai vu hier, messieurs, il me semble. Ah, moi, j'étais pas là hier. Hier soir. On était ouvert de 20h jusqu'à 23h hier, donc on est ouvert souvent quand même. Ah, moi, je sais pas, j'étais pas là hier soir. Si vous arrivez tard, peut-être que c'est pour ça. Ah, d'accord, okay, mais y a pas de problème, mon copain. Du coup, je savais pas que vous avez vu. Je vous laisserai passer dans le week-end, on sera ouvert, vous en faites pas. Ah, bah, y a pas de problème, mon copain. C'est quoi les véhicules que tu vois là? Alors, du coup, on a les 4 qui sont là et la jaune qui est là également. Ah, maman, c'est la belle auto, ça. Mais tu l'as changé, du coup. Yes, en fait, si tu veux, j'ai demandé à Aiden et à Andrew de me les custom, en fait, pour les mettre. Je connais pas Aiden et Andrew. Non, je parlais à mon ami. Vous parlez à votre copain, d'accord. Oui. Maman, moi j'ai l'auto qui est là-bas, c'est la meilleure des autos là-bas. Les annonces, hein, je Ah, maman, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est ma cousine, elle est mariée avec mon frère. Maman, mais qu'est-ce qu'elle fait à montrer les mamelles, ah, elle, par contre? Maman, le cul qui est là, mon gars. Mais qu'est-ce que t'es en train de te foutre à poil? Mais t'inquiète, c'est pour Christopher. Mais qu'est-ce que t'as fait avec Christopher? J'ai propriété, mon c'est ça. Ah, ouais, d'accord. J'aime beaucoup votre pantalon, hein, il est incroyable. Ah, j'aime beaucoup votre pantalon. Moi, tu vas bientôt être le propriétaire de mon pote dans ta gueule. Mais pourquoi t'es énervé, ton dieu? Faut pas être énervé comme ça là, je sais pas pourquoi tu cries comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, chien? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Je sais pas, propriétaire de son bâton dans la gueule, j'ai pas compris. Bah, cherchez pas à comprendre, vu ça vous tape pour vous. D'accord, le monsieur est un peu aigri, je crois. Hein. Arrête de mater les culs des mecs, je t'ai dit. Oh. Alors, mate le cul de ta mère! Ouais, mate mon cul plutôt. Ouais, bah, attends, moi je vais chercher l'aiguille.
Comment ça, tu vas chercher une aiguille de quoi? Mais ouais, là, ça m'a foutu. C'est bon, y a toutes les gentilles sont bien serrées là. Vraiment, son problème de reprise. La montée en fait, je suis pas perdu. Ah ouais. Mais je veux bien tester après avec. Je vais faire un tour avec la S2, je vais lui demander un test. Vas-y. Hein. Parce que la S2 elle me tente, ou c'est la 8F Drafter, je sais que la 8F Drafter elle pousse. Ouais, normalement elle est cool celle-là. Alors j'ai fumé. T'as kiffé? Ouais, j'ai bien aimé le tour, le tour est cool. Bonne soirée à vous, monsieur. Bon, en vrai, il est cool, mais quand tu le prends par cœur et que t'es pas un balle, mon gars, c'est une fouille. Ouais, bah là, je le connaissais pas, c'est la deuxième fois que je le fais. Au pire, monte avec moi, je vais te montrer c'est quoi. José, faut mettre une calotte de ses morts à Christopher, il y a qu'un coup de cul des mecs. Avec la réduction de son coup de cul, il est à 92 901. Ok, d'accord. Il est où? Il est où? Maman, il va devenir comme ton fils. Maman, il est où? Après, mon problème, c'est que le monsieur l'a dépoussé. Maman, je sais pas, il s'est caché. Tu penses qu'il y a quoi comme véhicule qui... Oui, après, il est con, il est à la voiture, il est à la voiture, il est à la voiture. Maman, Christopher, viens ici. Viens ici, Christopher. C'est de la haute tension, ça, Christopher. Mais bon, il a essayé de me foutre une aiguille dedans. Non, mais il est malade à nous foutre des aiguilles à José. Bah ouais, maman, il a dit qu'on avait du bon taf, ça. Oh maman, va attention, t'as l'air écrasé là avec ton mot. Oh, elle est incroyable. Attends, t'as l'impression qu'il va, il va percuter quelqu'un là. Non. Oh la ferraille de la. Oh maman, l'auto, on va prendre une petite jante ou deux là. Hein. Maman, il va faire la course. Ah, maman, il est bardé. Hein. Maman, il... maman, je crois qu'il est gris. Hein. La S2, oh bah les shérifs, ils sont plus gentils. Hein. Eh maman, du coup, José, tu sais qui c'est qui nous a agressé là un petit peu là que, tout à l'heure? A priori, c'est des Brésiliens. Ah, vous êtes fait agresser tout à l'heure? Ah, bah, il y a des gens, ils sont venus avec la voiture de Scooby-Doo là, toute verte là. Ils sont venus, ils nous ont dit, ben montez dans la voiture. On est monté, on est allé un peu plus loin, tu vois, vers là-bas là. Ils nous ont dit, maman, je vous jure, vous avez volé des pneus à Vespucci. Je dis, maman, je te jure, la calotte de ses bords, c'est pas vrai. Et du coup, Vespucci, pas encore. Bah ouais, et du coup, ils nous ont dit, ouais, bah, c'était une brune. Bah, j'ai du con, je suis blonde. Et ma cousine, elle est arrivée aujourd'hui, c'est pas possible. Elle était pas là hier, c'est impossible. Bah, du coup, a priori, c'est papa. Du coup, ils ont confondu papa pour une femme. Mais du coup, il était pas là, donc heureusement. Et nous ont dit que si jamais ils nous voyaient voler des pneus à Vespucci, ils allaient nous tuer. Ah non, non, c'est pas ça. Non, mais non. Ah non, putain. Ah non, non, non. T'as mis une calotte. Maman, on va aller voler les pneus à Vespucci, mon copain. T'as raté le coup, frère, mon copain. On va voler des pneus à Vespucci. Mais en même temps, arrête de bouger, espèce de crâne. Je vais dans le coffre. Hein. Maman, t'es dangereux. Mais on va où là? On va à Vespucci voler des pneus parce que les Brésiliens étaient pas contents. Du coup, on va aller voler des pneus à Vespucci. Hein. Moi, j'ai compris qu'il fallait les voler. C'est pas content parce qu'on a pas volé. Maman, il faut que je prenne une autre voiture du coup là. Va avec ton frère, mon copain. Va avec ton frère. Maman, vas-y, je suis pas. Vas-y, mais que tu veux plus de moi, papa, j'ai compris. Vas-y. Mais non, j'ai envie de t'entre frérot. Bon. Mais sinon, tu veux pas, je prends une voiture. Non, mais ils sont tous à côté là, mon copain, et tout est fermé, il n'y a rien. Et... les voitures du Punch-Up, elles sont ouvertes. Il y a trop de monde, mais tu bouges plus. Maman, tant que bouge pas, je m'arrête là, j'ai un compliqué là. Bah, il a un problème, Christopher, avec le petit cul et tout ça, là. Il faut le recadrer. Hein. J'ai voulu lui mettre un coup de boule, il a esquivé, j'ai essayé jamais de l'a pris. Hein. Bon, bah, c'est une suivre quand même, pourquoi pas. Ah, ça a pas suivi, ça a pas suivi. En même temps, nous on a l'autobo. Hein. Pour ça, je t'ai dit, j'aime bien ces autos là. Effectivement, ça roule pas vite, mais hop, ça passe partout. Hein. Bon, on va faire attention parce que tu vois. Ça hein va quand même, ça y va. Hein, genre... Ouais, mais tu sais, comparé aux autos là qui montent jusqu'à plus des 200, là, c'est... ça, ça monte pas à 200. Hein. C'est de l'auto de merde, ça. Ça, c'est de la bonne auto. Donc... Oh putain, ça, c'est de la bonne auto! Maman, mon seigneur. Oh, mais bon. Oh, tiens, regarde, désolé, mon copain.
Et ça, tu vois, t'imagines, je vais m'en acheter une et je vais mettre tout ce qui est un chelou peu dedans. Maman, on sera bien. Mais je sais pas s'il y a un, tu vois, un véhicule du même type, mais tu sais, en mode avec 4 roues. Maman, ça va, ça va. Il faudrait qu'on regarde un petit peu dans le catalogue, là, voir s'il n'y a pas une auto comme ça, mais tu sais, où on peut mettre 4 personnes dedans. Parce que je sais qu'il y a le rebelle, mais le rebelle, c'est que 2 places, tu vois. En vrai, il y a celui qu'on a dans le garage maintenant, mon copain. C'est le vieux qui nous l'a donné, mon copain. Vous pouvez être derrière et tout, mon copain. Oui, mais non, le rebelle, il y a t'as que 2 places. T'as vraiment que 2 places, hein. Oh, maman, il y a des bécanes, là. 55, 42, 705. Maman, il y a de l'auto, là, encore. Ah, maintenant, il y a la merde. Maman, comment il va la merde? Sans c'est bon, comment ça va? Mais si, regarde, il y a quelqu'un qui a pas le patch là avec la. C'est de la merde ça! Sans ouais. C'est bon, comment que c'est? Ça va bien et toi, mon copain? Bah, ça va, ça va. Ça va, ça va. Je vois qu'il y a un truc qui dépasse. Qu'est-ce que vous faites de beau? Qu'est-ce qui dépasse là? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, nous. Un truc qui dépasse les surtages là. Ah, malagrand dans ce mort là, tu enlèves toi? Attends, je vois que toi aussi, mon copain. Juste avec un truc. Et puis obligé. Ah ouais, vas-y, on repose ça ou je te mets la calotte de ce mort? Je vais poser ça, ouais. Ah, c'est laquelle Ah bah là, ça va être un point, là. Ah, c'est pareil que ton pneu. Remonte-lui toi ta caisse avant qu'il t'attrape. Ah. Allez, fais le courir, faut l'épuiser un peu le machin. Mon pneu. Mon pneu. Il va passer à droite. Ah, allez, paf, dans ta gueule, hop. Oh. Hop là. C'est du grand Mendes. Alors. Hop, et deuxième, mon copain. J'ai le deuxième pneu, mon copain. Une carcasse, t'avais gagné, mon copain. Oh putain. Ah, hey, oh, prospect! On respecte quand même l'adversaire, aide-le à se relever là! Là, j'ai essayé de se relever, ça va. Fait qu'à merde, va! Je vais t'essayer de te relever. Tu attrapes même, si tu arrives, hein, parce que pour attraper les pneus, t'es bon, mais. regarde-les! Oh, ça va? C'est mort! J'ai pris le poteau tout à l'heure, t'as de la chance! Non, allez, tête, descends de là, toi! Ça va pas ou quoi? Ah, tes deux pneus, mon copain, ils sont sur la route. Bon, copain. Ah, t'as plus qu'à aller chercher tes pneus, prospect. Oh, maman, vous attendez qui là? Vous venez comment? Non, j'attends personne. On était passé boire un coup, café, pour nous réveiller un peu. Ah, d'accord. Hé hey, il a pris un pneu. Ah, bah, Snow, je crois qu'il a pris ton pneu. Oh, c'est son pneu. Ah, c'est son pneu. Ah, non, absolument pas, non. Vous entendez pas, Alice? Si, à la base. Mais. Elle est partie dormir. Ah. Quoi? T'as mis mes copains. Quoi? Oh putain, elle est partie dormir. Coupe mon aïeul. Ah, mais mon copain. Ah, mais Spongy, ouais, c'est là-bas. Non, en plus, on a pas volé de pneus, mais Spongy, là, je comprends pas dire. Enfin, je vais dégoûter, là, j'étais en train de me battre, là, mais j'étais pas au milieu de ma forme, là, j'avais pris un poteau tout à l'heure. En vrai, si, c'est vrai que une fois qu'il est bien lancé, il roule plutôt pas mal. Donc c'est là Vince Pucci, non? C'est qui Vince Pucci, hein? Attends, je vais appeler Jamel pour savoir où ils sont.
Ah, vous êtes où, Jamel? Et vous êtes où? Et c'est où? Vous êtes... Ah, tout de suite. Elle est en train de montrer ses mamelles au flic qu'elle l'a pour $500. Maman! L'auto! Tu l'as décaloté, mon copain! Ah, je t'ai dit, elle bouge pas l'auto, hein! Maman, mais la mamelle, elle est où, la mamelle? Ça a du couple, là, ce bordel. Ça, hein, ça monte quand même à 160, hein, putain, j'avais pas vu. Maman, comment tu l'as déglingué, l'auto, mon copain? Ah, c'est acté, hein, je vais me l'acheter, celle-là, pour faire la cascade et tout. Tu m'étonnes, mon copain, tu m'étonnes. Je l'aime beaucoup, celle-là. Faut juste trouver du même style, là, j'aime bien, là. Monsieur, vous connaissez Chameau et Chamel, là, ou pas? Vous êtes là pour servir la communauté. Ah, maman! Ouais, moi, ça, c'est de la belle auto, tout ça. Oh, là, là. Maman, essayez d'être à mon véhicule, mon copain. T'as montré les mamelles, Chamel? Maman, le monsieur, il veut bien que je monte mes mamelles pour $500, mon copain. $500, mon copain. Ah, bah, du coup, moi, j'attends les $500 et je monte mes mamelles, hein. Sans problème, hein. Ah, bah, vas-y, mon copain. Mais t'as pas envoyé ton numéro? Ah, pardon, non, j'ai envoyé mon numéro, vas-y. Ça va sinon, messieurs? Non, ça va bien, toi, mon copain. Ça va. Bon, je pense. Ils sont un petit peu durs. Moi, c'est Gros Désir. Ah, oui, c'est Gros Désir, c'est vrai. Attends. T'avais vu à la grosse bite? Et voilà, je t'ai envoyé 500. Ah, merci, mon copain. Vas-y, je te montre ça de suite, mon copain. Ah voilà! Oh monsieur là! Ouais bon! Oh maman, comment tu vas? Je m'attendais à mieux quand même! Attends, je te fais un petit bout de. Ah, on fait troc! Non, tu remets le pneu là! Ah bah, le shérif des shérifs, il avait fait le troc! Oh seigneur! Tu remets le pneu! Maman au cul! Merci pour le bon nom, mais tu remets le pneu! Mais on fait troc et je remets le pneu, promis! Et puis après, on touche plus à l'auto! Sinon, moi je vole son pneu à lui, je m'en bats les couilles! On fait le troc, mais c'est pas grave, si tu voles le pneu, on a des pneus pour en remettre du coup maintenant! Monsieur Gros Désir, on fait troc. Je vous pique le pneu s'il me ramène pas le mien. Non, mais on fait troc. Vous nous donnez, je sais pas, un petit sandwich, un petit truc comme ça et on rend le pneu. Mais c'est mon pneu, c'est du raquettage ça, je t'arrête. Non, c'est troc, c'est troc. Il est beau son cul. Non, vous demandez gentiment, non? Bah si, bah oui, on a demandé gentiment. Un petit sandwich et on vous rend le pneu. Parfait, nickel. C'est troc. Et après, on touche plus à votre auto. Ouais, mais ça, c'est pour un pneu. Vous avez troqué avec moi. Après, faut troquer avec le frérot. Comment ça? Ah, bah oui. J'ai mon pneu là. J'ai une achat de ma gueule là. Pas du tout. Troqué, mon copain. Moi, je donne un cigare à Charles. Voilà, je vous installe le pneu. Mettez-moi le pneu, s'il vous plaît. Et si tu veux un autre cigare? Je la récupère. Oh, bah, bon. Bouge pas. Retourne-toi pour un autre cigare. Attends, oui, on retire le parpaing, parce que sinon c'est moi qui vais vous en mettre. Maman, mais toi t'as pas un parpaing, toi t'as la matraque de Mamako, toi. D'après la dernière demoiselle qu'on a rencontrée, effectivement. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, Monsieur Gros Désir, il a gros plaisir. Hein. Exactement. Bougez pas. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai souffert, je t'ai dit, arrête de mater le cul des mecs. Regarde le cul des femmes. Non, mais libre à lui, hein. C'est quoi, c'est ton mari, c'est ça? Non, c'est mon fils. T'as mis une aiguille dans le cul, le con. Hein. Oh, c'est mon fils, il a un mari. Tu vas te calmer, bordel de merde. Voilà, tu vas arrêter de faire le con. C'est ma fille, Chamel, c'est ma fille, mon copain. Et moi, c'est. Ah, c'est ta fille à toi. Ah, oui, je suis bien.
Non mais t'inquiète pas, il l'a essayé aussi, c'est du bon matos. Et moi j'ai essayé ma fille aussi, c'est du bon matos. Tu veux tester gros désir? Putain, je veux pas, tu m'as pas fait le bisou, Chamel. Elle est célibataire la deuxième fille? Non, elle est en couple, mais elle est ouverte. Oh non! Ah, la langue. Ah, ça c'est beau, ça on aime comment voir ça. Comment ça, elle est ouverte? Bah, elle est ouverte au partage. Elle est avec mon fils. Après, faut demander à mon chouchou. Alors, après, tu vois, il y a juste un. Mais attends, elle a quel âge? Mais non, elle a quel âge? Bah, elle en a. Ah, j'ai 25 ans! Voilà, mais. Ah, ça va. Mais monsieur Gros Désir, par contre, il y a juste un problème. Si jamais tu veux la marier, il faut la dot, il faut y aller à l'amour. Et puis après, il faut que tu abandonnes ton nom Gros Désir et que tu t'appelles Gros Désir Martinez. Ah non. Et que tu vis dans la caravane avec nous. Ah oui, tu vis dans la caravane. Hein, et Gros Désir, t'abandonnes toutes les conneries là, avec les loupiottes noir, jaune, blanc, je sais pas quoi là. Non. Bah, je te dis, t'habites dans une villa, mon copain, c'est ça que tu dis tout à l'heure? Oui. C'est quand tu nous invites pour qu'on fourrave un peu là-dedans, mon copain? Oui, mais bien sûr. On amènera du niglou, on amènera du niglou, mon copain, non, c'est toujours. Bah oui, on amène le niglou, y'a pas de problème. Et non, moi je veux pas marier, moi. Putain, mais je cherche une phrase gouloubois, je l'oublie. Ah non, mais y'a le cousin, par contre. J'ai vraiment l'impression, par contre, au Gros Désir, que t'as l'habitude d'être un prévenu plutôt qu'un policier. Tu montes tout le temps derrière. Tu montes tout le temps derrière. À maman, tu peux expliquer comment ces derniers temps, j'étais pas mal mis à pied. Parce que je comprends pas. Ah bah voilà, je comprends pas. Il dit que toi, t'es ma maman, et le blanc là-bas, c'est mon papa. Ah bah non, moi je suis sa maman. Alors je dis, bon, attends, je vais t'expliquer la famille. Il va t'expliquer la famille. Alors moi, moi je suis le padrier, d'accord. Ma fille, c'est Chamel, d'accord. J'ai trois enfants. J'ai une fille et deux fils, d'accord. Chamel, Teddy et Juan. D'accord. Chamel et Teddy, ils sont ensemble. Ils ont fait un enfant qui s'appelle Christopher. Et c'est des jumeaux, c'est des jumeaux. Je suis marié avec mon frère jumeau. Ensuite, mon frère, José. Monsieur Pousse. Oui. Là, jusqu'à vos fils, c'était Good, ok. D'accord. D'accord. Et après, c'est passé quoi? Alors, en fait, Chamel. Ma fille, okay, elle est en couple fille. Avec mon fils Teddy, ils avec sont jumeaux tous les deux, d'accord. Et ils ont fait un enfant qui s'appelle Christopher. Ah, ça va, mon copain, ça va. À gauche, mon copain. D'accord. Ensuite, mon frère, José, c'est le plus long là-bas, mon copain. Et bah, lui, il a trois enfants aussi, il a une fille et deux garçons, d'accord. Sa fille, elle est en couple avec mon fils. La gadji, là. Mon troisième fils. Là, c'est bien. Elle est en couple avec moi, c'est moi. Et après. Ça s'éloigne un peu. Voilà. Ensuite, y a mon frère et mon fils. Alors, je sais pas comment dire parce qu'en fait, je l'ai fait avec ma mère. Alors, c'est aussi mon frère, mais c'est aussi mon fils du coup en même temps. Hein. Et, ouais, parce fait, que la calotte de ses morts dans la famille, il faut qu'on soit apte à pouvoir donner du plaisir aux femmes. Donc, on teste d'abord avec notre mère et après, on teste nos filles avant de la donner aux cousins. C'est notre mère qui nous a dépensé, mon copain. Et le père, il a fait l'amour avec tous, que ça soit des hommes ou des garçons, ou des filles ou des garçons, ou tout, qui est un kiki, qui a tout. Dessus, là, mon père. Il m'a pris le cul là, putain, j'ai encore mal là. Et moi, je suis passé de mon fils, mon petit-fils, mon copain, et mes deux fils, et ma fille aussi, mon copain, et la fille de mon frère aussi, et les fils de mon frère aussi, mon copain, et les fils de mes cousins, mes cousines. Et après, je vais aller me faire soigner chez les médecins. Pourquoi de grand désir? C'est pas le problème? Non, franchement, pas mal la famille. La famille Martinez, mon copain. Plus comme ça, ouais. Pousse comme ça. Là, bien dans le nord. Le pouce, il est pas dans le nord. Maman, ici, c'est le nord. Hein. Ouais, n'hésitez surtout pas. Quoi. Par contre, Chamel, ouais. La prochaine va au Binko et achète le haut qui est au rayon 82, d'accord? Ok, je vais regarder ça. Et là, je te filerai les $500. Non, mais oh là. Bah, tu me les as déjà filés, mon copain? Oui, mais je les redonnerai, voilà. Ok, d'accord, pas de souci. Tu m'as dit 82? Rayon 82, ouais. Ok, pas de soucis, je vais regarder ça après. Et la mamelle, t'as pris le numéro du Gros Désir? Maman, je me sens agressé, j'ai mon son. Ah, toi, tu veux le gros plaisir, hein. Gros Désir, gros plaisir. Moi, j'ai bien soigné les enfants, là. Allez, bonne soirée. Hein. Ouais, j'ai pris que ça repart. Hein. On va aller vite faire chier les pansements, nous aussi, mon gars. Vas-y, fonce avant que j'arrive avant eux. Allez, coupe, pokaba. Maman. Mais tu il sait pas conduire. Comment ça va? Maman, il sait pas conduire. Maman, l'auto, elle est trop solide. Elle est trop solide, l'auto. Maman, je dis, ça va foutre du volant, mon copain.
Il a pas le permis de façon mon copain alors. Maman, pourquoi tu leur dis ça? Ils vont mettre les amendes. Ah bah là, conduite dangereuse hein. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, gros désir, gros bobo maintenant. Aïe, conduite dangereuse. Ah bah si tu veux, je t'en donne 500$ hein. Un bisou hein. Pour 500$, un bisou, mais je sais pas où. Un allez, bisou pour 500$. Un bisou, allez. Il va bien là. Mets pas les 500$. Dans les mains, mon dieu. Attends, un bisou magique ou les 500$. Non, on peut photocher le cul. Vous allez prendre en photo quoi? Non, ça ira. Le gros désir. Oh, le gros bisou. Ah, il a mis la langue. Oh, la langue. Ah oui, je m'attendais à un bisou sur le front, moi. Seigneur, bah ça. Alors, il s'est passé quelque chose? Moi, il s'est rien passé, monsieur. Gros désir. Toi, t'as gros désir. Comment t'as fait pour te manger les murs, là? Elle a grosse langue, hein. Maman, oui, honnête citoyen, allez-y, continuez votre circulation. Maman, le barreau. Ouais, non. Le braquemar, quoi. C'est un pilier de fondation. Alors, après gros désir. Laissez-moi. Non, désolé, je reste comme ça. Et t'as vu, toi, t'as gros désir, gros plaisir. Lui, elle a grosse langue. Moi, je veux bien. Deuxième mari. Ah bah écoute, tu t'arranges avec gros désir. Hein. Bon, mais non, Juan va pas le comprendre. Bon, moi je peux pas descendre, laissez-moi un peu de temps. Pourquoi? Elle monte dans le véhicule, vous Maman, grand désir, ça va? Oui, ça va très très bien même. Ouh là là. Merci monsieur, c'est tout bon? C'est tout bon. Bah, bonne soirée. Et bonsoir monsieur. Et bonsoir. Ah bonsoir. Oui, je viens me soigner. Alors de base, j'étais tombé, j'ai eu un accident là. Donc, par contre, il a un petit problème dans le pantalon, je pense, parce qu'il vient de rouler une galoche de ses morts avec la cousine. Maman, qu'il a mis de la langue. Oui, non, rien, je vois pas de quoi il parle. Ah, si, moi je vois bien. Hein. Je crois même que le collègue il a pris la photo. Il est galoché. Juste monsieur Dieu l'Espidi. Tu feras attention parce qu'il y a le monsieur, il a mis la langue. Non, mais je vois, il y a la famille. C'est ma matraque. C'est ma matraque. Mais vous l'attendez. Ah, maman. Pourquoi il va faire un toucher rectal à papa? Ah, maman, pourquoi? Le petit moment bas et haut avec votre mâchoire. On va essayer de la remettre dans l'axe. Ouais, bah écoutez, je pense que vous pouvez faire les deux, non? On va la claquer là, vous. C'est tout ça dans ce monde de brut. Parce que je suis. La mâchoire, faut jamais y aller brusquement parce que si. Non, mon copain, ton tronc, t'es beau. Oh putain. Oh maman. Mais là. On est pas ici. Mais ça s'occupe. Maman, il y a des culs partout, des hommes. Maman, comment ils vont les copains? Ça va et vous? Ah bah ça va. Il lui est arrivé quoi, monsieur de la jaquette là? Ça vous regarde pas. Ah, bah ok. Qu'est-ce qui vous arrive, mon petit monsieur? Elle est pas gentille, hein, la madame. Oh putain, t'as vu, c'est encore une nouvelle jaquette? C'est une jaquette, il y a écrit. Ouais, comme ça. Qu'est-ce qu'il veut, toi, le plouc là? Il a écrit qu'il était perdu derrière, il a écrit Lost. Parlez un peu moins fort s'il vous plaît dans la salle de l'hôpital. Oh. Tu l'as compris le truc. Merci. Ah, par contre, là, quand c'est mort, je parlais pas fort, excusez-moi. Bon, ça pourquoi tu dis que je suis un peu blue? Pas un blue? Qu'est-ce que je t'ai dit? T'es un peu blue. Ah, d'accord, bon, si tu veux, bon, t'es pas très important. Il y a des gars de la jaquette qui parlent un peu mieux que toi quand même.
Ah, si tu as endormi la louve, hein, pour parler, il compliqué alors. Je pas endormi ta louve, j'endormais ton système nerveux qui fait que tu ne ressens plus rien vu que ton système nerveux il dort. Ouais, ah, je croyais que tu m'as parlé maintenant, tu m'as parlé. Ah bah, ouais. Ah, ah, ça va, ouais. Il y a encore un monsieur avec une nouvelle jaquette. Bah, par contre, il est pas très aimable. Hein. Il dit qu'on est des bouloucs. Des bouloucs. Moi, j'ai mal, mon gars. Quand vous n'avez plus qu'une 163, vous rincez abondamment à l'eau ni trop chaude ni trop froide pour éviter tout ce qui est de brûlure. Ouais, à l'antienne, du coup, attends, il a pas le droit d'aller dans les étages. Du coup, bah mon gars, s'il prend l'alcool, c'est bon. D'ici 20 à 30, non, pas l'alcool, d'ici 20 à 30 minutes, ça devrait être bon, vous pourrez nettoyer. Ah, c'est bon, tu pourras mettre le whisky dessus. Ah oui. Ah, mais comment c'est possible? Mais t'en fous partout! T'en as plein sur ton t-shirt là, bordel de merde, t'arrives pas à mort! Il y a rien, il y a des Genre, vous voyez où il est mis lacets là, sur mon pantalon? Vers là. Il est là-bas, la jaquette qui est par le mal. Et où la jaquette? Elle est là, il fait l'auto, la jaquette là. Madame, je vous demanderais juste de retourner là-bas, s'il vous plaît. Ah, non, Salvatio là, regarde, il a une nouvelle jaquette là qu'on connaît pas, et puis il a dit qu'on était des blocs. Ah, des jaquettes, mais enfin. Allez, vous me voulez quoi là? Ah, je sais pas, vous voulez savoir ce qui était arrivé ou quoi? Bah écoute, des problèmes de moto, ça arrive. Ah, ben on t'avait dit de dire que c'était dangereux de toute façon de rouler sur les motos comme ça. Je comprends ce que tu dis, mais on parle pas vite, la bordel de merde, on parle vite. C'est comme des démons envoyés depuis les enfers, c'est ça? Bah non, nous on est le Martinez, Ah, le Martinez, c'est une famille, on est derrière le dinosaure rose, là, tu vois, le dinosaure rose dans le nord. On m'a endormi les bouches, on va arriver à parler. On lui a endormi la bouche, c'est pour ça qu'il a du mal à parler, tu comprends? C'est quoi votre délire à vous, les Martinez? Bah, nous, notre délire, on fait tout, mon copain. On fait tout, c'est quoi? Ça veut dire quoi, ça? Tout, bah, là, tu vois, on vient d'avoir une interaction avec les gars de la NSBD. On leur a volé les roues pour faire du track. On leur a volé leurs roues devant eux. Tu me poles des roues, mais putain, vous êtes quoi? Vous êtes. Vous êtes voleurs, en fait. Non, on est des gitans, mon copain. Ouais, voilà, des gitans, exactement. Bah ouais, on vole de tout. Tu veux quelque chose, on te le vole. Ah ouais. Ça va être un peu plus compliqué, mais bon, c'est après. C'est compliqué, hein, fais ça pour pas là. Bah, entre les mains, non, mais. Ça. Regarde les mamelles. Ça, c'est un bon fusil à pompe, ça. J'ai en face de moi, là. T'as vu? C'est deux cartouches. Et sur la vie de ses morts, on l'a tous les deux testé, je peux t'assurer. Qu'est-ce qu'elle pompe? Attends, t'as pas dit que c'était ta fille, hein? Bah oui, on teste la fille, on teste la sœur. Toi aussi? Bah non. Moi aussi, j'ai testé ma fille. Et pour savoir si on était des bons au lit, on a testé notre mère aussi. Notre mère nous a testé. Mais c'est taré. Et puis même mon frère, il a dérapé, il a fait un fils avec ma mère. Attends, bon, mais bonne soirée, messieurs, mesdames. Ah, bonne soirée, gros désir. Salut, gros désir. Bon plaisir de vous revoir. Waouh, gros bisous. Et voilà, tu vois, on se tête tous, et puis notre père, il nous a tous testés, garçon comme fille. Hein. Ah, j'aurais pas dû m'éclater en moto, là. Qu'est-ce que je fous au milieu des Martinez, putain? Bah ouais, mon copain. Attends, t'as mal où, mon copain? T'as mal où? T'as mal au genou, mon copain? J'ai tapé au bras, surtout au bras. Touche pas. Si on appuie là, on est en train de jouer avec notre copain là. On va faire un peu de temps. T'as un téléphone, mon copain? J'ai pas mon téléphone sur moi, là. Ah, t'as pas ton téléphone sur moi? Ah, dommage. J'ai une M de Wish. Ah, comment ça, j'ai une M de Wish? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je suis un gitan, j'ai pas un M, je comprends pas. Ah, il en a pour combien de temps, le copain? Histoire qu'on vienne le chercher, comme ça, il sera tranquille. Je sais pas. Tu as un copain? Je sais pas ce qu'il dit. Comment ça, qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, ça devrait aller vite, mais. Ça devrait aller vite?
Ah, c'est dans l'élite. Tiens, si tu veux, j'ai de l'urine, est-ce qu'il paraît ça soigne tout? Tu veux que je te pisse sur le bras? Zou, tu veux qu'on danse le zouk? Ah, t'es un coquin, toi aussi t'aimes les garçons. T'es comme mon fils. Ah ouais, bah, ça sera ce soir. Ce soir, je te dis, tu viens d'arriver en ville. Il faut que je t'enfile ce soir, là, ma fille. Bah ouais. Voilà, faut lui rappeler les bonnes habitudes, là. Allez, voilà, bonne soirée, le monsieur qui est perdu. Bah ouais, après, c'est pour le cousin. Et le monsieur le médecin, je vous fais des bisous. Après, c'est pour moi, non. Monsieur Doudou. Ah, mais ton jour Doudou, il vient Doudou, donc c'est à moi. Je venais parler à Max. Comment ça va, les gamins? C'est un hôpital ou? C'est un enfant. Quoi? Oh, ça va? Oh, les mamelles de sa mère! Oh, il y a un démon blanc! La maman! Tu vas rien faire! Oh, c'est bien beau! Eh, bien, ouais, tu passes quoi à la sentie? Je passe quoi? Où, mes gamins? On vit dans le sud! Ah, comment ça va? Vous êtes les mêmes avec. Il y a un gars à vous, il a la jaquette de Lost aussi dans l'intérieur là! Le retour du 1v1, allez, le retour du 1v1 là! Excusez-moi, je vais vous trouver une mémoire! Je suis pas prêt là pour un 1v1. Il a beaucoup moins! On fait jamais de bacca! Allez, viens ici. Vas-y, t'as le gueuleur. Vas-y, montre-lui. Montre-lui. Ah, bah, ici, ça fait mal. 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 Vas-y, vas-y, la calotte de ses morts. Vas-y, du même bel rap. Vas-y, la calotte de ses morts. Vas-y, mange tes bananes. Nique-le, sa mère là. C'est une fois qu'il pleure, nique-le, carrément. Vas-y, nique-le, mon Robin. Eh, hey, Prospect, tu vois là, c'est on est monté en l'air, jusqu'à là-haut là. Elle ira chercher ses fruits et légumes. Prospect, écoute-moi. Oh, ouais, dis-moi. Eh, hey, déjà, tu retires ton cuir parce que là, le cuir, c'est l'honneur. Ouais. Ah mince, sur le cuir. Tout le monde dit belle d'amour. Je trouve que ça traîne du pli par là-bas. Oh, maman, il va y avoir de la crainte de ce mort, il va y avoir la bataille. Maman, le cul qui a maman, le cul. Attends, vous parlez de qui là? Vous parlez de ma cousine? Non, le cul. Non, non, il regardait exclusivement que le cul des mecs. Ah, oh, ok. Oh. Elle mano. Bon, allez, mal. Allez, le prospect là. Oh, on a dit qu'il avait la barre. Oh, maman, il va. C'est pas lui qui m'a manqué de respect. Hein. Moi, je vais pas me battre avec lui. Maman, il va lui décolleter la calotte de ses morts. Vas-y, la gadji. Il a enlevé son cuir. J'enlève mon maillot sacré. Voilà. Allez, on peut y aller. Ça marche. Oh, vas-y, la gadji. Éclate-le, la gadji. Ah, mais faut pas sauter, la gadji. Arrache-le là. Voilà. Regardez-vous les filles. En moi, trop belle pour être frappée. Moi, je que c'est la femme qui gagne. Il a essayé la percute là. C'est la femme. Let's go. Voilà. Oh, maman. Il y a triche. Aïe, maman, attends, stop. Qu'est-ce qu'on fait, arrête. Tiens, toi aussi, là. Allez, je suis là, Oh, maman, tu l'as éclaté, la calotte de ce mort. Je vais vous avoir irritant. Je suis là, je suis là. Mais arrêtez de vous taper, là, les deux, là. Oh, attends, je mets un. Non, attends, il est au sol. Il est au sol. Regarde, il y a ton copain là avec la jaquette là, il est par terre là. Merci. Vas-y, attrape ma main, monsieur de la jaquette là. Si vous voulez, je monte mes mamelles, vous allez te mettre. Mais lui, attends, dans l'oreille, je te mets dans l'oreille. Ah, ça va dire. Ouais, c'est pas mal. Du coup, j'ai besoin d'un médecin. Allez, on y va. On va toucher le médecin. On a gagné. J'ai une question. Du coup, vu que c'est un prospect, on a croisé tout à l'heure des gens avec des trucs comme vous. Ils nous ont dit que c'était un tas de merde. Mais on a un peu plus de respect que les Thompsons, nous, envers nos prospects quand même. Ah, d'accord. Ils ont dit que c'était un tas de merde. Ça reste la famille quand même. Ils ont même pissé dessus. Ah, d'accord. Non, nous, on ne pisse pas dessus. Non, c'est un tas de merde, mais quand même, on a du respect. Oh, j'ai touché tout à l'heure, jamais on pissera sur nos prospects, nous.
Oh, bah ça, c'est bien, vous êtes gentil, alors. On peut leur faire récurer les chiottes, mais jamais on leur pisse dessus. Ouais, alors, d'un certain côté... Ah ouais, vous préférez qu'il ait la pisse de tout le monde en récurant les chiottes? Ah d'accord, je vois le délire, moi, ouais. J'ai une question, les gitans. Ouais. Vous avez pas un petit numéro pour la castagne? Vas-y, pour la castagne, toujours, vas-y. On va faire manger du loup. Si jamais, mon gars... On met de l'essence, on le balance dans le feu et ça fait pic pic pic. Il y a que les Pokémon qui font l'attaque pic pic d'abord. Bah non, c'est quoi ça, comment ils appellent les gens ici? C'est un hérisson. Non, un hérisson, nous c'est le néglou. Le néglou avec de l'essence. C'est bon ça. Ah, franchement, c'est super bon. Vous mettez de la sauce barbecue? Non, de l'essence, de l'essence. Faut siphonner mon mécan, là, on siphonne mon mécan. Mais on prend que de l'essence, de temps. Il faudrait juste que j'aille au poste récupérer ma carte d'identité, tout ça. Ça, j'ai pas. Ouais, on s'en bat les couilles de ça. Ah, c'est le recensement, c'est... Si t'as pas connu, c'est bien aussi, t'as Mais bon, comme ça, on ne cassera pas les couilles. Ah, ça y est, il est sorti le copain. Il est sorti le copain, comment il va, le copain? Ah, il a la bagarre. On a fait une bagarre, mais pas avec nous, c'était avec les Brésiliens. C'est les Brésiliens, on a fait des bagarres. Oh, attends, il y a de la ferraille là, regarde, il y a de la ferraille qui arrive. Il y a de la ferraille, oh mon copain, comment ça va? Attention, monsieur, faites attention. Là, il y a de la ferraille. Ah bah oui, ouais, ils ont dit que j'étais juste une chasse. Ah non, mais t'es une femme quand même. Ah non, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Oh les cops là, allez. Oh là là, les mecs, c'est un petit peu là. Oh, c'est beau là. Oh, c'était pas... C'est ça que tu veux? Non, rien, mon copain. Ah c'est ça, tu l'écoutes pas dans ton retour, c'est ça? Oh là là, mais y'a des jaquettes Lost partout là, comment ça se passe là? Oh là là. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Elle bouge de là, le singe là. Allez, bouge de là, toi. Singe vert là. Allez, le singe. Elle a la monkey là, elle mange tes bananes là. Oh, le CC. Pousse-toi de là. Hé, je suis blanc moi. Bah, excusez-moi. Monsieur, je vois juste une gadget devant vous, y'a pas de singe? Je vois personne de blanc ici. Non, non, non. Là, c'est pas des êtres humains, ça. C'est un singe. Bonsoir, monsieur. Ah, comment allez-vous, mon homme? Eh, madame, est-ce que si on vous vole une jante, on peut faire du troc? Ah, ses cheveux gris. Non, vous voulez pas une jante, j'en ai besoin s'il vous plaît encore. Non mais après on fait le troc. Je vous dirai en fin de semaine. Vas-y, on est d'accord. Si vous voulez une jante, vous nous donnez 500 dollars. Sauf votre respect madame, on est vendredi, c'est la fin de la semaine. Ah non, la fin de la semaine pour moi c'est dimanche. Ah bah oui, mais je vous rappelle dimanche, d'accord, et je vous dis quoi, ok? Ah d'accord, mais si vous... Après par contre si vous me dites que quoi, ça sera bizarre. Bah ouais, je vous dirai des trucs quoi, y'a pas de soucis. Bah ok, ça marche, y'a pas de problème, d'accord. C'est les Martinez. Ah, allez, les Martinez, gueule de mort, faites attention à vous. Ah, la gueule de mort, le niglou. Waouh, waouh, waouh. J'ai l'impression que c'est un screenshot by Benoz. Ah, ils ont l'air de vous aimer les jaquettes de Lost, là, je sais pas pourquoi. Bah t'as vu, parce que... Moi, je comprends pas pourquoi ils avaient justement des autres. Bah ouais, non, mais c'est pas... Le taux du pic, ça a baissé et tout, maintenant, ça s'en marche. Ah bah bon. Bah après, faut arrêter de trop en vendre, parce que si t'en vends trop, après, tu vois, ça baisse. Donc après, il faut vendre autre chose, parce que quand tu vends autre chose, ça va faire baisser. Ça va faire remonter un petit peu la hausse. La caravane, elle est mangée, la caravane, il n'y a plus moyen... Comment ça, quoi, t'as mangé la caravane? T'as réussi à manger la caravane avec la ferraille et tout, c'est pas possible. La copine, je suis mis dans le boursin, attends un gosse, même pas de trop d'éduquer, je vais faire des couches avec... Alors là, c'est félicitations si t'as le bébé là qui arrive, là, la calotte de ses morts. J'ai le bébé, mais... Faut qu'il grandisse vite, moi, j'ai... Pourquoi tu veux qu'il grandisse vite? Pourquoi tu veux qu'il grandisse vite? Faut qu'il prenne son temps, le gamin, là. Regarde, après, s'il grandit trop vite, ça fait des débiles, là, comme le Christopher, là-bas, là. Il y a un truc en plus. Il y a un truc en plus, parce que c'est peut-être que ses parents, c'était des frères jumeaux, c'est pour ça, frères et sœurs jumeaux, voilà, c'est pour ça. C'est du nord, hein. Non, on vient pas du nord, on vient de partout, tu vois, on vient de Dallas, c'est pas trop dans le nord, tu vois. Vous crèchez où? Bah nous, on crèche, tu vois, le dinosaure rose dans le nord, là, le garage Harmony, on est juste derrière. Il y a des caravanes là-bas, on a rajouté une trentaine de caravanes, là, on arrive avec toute la famille. Ah, parce qu'on nous fait chier. Hein? Bah non, personne nous fait chier, pourquoi on nous fait chier, nous, on est sympa, tu vois. Moi, ce que je dis, les gens, ils sont un peu... Il y en a beaucoup, ils nous disent, oui, raciste, les couleurs, machin, tout ça. Moi, ce que je dis, la ferraille n'a pas de couleur. Ah si, la ferraille a la couleur.
Oui, mais ça dépend, peu importe. Non, mais du moment que tu peux la revendre, on s'en bat les couilles. Comme je dis, blanc sans le N, ça fait black. Quand quoi sans N, ils sont tous les mêmes. Hein, quoi, comment ça, blanc sans le N? J'ai pas compris. Black. Blanc sans le N, ça fait black. Quand quoi sans N, ils sont tous les mêmes. Ah, alors c'est philosophique ça, hein, j'ai rien compris. C'est comment ça, tu vois? Je sais pas lire, je l'ai pas gris. Dès que je suis né, j'ai commencé à faire de la ferraille. Le truc, c'est qu'on est tous les mêmes. Bah oui, bah ouais, mais moi c'est ce que je dis, je m'en bats les couilles, tu vois, de la couleur. À moi, part les noirs, ils sont exclus. Mais ça, c'est autre, ça, c'est après. Ça. Oh, ah, bah, bizarrement, hein, bizarrement, y a pas tous les mêmes. Oh putain, incroyable, c'est combien la dot? Ah non, alors après, voilà, c'est faut que tu rentres dans la famille, hein, c'est ça le problème, hein, c'est que tu t'abandonnes tous tes tatouages là et toute ta famille. Ah non, 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 non. Ah bah c'est ça, c'est. Parce qu'il faut, il y a l'amour, il y a la dot, et puis après, forcément, tu deviens Martinez si jamais tu maries. Il y a le mouchoir, Hermano. Bah non, 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 si je la marie, elle devient Santos. Bah non, c'est parce que, si elle vient de Santos, elle a plus le droit à avoir des toasts. Donc elle adore les toasts le matin. Ah ouais, non, c'est vrai qu'il soulève un bon point là. Voilà, c'est pour ça, donc c'est vrai. C'est mais non, justement, je lui en fais tellement qu'elle en voudra plus. Je voudrais pas que le point là. Maman, j'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est pas grave. Non, qu'est-ce qui t'arrive? En train de claquer. Après, c'est pas grave, à défaut d'avoir des touches, je peux la tous. Bref. T'as un truc en plus. Alors je t'explique, normalement j'aurais dû m'appeler Chanel, sauf que mon tonton il est allé mettre, tu sais là, il faut faire le truc là, comme quoi mettre le prénom. Il s'est trompé. Et en fait la madame elle a dit, est-ce qu'il y a deux jambes ou trois jambes sur le N? Mais il lui a dit, moi j'ai trois jambes. Du coup il a mis un bar de plus au... Et je lui ai sorti ma troisième jambe, voilà, et puis on a fait l'affaire, tu vois, mais c'est... Du coup ça a fait Chanel au lieu de Chanel. Et du coup, tu vois, c'est parce qu'en plus, ça tombe bien parce qu'elle a de belles mamelles. Il est où l'or là? Elle est où ta chevalière? Comment dans la chevalière? On va Il est jamais là, le bijoutier, mon copain. On aimerait bien avoir des bijoux aussi, mais jamais de la vie. C'est ça. Pour qu'il soit là, faut le braquer. Des bijoux et des petits tatouages, mais le problème, c'est qu'il n'y a jamais personne qui en fait. C'est compliqué. Ouais. Par contre, les hermanos, j'ai pas compris. Le médecin, il m'a quand même fait des points de suture avec un chalumeau. Alors, il a cauterisé directement la place. Si c'est ça, la prochaine fois, mon copain, tu viens chez moi, je vais te les faire, moi, des points de suture, mon copain. On a les chalumeaux aussi. T'as juste une égratignure. Ah, bon, la conte, c'est mort, c'est quoi le corbillard là? Il y a pas mal de verrières là-dessus là. Maman, la compte, c'est mort, C'est une deux chevaux, c'est une deux chevaux, là. C'est pas mal comme corbillard, tout ça, là. Vous avez vu, elle est pas mal, hein. Maman, j'aime bien. Attends, bouge pas, je vais prendre un pneu de l'auto, là. Bouge pas. Oh, Chamel. Ouais. Envoie ton numéro, je vais payer la dot. Ah non, mais il y a des conditions, hein, mon copain. Non, mais parce que si jamais tu payes la dot, faut après il y a l'amour et il faut que son mari soit d'accord aussi. Il y a le mouchoir. Comment ça, son mari? Bah, elle est mariée. Et elle a eu le gosse qui est derrière là avec son frère jumeau. Mais il y a pas un petit souci là parce qu'on dirait il est plus vieux que lui. Ah, t'as pas tout compris en fait. Non, mais c'est qu'il s'est pris tellement de claques dans la gueule qu'il est défoncé. Attends, mais ça veut dire que son frère c'est son mari qui est son cousin et qui est le frère à son expert. Alors attends, je voilà, vas-y, explique quel âge. Moi j'ai 36 ans. Oh maman. Du coup, en fait, si vous voulez, voilà, j'ai mon frère jumeau, Teddy. Bah, du coup, ne trouvant pas de famille, du coup, je me suis mariée avec mon frère. Voilà. D'accord. Et en fait, on a fait un enfant, donc c'est son frère, mon fils, ça va. Mais si vous voulez, en fait, j'avais un petit peu bercé trop près du mur quand il était petit, du coup, il a un problème à la tête. Ah, il y a un petit truc en plus. Bah, il a un petit truc en plus, et puis il a un problème au visage, quoi. Un chromosome. Ouais, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. Il y a des petites cacahuètes aussi. Il tient pas son père, malheureusement. Je voulais pas le véhicule, moi, j'ai réparé la. Ah voilà, c'est comme ça. Voilà, du coup, c'est qui le père? C'est Salva qui est là-bas, là, qui est en train de faire le tour là.
Non, non, mais, ça, mais le père de l'enfant. Bah, ah, il est, son père, il s'était dit. Il est pas là. Il est occupé à Dallas en ce moment, tu vois, parce que la famille, elle, c'est une grande famille. On a plus de 400 caravanes à Dallas. Et à Dallas, tu vois, c'est les 400 caravanes. Donc forcément, on essaye de s'expandre un petit peu. Donc on est arrivé dans Santos. Et Teddy, justement, tu vois, il arrive un petit peu plus tard. Mais du coup, nous, dans la famille. Bah, ah bah qu'il arrive à Gajola. Je crois qu'il y a trop d'informations à Teddy. Ah d'accord, c'est. Mais du coup, tu vois, donc toute la famille, elle vient par petites vagues, tu vois, elle arrive, c'est compliqué, tout ça, il n'y a pas de souci. Du coup, nous, ce qui se passe, c'est que nous, on, tu vois, donc le patriarche de la famille des Martinez qui vient ici, c'est Salva qui est là-bas, moi je suis son frère. Donc là, derrière la petite Gadji, c'est ma fille, que j'ai testée, tu vois, avant que le cousin, il se la tape, pour savoir justement si elle était bonne. Mais nous, tu vois, pour savoir justement, pour avoir les bonnes connexions. Bah non, je l'ai testé et je l'ai attrapé, tu vois, je lui ai fait l'amour, tu vois, il fallait bien savoir si elle savait bien faire, tu vois, parce que moi, quand j'étais jeune avec mon frère, c'est notre mère qui nous a testé. Mais le test de mouchoir, c'est pas grave, après, tu vois, tu fais l'amour pour la dot, et puis hop, tu mets le mouchoir, et puis c'est bon. Et du coup, le mouchoir est déjà percé là. Mais non, maman, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Ça se fausse là. Mais on met des mouchoirs particuliers, tu vois, c'est ça que tu comprends pas. En fait, si tu veux, en Europe, ils font le mouchoir avant, nous on fait le mouchoir après. Ouais, parce que tu vois, nous on n'est pas des Européens, on vient de Texas. Non, hein. On est pas ceux de l'Europe, nous. On n'est pas comme les petits Lopez, les petites Lopettes. Sans de mémoire, je vois Lopez, je lui descends, je lui baisse sa mère, mon Robin. Et du coup, dans pas longtemps, il y a notre frère qui va venir, mais la particularité de notre frère, c'est aussi. Bah, je suis aussi son tonton parce que mon frère, quand il a fait l'amour avec notre mère, bah, il a dérapé. Donc il a eu un gosse avec notre mère. Donc c'est notre frère, mais aussi je suis aussi son tonton. Je sais jamais si je veux l'appeler fiston ou frérot. Enfin. Voilà. C'est un peu comme mon frère, mais c'est mon fils aussi. Donc jamais. C'est ça. Moi, c'est soit tonton, soit frérot. C'est pareil, c'est compliqué. C'est toujours compliqué dans la famille, toujours, parce que tu vois... et du coup, Christopher, il sait pas s'il doit l'appeler tonton, ou grand-père, ou grand-frère, c'est... voilà. Oh bah, là, je crois qu'il faut reboot le cerveau, hein, monsieur. Oh, moi, là. Je crois que ça va plus de tout, là. Oh, moi, là, il a disparu. Hein. Bah là, mon copain, là, c'est pas le reboot, là. Ah, mon copain, si tu veux, là, sur ta machine, on met de la musique, hein, si tu veux, nous, on va te montrer ce que c'est avec les guitares, mon copain. Oh, moi. Allez-y, montrez. Pour guider en hésitant, il y a quelqu'un qui dans le sein. J'ai pas mon véhicule là. Écoutez, j'ai une question, vous êtes gitan, non? Bah, tout à fait, mon copain, pourquoi? Venez, on fait une règle, son pari 10 000 dollars. Normalement, vous savez vous castagner, non? Ouais, mais là, on est pas très bien, là, mon copain. Tu vois, c'est pour ça qu'on est à l'hôpital, parce que justement, moi, je me sens vraiment pas très bien. Et bah, plus tard, allez, refais, ça fait 10 000 dollars facile. Non, pas aujourd'hui. Bah, demain. Réfé, pourquoi c'est le grand des chefs là qui est à côté là, qui me regarde de près là, Ah c'est toi le grand chef. Ah ouais. Ah bah si t'as le grand chef, le grand chef il est là-bas là, nous chez nous là. Ouais c'est Salva, je l'avais déposé pour qu'il aille chercher sa caravane. Et, voilà, et du coup vous faites appeler comment là? C'est quoi votre petit nom là? La Sombras. Ah d'accord, ok. Et ouais. C'est vous les Brésiliens qui habitent à Caio-Péric? Non, c'est pas. Non. Ah, mais bah, c'est pas nous, on nous a dit. Autant pour moi. On va vous expliquer. Non. On a eu les Brésiliens tout à l'heure avec leur voiture de Scooby-Doo là, qui est venue là et qui nous ont agressé. Ils nous ont dit ouais, vous avez volé des pneus sur Vespucci, on va vous marrer, machin, nanan. Ils nous ont dit nous, on habite à Caio-Péric. On est d'accord. Donc, bah, du coup, on croyait que c'était vous. Parce que nous, tu vois, je vais te dire, la calotte de ses morts, si je te vole un pneu, je te le dirai en face et je te le volerai en face de toi même, s'il faut. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Et c'est ça. Non, mais moi, le truc qu'il y a, c'est que je suis pas dans l'optique de vouloir voler pour emmerder. Je suis dans l'optique de voler pour échanger. Je fais du troc avec ça. Monsieur. Mais il a un problème, ça, là ? Comment ça ? Qu'est-ce qui marche ? Attends, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, pourquoi écrit comme ça? Non, circulez, c'est toujours à votre collègue qu'on veut parler. Mais qu'est-ce qui se passe pour que j'aille là, mon père? Une fois qu'on aura géré, on vous laissera repartir, d'accord, monsieur? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais je comprends pas, mon frère, qu'est-ce qu'il a fait? Ok. Bah, malheureusement, il a sauté la mauvaise portière.
Ouais, la semaine dernière, partir, mais c'est pas grave, on essaie de réparer, de rendre service. La semaine dernière, elle est tombée, j'ai donné un coup de soudure et. Faut demander au propriétaire avant. Déjà, pourquoi vous vous baladez déjà avec un fer à souder à chaque fois? Ouais, parce que c'est toujours la boîte à outils avec le fer à souder, c'est... Toujours, tu vois, c'est... si jamais il faut désosser une carcasse, parce que tu vois, pour débarrasser la route, nous, nous, on n'est pas les charognards, on hein, manger tout ce qu'il y a, tous les trucs comme les corbeaux. Nous, on est là, on voit une carcasse, on désosse tout pour la faille. Bah aller à la caisse automobile, il y a pas mal de trucs, les gars. Ah bah je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de bagnoles qui sont abandonnées un petit peu partout, et bien comme ça on récupère l'appareil. Donc il n'y a pas besoin d'aller à la caisse. Si jamais les propriétaires portent plainte contre vous, malheureusement on sera obligé de vous arrêter, vous êtes au courant. Ah bah bien sûr, il n'y a pas de problème, mais bon, faut que le propriétaire vienne nous voir, comme ça on explique, et puis on lui explique que justement son auto, il y avait quelqu'un qui était passé, qui avait arraché la portière, et que nous on a juste voulu rendre service, tu vois, on est des personnes sympas, on fait du drogue, comme on a dit avec le shérif de là-haut, il avait eu un problème de jante, on lui a remis ses jantes et tout ça, et on a fait du drogue. Ok. Voilà, c'est pour ça, il n'y a pas de soucis. On a l'identité de monsieur Chevegris ou pas du tout Ok, parfait. Écoutez monsieur, si jamais le propriétaire vient porter plainte, on viendra directement discuter avec vous pour voir là-dessus, ok? Ah bah tu sais quoi, c'est les Martinez, y'a pas de problème, nous on a une nouvelle. Vous habitez où monsieur? Y'a un camp de gitans juste derrière le dinosaure rose, on habite là-bas, on a mis une quarantaine de caravanes, tu peux pas nous rater. À Shangri-Lala, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais non, tu sais. Oui, je vois, derrière le Rex Dino. Ouais, bah, voilà, où le garage Harmony, là, comme, il travaille, le petit débile là, à côté, là, lui. Il travaille. Ok, d'accord. Ok. Les Martinez. Les Martinez, c'est nous. Ah bon, les Martinez, nous. On est arrivé en ligne, il y a 3-4 jours. Allez, bonne soirée à vous, messieurs. Y'a pas de soucis. Bonne soirée. Elle est aigrie de ouf, la nana. On est mort. Il y a une auto là-bas, là. Qu'est-ce qu'ils font avec l'auto, là? Alors, j'ai envie de voir le mec qui va porter plainte, l'enculé, moi. C'est qui va porter plainte? Alors, je sais pas, mon copain, c'est l'autre avec sa bagnole verte, mon copain. Maman, l'auto! Maman, mon copain, maman, qu'est-ce qui t'est arrivé là, mon copain? Incroyable! T'as raté le virage, je crois, là, mon copain, et tu veux qu'on te redresse quelque chose, là? Je crois qu'il veut pas nous parler, monsieur. Hein. Il veut pas nous parler. Mon copain, t'as un problème là-bas. Alors, monsieur. Waouh, putain. Maman, mon copain. Regardez. Oh, mais c'est celui qui avait les mêmes cheveux que ton fils. Ah, ouais, il est plus piquant qu'un hérisson, bordel de merde. On dirait un igloo. Ah, mon fils, je l'ai fait avec une personne qui avait les yeux bridés et tout ça. Et puis, du coup, il est un peu japonais. Il s'est fait des cheveux, tu vois, un petit peu hérissés comme toi. Mais avec des plus gros pics. Toi, t'as des petits pics, lui, il a des gros pics. Ah, ouais. Voilà, mais il est pas encore arrivé en ville. J'espère qu'il va bientôt arriver en ville, mais bon, il est encore à Dallas. Maman, les tatouages. Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as volé l'auto là pour rouler dans une auto comme ça, c'est pas possible? Non, c'est la mienne. C'est la tienne? Non, mais tu sais pas la conduire, non? Non, mais je faisais tout ça. Mais maman, c'est un tas de ferraille, ça. Maman, faut pas faire de. C'est bon, ça. Faut pas faire des choses en même temps, là, on est en train de conduire. Ah, mon gobain, tu peux regarder de là-bas, mon gobain, là-bas. Regarde la voiture là-bas. Mais pourquoi t'as acheté une voiture comme ça? C'est parce que t'aimes l'amour de la voiture, des vieilles voitures, c'est ça? Non, je l'ai trouvé, je l'ai pris, c'est tout. Ah bah voilà, je savais, c'était pas dans l'auto. Qui se regarde l'auto là? Regarde les jantes, regarde pas trop. Maman, c'est incroyable. Ah, c'est pas gentil. Mais c'est parce qu'il est tout hérissé, tu vois, c'est pour ça, il a un petit peu le problème. Je suis en train de faire un accident là. Maman, le cookie là. Christopher, arrête de regarder les culs de garçon. Regarde le cul de ta mère. Bon, attends, je vais garer ma voiture là déjà. Maman va garer la voiture. Vas-y, écartez-vous, il va garer la voiture. Hein. En plus, j'ai beaucoup d'angle mort là. Attention. Maman, bah vas-y, mon copain va faire soigner parce que là, tu vas avoir des soucis sinon. Hein. Ouais, j'ai tout compris. Ah bah pourquoi tu comprends pas? Tu veux voir ce qu'il en peut. Mais j'articule là, pourquoi tu dis que j'articule pas, je comprends pas, mais je pense que pas lui. Ah non, moi, tu parles pas comme ça à la gadji là? Je vais sortir le truc du coffre là, ça va mal tourner là. Ah ouais, quoi le truc du coffre? Maman! Touche pas l'auto là! Ah maman, il a sorti la bas de maison! J'étais juste en train de recevoir des vis, mon copain! Non, touche pas! Oh non, il est méchant, monsieur! Il est méchant, il est super méchant!
La feuille de brouillon, il est chiant. Oh, c'est bon là. C'est maman, le cook est là. C'est pas méchant. On est pas méchant, nous. On rend service et les gens ils pleurent. C'est grave. Ouais, ouais, je suis une pleureuse. Tu vas où? Il est bizarre, lui. Ah, ouais, la feuille de brouillon, elle est un peu frippée. Hein. On fait gaffe, je crois qu'ils vont voler les autres là. Bon, allez, on bouge là. Hein. Ok, on bouge. Là, c'est tout le temps, ça me choque. Ah, il y a un petit souci là, Gobain. Je l'aime cette voiture, ça le va. On va où, mon copain? Je sais pas, mon copain. On a pris des pansements d'ailleurs, ou pas? Parce qu'on était venu pour ça, mais je sais pas si on a pris des pansements. On a pris quoi, mon copain? T'as pris des pansements? Je Ah non, nous on n'a pas pu prendre les pansements parce que ils étaient pas là. Voilà. Pas de problème, on a encore récupéré un problème des gars avec la jaquette là. C'est... On récupère que des gars avec la jaquette. Hein. Ah, on est là tout le temps, hein, tout le temps. A chaque fois qu'on rencontre des gens de la ville, là, ils nous prennent de haut, ils nous prennent de machin, retourner dans le nord, là, c'est un petit peu casse-pied quand même. C'est vrai, mais bon, enfin, je sais pas, j'ai envie de vendre des trucs, mais on a rien à vendre, mon copain, on a eu pas de terrain. Bah vas-y, bah. Je crois qu'on va appeler, tu vois, les boudés ou quelque chose comme ça. Ah, ils sont de mes morts! Et vas-tu, on a rien des autos là-bas? Allez, la calotte de tes morts! Oh maman, c'est un copain! Vas-y, on va le suivre! Maman, vas-y. Maman, la grande de ses morts, c'est mon copain! Ah, comment il va, pas, mon copain? Vas-y, avance! Comment il va, le copain? Elle nous suit pas! Ah, bah, il me dit la grande de ses morts, moi je me suis dit, c'est un copain, moi je la suis, hein! Tu veux qu'on essaye d'appeler quelqu'un là pour essayer de justement de voir comment on peut faire pour faire du business ou quoi que ce soit? Ah, t'essayes d'appeler, d'accord. Ouais, il y a pas de mais bon. Pas vraiment du bravoure là mon copain. Maman regarde l'auto là devant là. Maman l'auto elle est toute chromée là. Maman comment elle est belle. Maman l'auto mon copain. Maman comment elle est belle ton auto là. Elle est belle en alu hein. J'aime maman, j'aime bien ton alu là. Elle est pas en alu. Ah, c'est quoi? C'est de l'aluminium, mon copain. Et je suis né, c'est de l'aluminium, mon copain. Je suis né, mon copain. On ne suivra jamais avec cet auton là. Hein. Oh, on croise encore les policiers là, un moment. Ah, par contre, elle est un peu cassée depuis qu'on est rentré un petit peu dans tout le monde. Là. Elle avance plus aussi bien qu'avant. Hein. Par contre, elle tourne vraiment bien. Hein. C'est vraiment sympa. Hop là. Oh maman, ils ont des pédards. Oh maman, ils ont des pédous. Maman. Arrête-toi, mon gars. Ah, c'est pas bon, elle est cassée l'auto.
Bon, bon, les copains, vous voyez. Faut pas sortir les pétous comme ça là. Maman, regarde-moi ça la jambe là. Maman. Maman, c'est de l'aluminium, ça. Dévisse pas la roue, hein. Maman. Touchez pas la voiture. Maman. C'est pas du vrai alu, c'est pas du vrai alu. Hop, c'est bon, j'ai récupéré un peu là. Eh, lâche ça là. Oh putain, il a le pétou, j'avais oublié. Oh, pardon. Je reviens. Monsieur Cheveux Gris, bonsoir. Maman, monseigneur, bonsoir. Je parlerai qu'à vous, pourquoi vous nous suivez depuis tout à l'heure? On a vu une auto qui était luisante, mon copain. On s'est dit, on va regarder ce que c'est quand même, mon copain. Ah ouais, mais nous, on a cru que vous vouliez nous choper, nous, on a eu peur. Si vous intéressez, c'était l'aluminium que j'avais sur la voiture, c'est tout, mon copain. Que tu vois, nous, tu vois, on a faim, mon copain. On veut de l'argent, on veut des sous. Et puis, on trouve jamais personne qui veut travailler avec nous. À chaque fois, on a que des gars avec la jaquette et les jaquettes, ils veulent pas travailler avec nous. Eh ben nous, on veut travailler avec vous. Vous voulez travailler dans quoi, les gars? Bah dans tout. Nous, on vole des voitures, là, tu vois. Là derrière, c'est des voitures qu'on a volées, là. Des trucs comme ça, mon copain. Des quoi? Vous vendez de la drogue, vous? On vend tout, mon copain. Eh, venez, vous nous suivons à un endroit un peu plus discret, là, parler de tout ça, là. Ok, mon copain. Allez, suivez-nous. Putain, on est obligé de faire ça pour essayer de faire voir, c'est impressionnant. Maman, putain, il a fallu qu'on les suive pour qu'on puisse les rencontrer. Par contre, elle fume beaucoup l'auto là. Maman, elle fume beaucoup. On va faire girl running glue derrière. Faut que je fasse attention, sinon elle explose. Oh, maman, regarde l'auto à gauche là, qu'elle est belle. Hein. Je suis huilé parce que on a plus de patates, mon copain. C'est quand même des pétous là qui nous emmènent pas dans un endroit où ils vont nous tirer dessus là, ils vont nous tuer là. Et qu'ils sortent pas les pétous là parce que ça risque d'être dangereux. Et... Ah bah l'auto elle marche plus. Ah bah vous avez trop peur celle-là en plus, hein, vous êtes dans la merde. Hein. Ah Christopher, tu peux pas réparer l'auto, Christopher? Ok, juste un. Taisez-vous putain, taisez-vous, je vois qui parle. Alors bon. Peut-être qu'on va faire du business ensemble, mais s'il y en a un qui parle et que c'est pas le mec cheveux gris, je le tue. C'est bon? Tiens là. Du coup, comme ça au moins, on peut parler tranquille que avec cheveux gris. Du coup, monsieur cheveux gris, c'est ça le voir, business, c'est ça le voir. Ouais, je cherche du business. Et quoi comme genre de business? Il a le pétou. J'ai faim, je te le dis, mon copain. Si t'as de la drogue à vendre, de la weed, là, mon copain, je te le prends bien, je prends ou je vends, mon copain. J'ai envie de me mettre des choses sur la dent, tu vois, j'ai envie de manger du milieu. Ok. Bon. On va pouvoir vous fournir de la weed. Ah ça, c'est bien, mon copain. Ok. Bon, au début, ça commence à 45 unités, après ça va descendre. C'est bon pour toi? Ouais, mon copain. Ok. Ça se vend combien dans la rue, mon copain? Entre 80, avoir un numéro, s'il vous plaît. 60, 70 et 100, quoi. C'est environ. Merci. Je vous envoie mon numéro à Salva et José. Vous êtes qui, vous, du coup, mon copain? Les Balas. Les Balas, d'accord. Bah, nous, c'est la famille Martinez, mon copain. Martinez, la compte, c'est mort. Bien dit, ça. C'est moi le chef de cette famille, mon copain. Ok, très bien. Mais écoute, t'as le numéro, comme ça, vous allez recontacter pour une prochaine commande ou quoi. Je sais pas si ça va être ce soir, si ça va être demain, on verra bien. Mais en tout cas, on pourra vous fournir si vous avez besoin. Parfait, mon copain, c'est bien. Du coup, attendez, parce que là, il y a le tonton. Là, il y a qui, là? Alors, moi, je suis le padré, mon copain. Alors, je suis le padré. Le mec qui est juste derrière moi, là, avec son short rouge, c'est mon frère. Le tonton, ok, c'est votre frère. Ensuite, derrière, avec les cheveux bruns, c'est la fille de José. D'accord. La fille qui est tout derrière, c'est ma fille qui s'appelle Chamel. Chamel. Juste derrière moi, là, le garçon, le beau gosse, c'est la fille de ma... C'est le fils de ma fille, tu vois. De Chamel. Le Chamel. Oui, c'est et bon. En fait, dans ma famille, j'ai trois enfants. Excuse-moi, le fils de Chamel, tu peux te mettre à côté d'elle, s'il te plaît? Tu t'es fait tamponner à la naissance ou quoi? Mais non, j'ai versé trop près du mur.
Ah ouais, non mais là tu l'as mis. Non mais là, attends, parce que t'as fait le mur avec le bébé là. Attends, il va t'expliquer. J'ai trois enfants dans ma famille, d'accord. J'ai une fille et deux fils. Ma fille, elle est en couple avec mon fils, tu vois. Il va faire un enfant qui s'appelle Christopher. C'est l'enfant que t'as demandé, mon copain. Ok. Et mon deuxième fils, il est en couple avec sa cousine Charlotte, qui est juste ici, mon copain. Ah, en fait, il s'est pas fait taper par un mur, mais par une bite. Ah, aussi, mon copain. Okay, et moi, je suis monté sur ma fille aussi, mon copain. Kofi, message de Roger. Okay. Bouge ton cul ou t'es mort. Pourquoi? Je fais quoi? J'ai rien fait, moi. C'est tout, bouge ton cul en ton quartier. Okay. Ouais, en ton quartier. Allez, bonne soirée. Bah, du coup, on va au quartier avec vous? Bah, non, vous rentrez chez vous. Ah, y'a pas un mécano chez vous? Mais oui, mais tu peux pas réparer l'auto, espèce d'abruti? C'est mon Romain. Putain, mais qu'est-ce qu'il est con? Mais pas cet auto là? Mais attends, mon Romain, je regarde s'il y a du métal, s'il y a tout. L'auto là? Je sais. Oh! Attends, mais on perd mon Romain, je veux utiliser le scotch? Bah oui, mais du scotch, ouais, bah oui, ça suffit le scotch. Juste voir qu'elle rentre au camp, tu vois, et puis je la répare ce soir. Je la bidouille un petit peu, tu vois, c'est juste pour faire la cascade celle-là, tu vois, je la mets. Ah bah voilà, voilà, mon copain, je vais prendre le scotch là, mon copain. Voilà, histoire qu'elle arrête de fumer là, qu'elle puisse redémarrer. C'est moi qui conduis, José, parce que. Laisse-moi, c'est ma voiture cascadeuse. Attends, moi je vais non, monte pas, mon copain. Tu sais pas conduire, mon copain, tu sais pas conduire. Mais non, mais c'est pas que je sais pas conduire, c'est que depuis tout à l'heure, il me rentre dedans. Oh non, mais il est monté. Ah, parfait, on a trouvé un truc. Bon, on continue à tourner, on va peut-être trouver d'autres personnes là. Par contre, il faut suivre des gens comme ça après, tu vois, tu peux voir. Enfin, on s'est braqué, alors bon, on peut trouver des gens avec des traits, ouais. Ça, c'est de l'auto, mon copain. Ça, salut c'est les mecs, mon copain. Vous allez bien? Comment ça va, mon copain? Yo, les mecs, ça va? Maman, c'est l'auto. Ça, c'est l'auto. Mon copain, on peut te voler quelque chose, mon copain, là? Pas trop. Ah bah regarde le pare-choc, il est un peu cassé là, tu veux. Attends, je vais enlever le pare-choc. Vas-y, répare-le hein, si t'arrives. J'arrive pas. Tu fais quoi comme travail pour avoir cette voiture, mon copain? Ouais, ça va. Je travaille. On balade, mon copain. Ouais, ça va. Après, il y a les petites qui viennent combler les mois, tu vois. Ça, bah moi aussi, mon copain, je chouffe un fou, mon copain, Maman, c'est confortable, le siège à l'intérieur, là, quand même. Maman, je le dis. Quand c'est bon, la famille Martinez, on jouera tout, mon copain. Ah oui, là, c'est tout. Ah tout. La famille Martinez, d'accord. T'as besoin quand on vole une auto comme ça, si jamais t'as envie de faire la bêtise et tout ça, nous on te vole l'auto et puis hop hop, on la ramène. Tu vois, regarde, tu fais comme ça, hop hop, et t'as volé l'auto, hein, c'est bon, hop hop, on est parti. Hein. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Maman, vous vivez où, vous les garçons, hein, mon gars? Ah, moi, je vis ici, c'est mon garage et mon entrepôt ici. Oui. Maman, c'est quoi ton entrepôt? De quoi? De travailler dans quoi? C'est quoi ton entrepôt? Quel travail je fais, c'est ça? Ouais, c'est quoi ton entrepôt? À mon entreprise, je travaille au miroir. C'est quoi le miroir? Oui, c'est un restaurant qui est sur Mirror Park. Oh, c'est pour ça que ça s'appelle Miroir. Oui. Bah ouais, si jamais vous avez fait un dégât passé, hein, vous êtes les bienvenus. Non, bah écoute, c'est bon, j'ai fait le niveau, mon copain. C'est un peu plus raffiné, hein, mais je pense que ça va vous plaire. C'est quoi? C'est bon, on va passer, mon copain, on va venir manger avec toutes les... On a 40 caravanes à manger, mon copain. Bah ouais, bah carrément, tu sais quoi, prends mon numéro, je viens vous livrer. Ah si, bon. Ah maman, ok, y'a pas de problème, la galette de ce moment. Vas-y, y'a pas de problème. Vas-y, attends, je te file le mien. Moi, c'est Salva, mon copain. Salva okay. Martinez. Et du coup, vu que t'es arrivé à la maison, c'est bon, je peux prendre dans l'auto pour rentrer à la gueule. Non, ça c'est bon, mon copain. Bah, c'est pas grave, si jamais t'as faim, ça peut te servir. Ah, mon copain. Nous l'aurons, mon copain. Bah vas-y, bah allez, bah je vous ai dit une autre oreille. Allez, mec. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah, bah, allez, plus tard, mon copain. Je vais mettre la biche, est-ce qu'on vient, mon copain? C'est fini. Mais non, mais c'est mon auto, c'est pour faire la cascade. Je m'entraînais pour faire la cascade. Franchement, c'est pas ça, c'est là. Après, je sais pas comment pour faire la cascade. J'ai cru que c'était un chinois qui était là, mon copain, j'aurais chopé. Ah, bah oui, c'est vrai que les personnes, ils ont mis les chinois. On aurait peut-être dû lui demander s'il connaissait un Oni.
gros lit, moi. Ah, regarde, mon copain, là, c'est quoi la voiture là, qui est là? Ah non, c'est pas une voiture. Non, m'a mal au tour là. Maman, ils m'ont marre là. Ah, mais il a tourné à la station de lavage. T'as vu où la moto elle est bordée? Non, je sais pas moi. Oui, Chamel. Ah là, on va aller place des cubes là. Rejoins-nous, place des cubes. Il y a une moto derrière. Ah, attends, on va aller chercher les autres, t'as place des cubes là. Ah là 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 là, m'a mal au dos, hein. En même temps, on n'est pas très discret avec cet auto, hein. On nous va de loin, hein. Maman, et après tu dis, c'est moi qui ne sais pas conduire. Maman, maman, je vais être abruti, moi. Ah, attends, il a dit l'abruti là? Il a vraiment dit l'abruti à toi? Comment ça t'as dit l'abruti là, mon gars? Oh! Viens là! Oh, je... T'as dit quoi, mon copain? Oh, je t'attrape l'arrière du cou, t'arrêtes de bouger, hein, Christopher. T'assumes. Ah, 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 là. Je te tiens là, venez le chercher là. Prenez-le là. Ah. Encule-le, encule-le, ah. Papounet, encule-le. Ah. Je te tiens. Ah, en plus, je te tords l'arrière du cou là, ça fait mal hein, ça fait mal, je te tords la peau. Descends. Tiens, je te mets des petites frappes là. Ah ouais. Pas mal hein. Tu bouges pas, tu bouges pas. Vas-y, vas-y, on y va. On y va. On va donner le. On va passer à tout le monde là-bas, on va. Moi, bah ouais. Ah, comme ça, après, on est tranquille. Après, si tu veux, on peut retourner le caravane, hein, si tu veux te reposer un peu. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui bouge. Hein. Oh, ceux qui ont pas eu les clés du garage, là, vous venez avec moi, là, d'ailleurs.
t'entends? Ouais, moi. Y a ton fils qui va arriver, il va envoyer un message, il va arriver, il arrive à son t-shirt d'ailleurs. Comment lequel? Hein? Lequel? Ah bah tu sais, celui qui... Bah, je sais pas, je comment tu expliquer ton co-fils là, Luca. Oh oui. Mon sale enfant dont j'étais fier, mais il a mal tourné. Je l'ai fait avec l'amour de ma vie, mais elle a décidé de partir, non, dans le meilleur. Ah, t'as dit quoi, papounet? Rien. Ton enfant, j'ai pas compris, ton enfant, quoi? Le garage est ouvert, mon gobain, je crois qu'il est ouvert. Il y a Luca qui arrive. Bah, moi, et alors? Ah, il y a ton frérot qui arrive. Ah, moi, ça va? C'est le seul enfant dont je suis fier. Hein. Il est où le frérot? Moi? Il va arriver, il va être dans son t-shirt. Hein. Ah bah non, on va aller à son t-shirt. Non, le temps qu'on y arrive, il y va. Hein. Allez, c'est parti, on va à son t-shirt. Comprenez, il est méchant. Bah, j'en ai marre qu'elle dise que je suis méchant, c'est pas de ma faute. Elle, je l'ai fait avec une prostituée. À la base, elle n'était pas voulue, c'était juste parce que j'avais envie de m'éviter les couilles. Il y a l'autre, je l'ai fait avec une chinoise parce que c'était pas. Voilà, j'avais besoin de me changer les idées. Et Luca, je l'ai fait avec l'amour de ma vie, mais bon, elle a jamais voulu rentrer dans la famille et la famille l'a jamais accepté. Quand c'est mort. Du coup, je l'ai plus jamais revu après. Quel bébé, on avait 16 ans. Maman, ça me dit. À chaque fois aussi, tu couches avec des meufs vivantes, moi. Hein. À chaque fois, je couche pas avec une Martinez et voilà ce qui arrive. Et quand tu baisses avec des Martinez, tu fais pas d'enfant, moi. Hein. Bah, je sais, mais c'est pas de ma faute, hein. Pourtant, je tire tout le temps dedans, hein. J'en mets plein. Je mets plein de crème à l'intérieur, mais ça marche pas. Maman, je te dis. Il faut qu'on se casse, mon copain. Oh, tu es mort, je te dis. Elle est bonne, cette auto. Elle est vraiment bonne, hein. Elle est bonne, cette auto, mon copain. Mais il faut que je regarde, je suis sûr qu'il doit y en avoir des autos comme ça du même style, mais il faut juste voir s'ils sont dans ce catalogue ici. Parce que j'ai déjà vu des autos comme ça, tu vois, toutes cabossées. Attends, il y a la mamelle qui m'appelle. Où est la mamelle? Maman, mon copain, va falloir prendre la caravane, on est trop nombreux là. Ah ouais, c'est pas faux, ouais. On va prendre les caravanes quand même. Ah bah ouais, on va prendre la caravane. On va aller au camp, on va prendre les caravanes et on va chercher le cousin, hein. Bah ouais, on va aller chercher mon fiston, mon vrai fiston, que c'est... T'as l'air vachement content de ton fils, il arrive, hein. Ah bah non, mais en fait, c'est pas ça, c'est que ça remonte tous les souvenirs, tu sais, Bah ouais, ça remonte tous les souvenirs, voilà, c'est... Bah ouais, ce qu'on pense. C'était l'amour de ma vie, ça, sa mère, mais elle a jamais voulu devenir une Martinez, quoi, c'est compliqué avec la famille. Ah, c'est... Ça va aller, mon tonton, ça va aller. Bah, je sais, tu vois, que ça fait du mal au petit cœur de la charnelle, mais... T'inquiète, tonton, si tu veux, je passe dans la caravane pour te réconforter, si tu veux. Tu vois, elle, c'était juste avec une prostituée, l'histoire d'un coup, elle aurait jamais dû être là, au final, la charnelle, mais elle est là, je l'aime quand même, mais voilà, c'est pas pareil que la mort de ma vie. Et puis c'est pas Charlène, hein, c'est Charlène, mais c'est pas grave. Ouais, je sais, mais je l'appelle tout le temps Charlène, parce que j'aurais voulu qu'elle s'appelle Charlène, mais cette connasse de mère, là, elle l'appelait Gerlay. Charlène, c'était quand même beaucoup plus joli, hein. Ça va. Et... Ouais, du coup, on se rejoint encore, hein, tonton, mais t'inquiète pas, tonton, je te fais une pipe, c'est ça, pour te réconforter. Ça fait plaisir. Mais puis bon, après, regarde l'autre crétin, là, je me suis mis avec une asiatique, et il est toujours pas là, et il parle tout comme... Maman, il sait pas comment vers le frérot. Ouais, écoute, en même temps, c'est mon père, hein. Maman, le sapin. Maman, le sapin, là, moi, je vais te tenir. Ah bah maman, il marche plus, il faut que... Bon maintenant on arrive au camp, hein, de suite. Attends, j'envoie une position à Christophe, j'envoie une position pour Christopher, il vient de sonner la voiture. Ah d'accord, okay. Bah, je dis ça à Christopher. Maman, je prie ça pas mon copain. Comment il va faire pour monter là, mon copain? Je sais pas, je lui ai envoyé la position. Maman, après c'est moi qui dois plus toucher le volant. Maman. Ouais, plus en faveur. On est dans la montagne, mon copain. Ah,
Allô. Et j'ai envoyé, on a envoyé sur le gendarmerie, bon, ben sur le téléphone, t'as pas reçu? Attends, je crois que je l'avais rajouté. Attends, il va te rajouter, il va te rajouter, José. Pour le championnat de la Charlène. La Charlène, putain, j'aurais bien aimé qu'elle s'appelle Charlène, bordel de merde. Maman, je veux dire. J'ai pas vu le sabbat, mon copain. Moi, je l'ai bien vu, hein. J'ai pas vu le creux, en fait, mon copain, s'en fout. Attends, viens là, viens là, viens là, je vais essayer un truc. Alors, c'était pas du tout ce que ça devait faire. Ah putain, alors non, pas du tout non plus. Attends, viens, viens là, viens là, viens là. Non mais qu'est-ce qu'il fait? Maman, je dis, mon gouvernail avait mal. Alors non plus. Maman, mon gouvernail. Ouais, ça c'est bien ça. On va chercher un truc, tu sais, voilà, pour faire un câlin à Lugra, mais pas qu'il se fasse de fausses idées. Hein. Déjà qu'il est un petit peu, tu vois, c'est... Enfin, il est totalement, mais bon... Pas grave, je l'aime quand même, c'est mon fils. Ouais, il fait quoi, là, lui? Hein? Il n'arrive pas à le voir, moi. Non, c'est rien. Non, je suis stopper, tu fais quoi? Rien, mon copain, là. Ok, vas-y, tout de suite. T'aurais dû prendre la moto, ou la moto, t'aurais été tranquille. Ouais, 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 ouais. Vas-y, tout de suite. Maman, mon copain, comment ça va? Ça va bien, toi? Bon, ça roule, nickel. Ah, je voulais savoir comment ça allait, si t'avais du travail, etc. Ah, toujours, mon copain, toujours. Il a réparé dans l'auto, il a pris les sapins, là. Maman, mon Dieu, vous êtes bête, mon copain. C'est pas moi, c'est... Ouais, 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 dis-moi. Ah, ouais, j'ai compris. Si jamais tu me trouves autre chose, je vais prendre l'air, mon copain. Bah allez, prends... Mon copain, prends le voiture au-dessus, là. J'ai trouvé des ballasts, mon copain. Ils vont nous fournir un peu, mais... C'est bon. Mais si jamais t'as des choses, n'hésite pas, moi je suis prêt à travailler avec toi, je t'aime bien, mon copain. Je préfère donner des sous à des gens que je connais, tu vois, que j'aime bien que... Mais Salva, il a pas un contact, lui, qui l'aime bien? C'était les balasses aussi, mon copain. C'était les balasses? Ouais. Parce que lui, il a pas les OD ou quoi que ce soit, ou les SOA, ils ont pas justement des contacts avec qui ils aiment bien travailler, là, qu'on puisse travailler avec eux, là. C'était avec des SOA que j'étais, mon copain, et il travaille avec les balaises, ils aiment bien, après le reste... Après, il va se renseigner, apparemment. Il est arrivé depuis pas longtemps, aussi, là, mon copain. Ah, d'accord. Oula, 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 non, doucement, tu te détends, parce que là, il y en a marre, hein. J'en ai marre de devoir faire réparer l'auto. Putain.
Put. Maman. Tu sais que j'ai déjà très mal et qu'on a plus de pansement, maman. Non. Oh maman, non, arrête, tu vas la casser, t'abuses. Maman, faut la ranger. Maman, je descends. Maman, j'en ai marre de toi. Maman, le Seigneur. Maman, je suis déçu, tu vois, c'est... Par contre, c'est toi qui préviens, c'est même pas moi qui préviens. Je... Et ils sont où, là, le Christopher et... Christopher, il est au garage. Ouais. Et ta fille, elle est partie dormir. Ah, maman, elle est fatiguée. Alors, regarde ce que l'empaque qui court, je crois que c'est ton fils. Et là. Maman, la caravane de m'avait manqué. Mais redescends ici! Oh, papa, t'es beau, hein? Putain. Putain, le sale enfant dans lequel je suis trop fier. Bah, ça, c'est sûr, un père. Putain. Je l'ai fait avec la seule amour de ma vie, quoi. Oh, ma tati, ça va, tati? Ça va, quoi? Il dorme, Charles. Maman, vous êtes quand même au plein milieu de la route, hein. Faut se décider là quand même, là, les enfants, là. Ah non, j'avais un... Oh là là, t'as tué. T'avais pas mal de... Tu veux que je te touche le cul direct? Bah... alors, ça me fait... Alors, Lucas, ça me fait... la femme, ça va derrière, hein. Ça me fait plaisir, Lucas, de voir que tu touches les fesses d'une femme, quand même. Bah, hein, tu crois quoi, toi? Ah, moi, j'aime beaucoup te voir comme ça, là, c'est... Bah, là, tu crois quoi, papa, mon héros? Les femmes, c'est toute ma vie, hein. Ah, maman, ça, c'est mon vrai fils, là, c'est... Je le reconnais, ah, là. Ah, bah, ouais, t'inquiète pas, papa. Le seul défaut, c'est que bah, ta mère n'a jamais voulu rentrer dans la famille. Ça me désole. Ah, bah, ça, c'est une connasse, c'est ma mère. Bah, mais c'était l'amour de ma vie. Salope, de toute façon. Parle-lui de la femme de ma vie. Oh, hein, c'était qu'un coup de rabat. Ah, oh, maman, bon, qu'est-ce qui se passe? Maman, c'est quoi tout ce monde, là? Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, mais c'est qu'un du monde, là? Attends. Oh là là, mais quelle est belle, l'autre, là? Tu veux compter? Sa mère. Je te pose de l'argent pour s'il faut. Attends, c'est bon. Et je fais la deuxième. On a pris la roue, là. Alors, on a défait la roue. On l'a armé. Vous l'armez, t'es. Non, il nous donne 1000 dollars, on l'a armé, y'a pas de problème. Bah, moi. C'est bon. Allez, donne l'argent, là. Et voilà, tiens. C'est bon, t'es. Tu leur donnes vraiment, là, Junior? Ouais, je m'en branle. J'ai beaucoup d'argent, moi.
C'est bon, il a donné les 1000$ ou pas? Non, c'est bon ou pas? T'as rien eu? Moi j'ai rien eu. Hein. J'étais avec toi, monsieur Comté, il y a eu le cadeau là, on a mon copain. Pardon. Au début, je l'ai fumé. Ah, t'as fait ça de m'arnaquer, moi je suis perdu de temps. Genre 180 km/h. Ah, ça c'est gentil, merci. Ah, c'est bon, papa. Ouais, bon, voilà. Je sais pas combien il y avait, mais. On remet un écrou sur deux, on garde un peu de ferraille. Mais la roue, c'est pareil, non? Non, on a bien serré, on a bien serré. Sur la tête du igloo de ses morts, on a serré comme jamais tu pourras l'enlever après. On les a bien mis en diagonale comme ça, c'est bien, mon copain. Même le mécano, il aura du mal à desserrer, vous laissez pas faire. Sans mémoire, il y a Louga qui arrive. Sans de mémoire, madame, là, faut pas se laisser faire, là, il y a quelqu'un qui vous a percuté, là, quand même, c'est pas très sympa, ça part, faut faire le constat. Non, il se barre et je le retrouverai plus tard. Ah, d'accord. On va lui faire la peau. Ah, oui, bah si vous voulez, je peux vous aider. Moi, je l'attrape et je le saigne comme un igloo. Hein. Oh non, il y a d'autres personnes que j'aimerais saigner, hein, putain. Ah, avant, c'est qui que vous voulez saigner? On peut vous aider si vous voulez. Je le dirai pas. Je suis dans un quatrième tueur. Bonsoir. Oh. Attends. Bonsoir, monsieur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ah, bah vas-y, on donne le numéro. Hein. Allez, je pense à prendre mon numéro. Mais qu'est-ce que c'est, Ah non, c'est encore vous. Mon dieu. Ah non, alors, ça c'est moche. Ah mon dieu, que c'est beau ça. Ok, vas-y, je donne ça à Caleb. Non, ah bah les affaires tournent, Ça je suis sûr que c'est du cuivre. Alors, non. C'est pas la vente de cuivre qui marche le plus. Ce qui marche le plus, c'est on vole les... on prend les pneus devant les gens, et après ils nous donnent de l'argent pour qu'on leur mette... Non, on fait du troc. C'est du troc qu'on fait, mon fils, c'est du troc. Mais non, on change... c'est parce qu'on change la gomme, c'est pour ça. Ça va? Oh maman. Ouais, ça va. Je vais me faire enculer, mais ça va. Comment ça, vous allez voir. Allez, fais attention à toi, fais attention à ton bras. Allez, ouais, passez la bise, hein. Passez la bise à tout le monde. Bisous. God bless. Toi aussi, tu veux blesser quelque chose là? D'accord. Bah, t'as dit que tu voulais te faire blesser. Tu veux blesser qui? Ah, je vais pas me faire blesser. Bah, pourquoi t'as dit go bless? God bless America. God bless. Je vais te dire si. Allez, c'est pris. Ok. Bon, c'est T'as pas eu mon numéro, toi d'ailleurs? Si, moi je l'ai eu, c'est Caleb, c'est ça? Yeah. Moi je l'ai eu, c'est Caleb. Vous allez où là? Je l'ai eu. Oh maman, l'auto! Allez, monte! La calotte de ses morts là, vas-y, qui c'est qui conduit? C'est moi? Oh mon dieu, c'est la mamelle. J'ai marre, c'est Chamel, je jure, on est mal barré. Mais c'est pas Chamel, c'est. Bah j'ai dit Chamel. J'ai compris Chamel. Bah non, mais ça se voit bien que. Mais oh, un peu de respect, c'est pas grave, hein. Oh, c'est pas un petit café ça? Bon, c'est sur ça le réveil, mais. Ah. Oh maman. Bon, Dieu, c'est ça le cas, ah putain. Ah. Allez, hop, ma papy. Non, mon papa, je suis désolé. Papa. Allez, papy, allez, hop, à la béquille. Allez, la béquille. Je suis désolé, j'ai loupé mon dérapage. Non, je suis désolé, papa. Chevelle. Et papa, regarde les belles sandales que j'ai découvertes à l'aéroport. Regarde ça, si c'est pas des sandales. Attends. Maman, ça c'est de la belle sandale, mon fils. Ah, ça c'est de la belle sandale, t'as vu voir. Ah, maman, je suis fier de toi là quand même. Je ne les ai pas trouvées celles-là, dis donc. Ah, bah moi je les ai bien trouvées, toi. Ah putain, comme ça on a tous des sandales différentes. Ah, regarde-moi, ça mes belles sandales là. Ah, elles sont incroyables. Attends, regarde, moi j'ai une dame, elle m'a donné des sandales, elles sont incroyables aussi, regarde. Vas-y. Oh mon mec, c'est moche tout ça là. Ah ben, c'est les mêmes sandales que ton père là, juste pas de la même couleur là. Ouais, c'est ça. Hein. Avec ton père, mon père il a des tongs, hein. Oui, bah oui, non, mais son père c'est Salva, c'est ton oncle. Hein. Ah, oui, mon père il a les mêmes sandales que moi, quoi. Ouais, bah c'est par pas mon oncle, c'est mon grand-père. Par contre, tu penseras. Non, c'est ton oncle. C'est ton oncle, c'est mon frère. Ah bah, c'est parce que j'ai oublié la ceinture, me l'a volé. Imagine avoir l'autre qui se volait à l'aéroport. La conne, c'est mort. Tu vas me mettre des pantalons où on voit pas ton calbut là parce que ça commence à m'énerver. Hein. Déjà, bah, je t'ai.
Ça a l'air pas, il m'a volé ma ceinture. Et par contre, il a pas perdu la même, les bonnes méthodes. Il est arrivé, pof, la main au panier de la chamelle. Ah, non, hein. Attends, mon gamin, je vais te mettre avec nous, je vais te donner les clés de tout ça, mon gamin, parce que je n'ai pas les clés. Tac, voilà, Périne. Ah, ça, c'est bien. Non, c'est bien, mon gamin. Pas aller au garage non plus. Ah, si, il peut aller au garage, mon gamin. Ah, c'est parfait, là. Maman, arrête de me faire ça, je vais. Ouf, arrête, le pantalon il est trop serré là. Ah si, bon, faire le garage. Tu veux, mon je pars dans la caravane si tu veux, mon copain. Viens avec moi, je vais te donner toutes les clés, c'est vrai. Suis-moi. Putain. Vas-y, tu peux regarder la marchandise, autant. Ah, t'inquiète. Je regarde. Ah, oh, c'est ça. Oh, maman, j'ai la tête dans les seins. Oh. Ah, du coup, on fait quoi après là? Non, je sais pas. Faut voir avec ça le va. Vas-y, je vais lui demander ce qu'on fait. Ah, ma fringue, ils sont gentils. Ah, maman. Alors, du coup, on fait quoi après là? Bah, je sais pas, on va voir. Attends, je donne toutes les clés à Lucas déjà. Alors, vas-y, bon. Restez pas proche de moi parce que sinon. Vas-y, on sort, Chamel, on sort. Ah, tu veux pas prendre la tablette là qu'on fasse une petite commande pour le. Ah, tiens, j'ai pris la tablette. Tu vas regarder quoi, Robin? Ah, je sais pas si j'ai le droit de l'utiliser, donc je sais pas si ça fonctionne. Ça, c'était pour voir un autre couteau, tu vois, histoire de. Parce que pour faire de la monnaie un petit peu, parce que. Racketter les gens, tu vois. Alors, qu'est-ce que vous faites, tes vieux? Alors, déjà, je suis pas aussi. Très beaucoup plus vieux que toi, hein, j'ai que 40 ans. Ça va. Quand t'as 4 ans d'écart, donc voilà. Et on est en train de voir pour avoir un autre couteau. Histoire, tu sais, de pouvoir un petit peu. Les couteaux, ils ont pas dit apparemment, mais je peux t'avoir tout ce que tu veux d'autre, sinon. Peut-être qu'avec une batte de baseball, ça fonctionne aussi, mon gars. On peut essayer, mais moi, on m'avait dit le racket, c'est plus le couteau. Que les couteaux. Les couteaux, enfin, bah, les couteaux, ça l'armurerie, mon gars. Oh, ma putain de bordel de merde. Ça me casse les couilles, ça. Bon, bah, vas-y. Hein. Parce que de toute façon, il n'y a que les plaques et les battes de baseball, là, c'est ça? Là, non, il y a beaucoup plus de choses que ça. Bon, bah, attends, je vais te dire tout ce qu'il y a. Ouais, tiens, je vais chercher. Bah, je te dis, moi, comment je te cherchais, là? Eh, mon fils, donc, on est en train de regarder ce qu'on peut faire, là, avec la tablette, là. Déjà, on va voir, t'as toujours l'habitude d'arracher des sacs? Ah, bah, il faut, hein. Bon, on va se faire faire chez Jacques. Des pieds de biche, des clés anglaises, des poings américains, des pelles, des battes, des katanas, des clocks 41, queue de billard, club de golf, pioche, clock 26, bouteille en verre ou masse. Et on peut aussi acheter des fausses plaques, foreuses et ordinateurs morbins. Ordinateur et foreuses. Ça doit être pour des coffres, des trucs comme ça, je pense. Les points américains, c'est combien? C'est comment fait pour transférer d'un coup? 1600, on va.
Mais sinon, oh, ça va, c'est pas si cher que ça. Alors, pour transférer d'un coup, tu vois, c'est tu regardes ton objet et tu dis après combien tu veux en mettre dans le coffre. Mais d'abord, il faut que tu regardes bien l'objet. Ah, bah. Ah, mon copain. Garde de l'argent sur toi. T'es bon, t'inquiète pas, on va abuser. Ouais. Vas-y, j'ai remis 1000 dollars que j'ai raqué dans les sacs dedans. Ah bah d'ailleurs, hein, vas-y, j'ai sous moi, oui, j'ai posé, mon copain. Bah gardez-en aussi un petit peu pour vivre. Hein. Ici, c'est vraiment pour acheter, tu vois, des trucs, de la drogue, des machins et tout ça pour ouais, la. Ouais, je garde 1000 dollars comme ça sur moi. Bah voilà, voilà, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Bah, mon copain, j'ai des pendentifs aussi. Mon dieu, j'ai remis 2981, c'est ce qu'il m'avait donné pour les pneus là. Ah, il t'a donné bien plus, ouais. Il t'a donné combien? Il m'a donné quasiment 3000, le copain. Ah, bah garde un petit peu d'argent pour toi, c'est bien, c'est bien. Ça se voit, bon, j'ai toujours mon pneu là. Enfin, j'ai toujours mon truc vieux d'épaule là. Et faut que tu saches, mon petit Lucas, que quand tu vas aller à la banque, t'as 1000 dollars aussi déjà dans le compte en banque. Ah bah ça, c'est cool. Mais de toute façon, on n'utilise pas les banques, non hein. Peu sur le loyer. Si, faut toujours mettre un petit peu quand même dans la banque parce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il fait à Charles, lui ? Il y a certains endroits, en fait, t'es obligé d'acheter avec le compte en banque. Mais... C'est comme tu t'es fait recenser ou pas encore ? Non, pas encore. Non, pas encore, hein. Je peux ouais. Voir là maintenant, tout de suite devant tout le monde. On va... Ouais, moi j'ai l'habitude ça. On va aller le faire recenser, hein. Tu veux vraiment que j'aille me faire recenser avec une pantalon là? Oh, t'inquiète, ils sont gentils, ils sont gentils. Ouais, tu... Avec mon pantalon, tu prends vraiment. On y va avec la caravane peut-être? Bah oui, la caravane, mon copain. Ah, je vais prendre la moto, moi je vais vous suivre en moto. Ah, ok, d'accord. Attends, je vais ranger le 4x4. J'ai noté Lucas Martinez. C'est pas dans le moteur du mon téléphone là. Vas-y. Vas-y, remonte ton téléphone, voilà. Papy! Hey papy, donne-moi ton numéro de téléphone. Change ton nom avant de me passer ton numéro de téléphone. Bon, c'est fait. Et tu crois vraiment que je suis un pignouf ou quoi? Ouais. Des fois je m'inquiète, c'est toi qui es con, ouais. T'es bien le fils de ton père, toi, hein? Pas le mien de mon père, là. Maman, je le dis. Maman, c'est mon fils dont je suis plus fier. Oublie pas que c'était la femme de ma vie, hein, sa mère. Mais elle est partie, elle a jamais voulu rentrer. Je lui ai dit. C'est bon, le shérif, là ? Ouais, je sais plus où est-ce qu'il faut faire recenser. Ouais, comment passe le son, là ? Dans tes oreillettes, il faut que tu. Ouais, c'est bon. Je te mets où est... Attends, vas-y. Vas-y. Pousse tes mamelles là, je vais mettre le point GPS. Pousse tes mamelles, elles sont pas si grosses, hein.
Bah tiens, c'est pas le caravane qu'on avait au Texas, ça? Ouais, on avait celui qui était moins rouillé. Celui-là, il est tout rouillé, on en avait un beau, genre. Ah, oh, j'ai fait le retour la dernière fois avec Salva. Maman, comment j'ai envie. Ça te donne vraiment beaucoup envie, hein. Et t'as vu d'ailleurs la mamelle là, ils ont mis des pompes à essence maintenant juste à côté de chez nous. Ça c'est bien ça. Oh, bien, ça c'est parfait, on va pouvoir boire l'essence, on va pouvoir la siphonner. Ah maman, ils sont sympas l'harmonie. Ah, on va pas siphonner alors. Non, et surtout on siphonne pas à côté de chez nous, c'est juste à côté de chez nous. Non mais surtout qu'en plus Christopher il travaille là-bas, Christopher d'ailleurs. Ah bah, justement, ah là là, Christopher il est là. Oui, il est là, Christopher. Putain, heureusement que je suis pas gay, sinon je voudrais lui faire le cul à lui. Ah bah il te ferait bien le cul, hein. Bah je te jure. Cette soir j'invite à la caravane. De qui? T'invites quoi? T'invites qui à la caravane? Bah Chamel, Chamel. Christopher. Mais non, ah ouais. Chamel, je t'invite à la caravane, Didi. Vas-y, pas de soucis. Ce soir tu peux prendre Chamel, moi je suis en train de prendre... Mais non, t'as l'air avec quelqu'un, Chamel, déjà. Mais non, moi je suis avec Charnel. Moi je me tape Charnel ce soir. Ah, t'es avec Charnel? Mais oui, je me tape ma fille ce soir, là, j'ai envie. Ah putain, papa. Bah oui, mais j'aimerais bien lui mettre un mouflet dans le tiroir, mais ça marche pas, ça prend pas. T'es sûr que c'est le shérif, là? Oui, c'est le shérif, là, t'inquiète pas. Bah, adieu. Qu'est-ce qu'il faut, là, perdu en plein milieu d'eux? Bah, regarde, tu vas les voir, il y en a un qui vient de sortir, là. Mais tu vas voir, c'est... pas attention, j'en ai rien. Bon, ouais. C'est quoi le code de la route, là? Maman, je sais pas, j'ai pas passé le permis. La allez, con, là, c'est là. Là contre c'est mort, regardez-moi le bambin. Oh, regarde-moi cet auto là à côté. Oh là là, putain, je l'avais là l'auto. Oh, j'aime bien les autos là comme ça, un petit peu comme ça, maman. Mon dieu, qu'est-ce que c'est. Et que puis celui-là, regarde. Oh, mais regarde-moi ça là devant. Maman, là, je te jure. Pour transporter la ferraille là, maman. Belle auto ça, belle auto. Le poids, qu'est-ce que je mets en poids là? Parce que c'est bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas de poids de balance là. Ah, tu mets un bon 90 kg là, t'as pris du poids là, ça se voit là, regarde. Oh là, 85 kg là. Non, maman, t'es plus lourd que moi, j'ai 83. Maman, j'ai 80. Tu joues avec la balance, hein, tu joues avec la balance. Tant que t'es pas une balance, ça me va, ça me va. Regarde-moi ça, c'est moi, j'ai la carte américaine. Ouais, bah tu l'avais déjà, mais c'est juste qu'il fallait que tu la fasses réimprimer, hein. Ouais, bah c'est bien, mais j'avais après, pas une carte. Après, il faut que tu te fasses relancer par les flics, mon copain. Ouais, bah il faut qu'ils viennent aussi. Là, il faut que tu sonnes, là, regarde, là, par là, mon copain, là, il y a une petite sonnette, là. Ah ouais, la sonnette. Mais il peut pas me faire la sonnette, lui. C'est bon, j'ai sonné déjà, mon copain. C'est pas grave, je sonne. Maman, t'as vu les autos tout à l'heure qu'il y avait dehors, là, toutes cabossées, là, il y en avait même une où on pouvait mettre plein de ferraille dans le coffre, là. Maman, où ça me revient? Bah, ils étaient en train de rouler, là, mais il faut qu'on les trouve dans le catalogue. Maman. T'as acheté bien ton fils, j'ai les yeux verts aussi. Ah bah oui, hein. Puis en plus, t'es bien blond, hein, comme moi, maman. Ah non, j'ai les yeux bleus, pardon. Ah bah ouais, c'est pas grave. Oh, regarde-moi ça. Sur ma carte d'identité. Oh maman, la con, c'est mort. Oh là 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 là, mais c'est... Pourquoi il y a le G... Ah putain, je pensais que c'était une grosse de... Oh putain. Comment vous allez? Ah bah ça va bien, monsieur, vous avez bien fait vous présenter le gamin. Ça va, t'es sûr, ça va? C'est pour ça, ils vont bien parler ensemble. T'es sûr, ça va? Ça va. Tu me le diras, ça va pas? Oui, ça va, tout va bien. T'es sûr, ça va? Oui. T'es sûr? Oh, aider, maman, regarde la mamelle, comment elle se penche. Là, tu vois le gros pétard qui est en arrière. Là, maman, comment se pose, hein? Faudrait que je me fasse ressortir, ce qui paraît. Ah, que vous? Ah, non, pas ah. Non, que mon fils, C'est moi. Ok, venez-vous. Tais-toi, me dis pas venez, hein, tu me dis viens. Hein. Bon, viens si tu veux. On est copains, hein. Hop,
Tu m'emmènes pas en cellule, j'espère, hein? Non. Je te verrai bien assez tôt, je te rassure. Ah, bah merci pour nous. Qu'on puisse au moins anticiper. Alors, ouais, tu peux déjà faire un casier, t'inquiète. Bah, c'est vraiment du coup ce qui va être fait, du coup. Non, et on pas de casier avant. Il sera vierge, hein. Il sera vierge, mais. Non, et moi je suis pas vierge, hein. Non, mais pourquoi tu dis que je suis vierge, là, mon copain? Non, le casier, il sera vierge. Bah, je viens de te dire que non, j'étais connu au Texas. Oui, mais vous êtes pas au Texas ici. Ah, ouais. Je sais pas, vous faites pas des dossiers internes? Non, pas encore. Ah, Dieu. Carte d'identité. Ouais, par contre, je me suis trompé sur ma carte. Orange ça. C'est où vous êtes trompé? Les yeux. Ils sont pas verts, ils sont bleus. De quoi qu'est-ce qu'il y a en orange ça là? Pop. Non, mais regardez les obus là. C'est à mettre à tes obus. C'est quoi votre date de naissance? Maman, attends, je vais prendre le pied aussi, c'est de la ferraille ça. Mais non, mais on prend pas les objets comme ça, non. Comment ça on prend pas les objets comme ça. Mais j'ai rien volé. Ouais, laisse-moi faire mon renseignement. Vous avez même pas vu les saisies. Ah, bah vous pouvez nous montrer les saisies là, monsieur maman. Non. Bah pourquoi? Bah allez. Regardez, on est sympa. Est-ce que vous avez un lieu de résidence? J'ai la caravane, c'est déjà pas mal, là. Et voilà, je le savais, je l'avais déjà écrit. Bah, on a un camp avec des caravanes, si tu veux. Je sais pas où c'est, mais on a un camp. Il y a Dinosaur Rose, derrière le Dinosaur Rose, là, on a le camp de la caravane, là. L'harmonie, une quarantaine de caravanes, c'est ça, Harmonie. On a une quarantaine de caravanes par là-bas, c'est pour ça. Oh, moi une caravane. Oh, maman, c'est quoi tous ces cristaux bleus, là? Oh, maman, c'est de la. Oh, attendez, c'est du faux en plus. Attendez, je vais essayer de goûter, là. Allez, si, c'est vraiment du faux pour le. C'est du plastique. Maman, pourquoi c'est que du plastique? Ouais, bah c'est des fois. Bon, j'ai mis le Face ID, pourquoi vous ne faites pas le Face ID là? C'est parce qu'il est mieux. On va vraiment mieux rester. Hein. Ouais, je m'en dis où? Oui, j'en sais. Maman, mon copain, t'es parti où? Je sais pas, on a fait un tour avec la chapelle et tombé de la moto et il va falloir que j'appelle les EMS, mon copain. Oh putain, elle nous aura tout fait ça là, vas-y, on vous met une position, comme ça qu'on a vidé, on a un bon d'argent. Tu prends la route, tu fais comme si t'allais chez nous là, et tu vas nous voir son pantalon, mon copain. D'accord, vas-y, y'a pas de problème. Il attend de se faire recenser là, et puis après on arrive. Oh bordel, le merde, y'a un canard en plein milieu de la route là. Je vais essayer de le shooter, vas-y, à tout de suite. José. Oui. Ah, t'as eu tes ferrailles. Ah, donc pour tout à l'heure, non, on n'a pas réussi à en avoir, bah il y avait trop de monde, tu sais, ils fermaient tous les portes là, c'est un peu compliqué quoi. Merde. Bah mais t'inquiète, c'est pas grave, on a pu voir un petit peu de monde, on a rencontré du monde et tout ça, c'est sympa, c'est très sympa de ta part. Bah ça marche, bah écoute, vous êtes de quel côté vous exactement? Bah tu vois le 19 en rose, on n'est pas sur Paléto, tu vois, c'est quand t'arrives, quand tu montes sur Sandy Champ. Sur la gauche, quand tu pars, tu vas vers le yellow, et quand tu pars à droite, t'as la mine et il y a le dinosaure rose. On est juste derrière, là, on a un camp de caravane, on a ajouté une quarantaine de caravanes, et on est là. Ok, bah je passerai une fois, le whisky. Eh bah, y a pas de problème, tu passes quand tu veux, le copain de froid du Niglou, tu verras, avec l'essence et tout ça, on a une recette spéciale fait maison, c'est la Martinez maison. Bah écoute, ça marche. Alors dis-moi, je te dis à tout à l'heure, non? Bonne soirée. À plus tard, le copain. Ça va rester privé pour moi. Madre. Pourtant, tu vas aller. C'est toi, t'inquiète. Hein. Bon, allez, pas. On y va. Allez. Bonne soirée. À ce qui paraît, sa femme a un plus gros pétard que Chamel, t'imagines? Oh oui. Alors là. Remontez votre froc là, on voit que votre. Bah, ah, il a regardé la dose. Ça, c'est à l'aéroport, il m'a envoyé ma ceinture, ce petit bâtard. Ah putain, ok. Attends, monsieur l'agent, défaites le chignon pour voir la coupe que vous avez là. Défaites le chignon. Hein?
Vous pouvez pas venir faire mon chignon en histoire qu'on voit la vraie coupe, là, la vraie visage? Non, je vais pas aller faire mon chignon. Là, vous pouvez faire le chignon, vous avez non, je ne défends pas. Bon, allez, bah, allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée, ouais. Jamais il y a eu un accident, ils sont partis jouer la moto avec Salva et ils se sont pété la gueule. Vas-y. On y va. Attends, je conduis. Non, maman, si tu veux. Maman. La avec ton vieillage, j'ai l'arthrose, là. De quoi? Avec ton arthrose, tu sais plus trop conduire. Maman, tu la calade, c'est mort, tu vas voir si je sais pas conduire. Ah, d'ailleurs, il y a... Ah bah, c'est là, stop, stop. Ah putain, mais qu'ils sont... Bah vraiment, ils ont fait deux pas. Ouais, ah, c'est vrai. D'ailleurs, je sais pas si t'es au courant, mais il y a le cousin Juan qui est là. Ouais, ouais, je sais bien. Ah, tu le sais? Il te l'a dit avant de partir? Ouais, ouais, il me l'a dit. Ouais. Là, tu te dis bien qu'on se détourne avec Juan, là? Non, moi, je me doute, hein. Vous êtes comme les deux doigts de la main, bordel de merde. Vous êtes pas du même sang, mais non, c'est comme si pareil, hein. Ouais, c'est vraiment du même sang. Oui, bah oui, il est sang de Martinez. Mais bon, après, tu vois, c'est... Enfin, voilà, c'est pas... C'est ton cousin, bon, c'est pas ton frère, quoi. Mais on aurait dit que vous étiez deux frères. Je vais essayer d'appeler le médecin du coin, mon copain. Mathieu, Mathieu. D'accord, très bien. Merci. C'est vraiment une pignouf. Et t'es... Et papy C'est ton oncle, bordel de merde. Non, c'est pas mon oncle. Mais si, c'était ton oncle. Oh, non, ça... Et Salva. J'imagine que la femme du policier, elle avait un plus gros pétard que je... Que Chamel. Que Chamel. Elle dit ça, maman, j'y crois pas, il faudrait que je voie ça de mes yeux. Elle avait un trop gros cul, elle tenait pas sur un poteau, mon copain. Attends, vas-y, je vais l'enterrer un petit peu. On a fait un saut et c'était fini, quoi. Oh non, arrête, ce soir quand on va la dépiauter, là, il va y avoir plein de terre dans les cheveux. Bah, c'est toi qui couches avec, donc c'est pour ça. Non, hein, non, c'est pas moi qui couche avec ce soir. Je te l'ai assaisonné, hein. Non, non, hein, moi ce soir c'est repos, là. Et repas, ça m'a fatigué. Oh là là. Allez, une petite claque. Allez, là, sur ton petit pétou, là. On va se réveiller ou pas, là? T'as vu, je t'ai réveillé, la petite claque, ça l'a réveillé, là, sur le petit pétou, ça l'a excité. Non, mais en même temps, il faut pas grand-chose pour l'exciter, la mamelle. Oh, c'est un trop gros cul. Monte dans la caravane, hein. Ah, ils ont monté dans la caravane. Oh, papa. mon Dieu, on est mort. On est mort, Chamel, on est mort. Oh, bah, je suis déjà à moitié mort, toi. On est mort, c'est pas que tu conduis. On va où, Salva? Où tu veux, mon copain. On va peut-être lui montrer comment on voulait les sacs. Ouais, on va aller les sacs, là. On va aller sur Sandy ou tu veux aller qu'on aille en ville? Vas-y, on va aller, y'a pas les tours, là. Maman. On va tirer les sacs à la vieille, là. C'est ça. Tu t'approches d'elle, tu lui attrapes le sac et tu tires fort, 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 parce que là, elle se débat. Hein. Mais des fois, elle s'en va au courant, faut la taper. Bon, ça, t'imagines bien, hein. Un petit coup de canne, là. J'espère, j'ai pas de canne, j'ai pas envie de me prendre un coup de canne, là. T'inquiète. On fait ça à la technique Martinez, tu tires le sac et il y a l'autre qui arrive là, un grand coup dans sa tarange. Ah, non mais non, il faut tirer la lanière comme ça là, de toute façon ça leur rappelle leur côté BDSM. Par contre, papa, faut qu'il pose un moto, hein. Il va pas gagner en moto. Hein. Non, bon, il va... Bah, je crois qu'il va juste nous montrer. Mais il va pas voler lui, c'est pas lui qui vole. Bon, j'espère pas me faire attraper tout de suite parce que je lui ai dit qu'il allait me revoir vite. Je voudrais pas avoir un casier directement en arrivant. De toute façon, tu verras, c'est comme d'habitude, tu vois, on peut pas voler plus de 4-5 sacs après. T'as bon, plus. Sait jamais. Maman, il s'est planté. Oh non, maman. Qu'est-ce que t'as fait? Maman, je vais glisser de la moto, mon copain. Ah, hey, c'est bien ta fille, hein. C'est pas fille, il a un gros cul, il a tombé de ta mère, mon gars, il a un gros cul. Ah là là là. Ouais, il a un gros cul, hein. Maman, il glissait ton cul, mon copain. Bah, attention, la caravane, il va pas la bouger comme ça, hein. Oh non, mais ça va pas donner les coups dans la caravane, là. Ah, il est bientôt cassé en plus, hein, il est bientôt. Non, 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 arrête, tu défonces l'auto, là. Tu défonces l'auto, là. Tu dépiotes l'auto, là.
Non, 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 vraiment, tu mets un coup encore et là, l'autre elle est pétée là, je la tiens plus là. Tu vas rappeler les sauveurs, hein. Enfin, il dort ou pas, Christopher? Bon, mais pas qu'il dort, Christopher. Appelle bon, Christopher là, parce que là, faut qu'il vienne réparer l'auto, hein, parce que. On partira pas, hein. Ah, tu veux que je l'appelle? Ah ouais, qui vienne sur son lit, que sur Paléto. Parce que là, l'auto, elle repart pas. Là, elle roule parce que. Il va falloir que tu viennes à Paléto, il va falloir réparer l'auto, hein. Donc ouais. On a la caravane qui est bientôt morte, mon copain. On est à Paléto. Ah putain, je perds du fluide là, j'ai de la pression qui diminue là. Voilà, on va pleurer partir après. Voilà, non, il y a les flics qui viennent. Regarde, on est arrivé à Paléto, ils ont déjà prévenu les flics. On va présenter les parapons, c'est bon. C'est un shérif, je vois. Ah ben regarde le shérif, il est déjà là. T'avais dit quoi? Tu vois, je t'avais dit l'auto elle bougerait plus, putain. Putain, on va devoir pousser, pas. Maman, c'est Dieu, ils sont tombés en panne. Maman, mon copain, il est tombé en panne. Mais vous savez que vous allez au mauvais endroit pour réparer le camping-car, là, hein? Maman, on a carré, camping-car, là. Ah bah là, bah là... là, il est en croix, hein, il croit, là, il est cassé, hein. Ah non, il est pas cassé, j'ai juste envie de faire un petit coup de scope, ça c'est bon. Ah bah allez-y, je vais le faire. On a Christopher qui travaille au garage, il va arriver. Ah bon, ça va. Il a ramené son regard des îles, la fin de cœur là. Bon, ça va. Bon, ça va, tranquillement, et vous, ça va? Bah, ça va, et vous, ça va? Bah, moi, ça va, et vous, comment vous allez? Moi aussi, ça va bien. Voler votre ceinture à l'aéroport. Ah bah oui, bah vous avez le calepard complètement tout en bas là. Les calottes de leur mort. Oui. Ah mais c'est les choses qui arrivent, hein. C'est les choses qui arrivent. Ah ça arrive pas, c'est chiant, regardez. Ouais, là, monsieur, vous l'avez récupéré. Tu peux reposer mon marron, s'il te plaît? Non, c'est pas ta roue, comment? Si, c'est ma roue, mon copain. Oh, c'est la roue de notre voiture. Bah oui, c'est la. Bah, regarde, il y a écrit shérif sur la roue, là, mon copain. Ben, maman, mon copain, tu as fait demi-tour et tu vas aller poser la roue dans ma voiture. Ah, maman, c'est. Maintenant, maman, on fait le troc. On fait le troc. Comme avec votre shérif, le shérif des shérifs, on a fait le troc. Vous avez quoi à échange contre votre roue, là? J'ai plein de choses. Tu t'attrapes par l'oreille, tu. Ah, par l'oreille, tu m'as. Vas-y, lâche-le. Ou je te mets du poivre dans les yeux. Ou je t'assaisonne. Allez, remets la roue. Bah, c'est quoi le troc? Des pancakes. Ah, bah, donne le pancake, je remets la roue. Allez, range la roue. Allez. Oh, regardez la pluie là. Oh là là, il t'a assaisonné le pied, pas. Non, 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 attends, il me donne le pancake qui est quoi, toi, mon fils? Il me donne le pancake, je vais je te donne mieux, ça c'est de la Ferrari, mon copain. À la Ferrari, ça se voit bien, hein. Ah, maman, remets-moi la roue là. Eh, pas comme tout à l'heure, que deux écrous, hein. Bah oui, un écrou sur trois. Non, oh, ouais, je mets tout. Mais non, je garde un peu de Ferrari. Il fait quoi, l'autre? Bah, il ressoude un petit peu, histoire que ça marche mieux. Oh. Voilà, mon copain, c'est bon. Vas-y, tu peux tester l'auto ou pas? Non. Ah bah non, tu veux même pas faire un petit tour derrière? Allez, retournez le camping-car. Bah t'inquiète pas, on fera assez vite un tour derrière. Bah ouais, je me l'ai dit de toute façon qu'on allait voir assez vite. Allô? Et ça va, tonton? Ah mais non, mais j'ai rien fait, moi. Oh maman, l'auto, elle est belle, hein? On peut pas. Pas grand zouzou, le camping-car il est à terre là. Ah bah ouais, bah là. Et on attend le mécano. Oh, attend... Bah c'est ce qu'on a fait là, mon gars. On attend le scotch. T'as encore ton scotch, Christopher, ou pas? Ah bon, Christopher, ça va, Christopher, t'as toujours un super boom. Maman, il y a beaucoup lui. Maman. Il a sa santé, il a bonne. C'est Luca, c'est ton cousin. Attends, le tour. Enfin, c'est ton oncle plutôt.
Bah ouais. Maman, on ramène du scotch là. On dirait, mets bien le scotch, hein, maman, parce que sinon je vais te mettre la calotte de ce marrant. Attends, il va bien le mettre. Oui. Maman, il m'a donné une canette. Ah ouais, ça va plus, ça va pas de travail, ça. Ouais, j'en plus, il m'a donné une canette de visager. Allez, Mado. Maman, mon copain, l'auto, il est... Allez, viens. Ah, tout le monde, comment on fait, là? D'ailleurs, le gadget, ils ont bloqué là. Ah, bah non, c'est moi. Il faut que tu trouves la gadget. Mais les gadgets ou... Celle-là, je te dis, je vais... Faut que tu trouves la gadget ou alors que tu trouves des mecs avec des petits sacs. Mais là, de nuit, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ah, bah, j'aimerais bien avoir un pour voir comment c'est, là. Désolé mon fiston. Ah, ouais, j'ai bien mangé là dans la. Oh, dans l'avion, t'imagines même pas ce qu'il m'a donné là. T'as donné quoi? Vas-y, raconte. Ah bah, chez Gilles, il m'a donné un peu de frites avec un peu de hamburger là. Ça accompagne un peu de vodka noir avec des Red Bull là. Ah, maman, c'était un bon avion, ça, dis donc. Maman, t'imagines une petite pêcheresse avant quand même, parce qu'on aime le pêcher. Ah, ça, oui, on a pêché. Hein. On pêche au pêcheur. Ah, oui, ça, on a pêché. Ouais. Bon, c'est pas grave, au pire, on verra ça demain, vous inquiétez pas. Ah, je vous montrerai demain si vous voulez. Ah, t'inquiète pas, moi. Maman, mon copain, on va s'amuser à autre chose. Ah, il fait son père qui m'appelle. Maman, regarde, regarde le chéri, il va se remettre à l'œil. On peut aller à l'unicorn. Ah, bah, je sais pas si on va à l'unicorn. Ah, bah, Christopher demande si on va aller à l'unicorn. Bah, on va faire, on y va. On va voir l'unicorn, alors, mon copain. T'as jamais, maman. On va aller voir les femmes. Vas-y, on se rejoint au camp. Ah, faut appeler papa et dire qu'on va au. Attends, je l'appelle. Vas-y, on va à l'unicorn. Ah, mon fiston, je t'ai rajouté au groupe des Niglous. Ouais, ça va, on va à l'unicorn, on va aller à Megadji là. On va aller à l'unicorn, on va à Megadji. Ouais, Christopher a demandé si on voulait y aller. On va y aller donc. On va aller voir de la belle Megadji. Ouais, je vais à l'unicorn un peu, après je vais aller te coucher. Ah bah, va dans la caravane de l'autre côté, hein. Ouais, bah t'inquiète, il m'entend de toute façon. Hein. Mais de quoi? Allez, parfait, allez! On va se coucher, je crois. Allez, vas-y! Allez, va se coucher. On va aller chercher Christopher au camp. Christopher, il m'a même pas donné son numéro de téléphone. Son téléphone de Christopher. Bah, faudra que je lui donne après. Je t'ai rajouté ouais, dans bah, le. Mon fiston, je t'ai rajouté dans le groupe des Niglous, là. Comme ça, t'as tous les numéros de tout le monde, là. Le seul que j'ai pas mis encore, c'est la Charlène, là. Bah, de toute façon, il manque Christo, non? Il y avait que Christo, ça le va. Ouais, pour l'instant, ce qu'on. Bah, il y a notre frère qui est. Ouais, qui est à la fois mon neveu et mon frère, c'est. Il y a Zayn qui va pas tarder à arriver aussi, normalement, je crois. J'ai cru entendre qu'il avait. Il avait pris ses billets. On verra bien. Maman, l'auto va pas vite. Dans un grand bingo. Hein. Ah, par contre, demain soir, il y a Salva qui sera pas là, mais moi aussi, je pense pas que je serai. Je serai là de 23h30 minuit, de toute façon. Ouais, comme d'habitude. Mais moi demain soir, je crois que je serai pas là du tout. Ok, ok. Ah oh, putain, je peux pas mettre de musique quand je suis derrière.
Allô. Alors, on est à la petite supérette à côté du camp, on arrive. Hein? De quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes, j'ai pas compris. Alors, je sais pas ce qu'il raconte, le chauffeur, il est bizarre, hein. Son of a... Mais qu'est-ce qu'il fait, mon copain? Aïe. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je fais la supérette. Attends, il est en train de braquer la supérette. Mais du coup... Oh maman... Ah, pas tu sais qu'on appelle ça café? J'avais besoin de la monnaie? Ouais, mais bon, c'est pas tout ça, mais on a attendu, j'aimerais bien ne pas me faire arrêter. Maman, Christopher! Ouais, maman, ça va. Il y a le tonton, oh, il a voulu braquer la supérette. Vous êtes dans le chute là, c'est ça? Ouais. On est dans la supérette. Est-ce que tu peux venir passer prendre une voiture dans le camp là? Venir prendre une voiture dans le camp là, mon vin. Vas-y, bah y'a pas de problème. Ouais, c'est bon. Donc prenez une voiture et vous la mettez dans le garage du Michel. D'accord, bah. Attends, il y a le monsieur qui est en train de me parler là, je sais pas qu'est-ce qu'il veut. Attends, là ça crie dans mes oreilles, là j'en peux plus là. Attends, vas-y, je te rappelle, Salva, mais on va prendre une voiture, y'a pas de soucis. Tu prends une caramane, puis une voiture, et tu laisses une voiture dans le coffre. Vas-y, y'a pas de soucis. Ça marche. Ça casse les oreilles. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur, là? Contre le mur, malheureusement. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on doit s'assurer que tout se passe bien. Bah, y'a deux. Bah, oui, nous, il se passe bien. Va clair les spirites avec eux. Ah, mais. Je t'avais dit de pas faire un pot quand tu lui avais demandé des barres de chocolat. Mais non, mais moi, y'a pas de soucis. Messieurs, est-ce que c'est quelque chose sur vous qui pourrait me laisser? Ah, bah, non, du tout. Bah, non. Je te jure, mon comment, j'ai rien. Madame, est-ce que vous avez quelque chose sur vous qui pourrait me laisser passer, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe, monsieur l'agent, là? Parce que là, on s'arrête pour prendre un petit peu d'essence et un petit peu de trucs, mais... Non, rien du tout, monsieur l'agent, rien du tout. Faites attention la prochaine fois qu'on parle avec Apu, parce que s'ils sont un peu trop menacés, on vous met le braquage du super attaque. Ah bah... Je t'ai dit, c'est Apu, il n'a pas l'habitude de nous. Et on est obligé de voler son cuivre. On l'a même pas agressé, parce qu'on sait très bien que... On sait très bien que nous, c'est compliqué quand on arrive dans une ville et tout ça, donc on comprend qu'on l'a pour, tu vois, lui aussi, c'est compliqué pour lui, donc... On connaît les Romains Michel, on est des Gitans, s'il te plaît, on est les Martinez, s'il te plaît. Romains Michel, Gitans, Lopez, Hoffman... Oh non. Et la con, c'est mort, la calade, c'est mort, tu nous confonds pas avec des Lopez ou des Lopettes, hein. Attention, hein, parce que les Lopez, c'est vraiment des Lopettes. Vous connaissez, vous venez, vous voulez le cuivre, vous voulez... Oui, totalement. Mais bien sûr. Le voisin va pas voler le jour. Et un jour on va se retrouver avec un cirque qui va ouvrir, on va se retrouver avec des lions, on va se retrouver avec toute autre connerie. Et je vais même te dire, pas plus tard qu'hier soir, on faisait du troc avec ton shérif. Mais très cher, je vais juste vous dire un petit truc. Hein. Dis-moi, alors dis-moi. Ça là, même si ça a vite fait la gueule, hein, c'est pas du cuir. Mais non, mais c'est notre voisin et nous on venait juste pour chercher à manger. Et comme on a dit, on s'y fait une paille, on vole pas tout ce qu'il y a à côté de chez nous. Mais allez, fais marcher le commerce à côté. Un peu abîmé quand même cette caravane, non, ça mériterait d'aller en fourrière. La caravane, c'est mort. On l'a acheté d'occasion, on l'a juste acheté d'occasion parce que c'est. On a mis du scotch parce que tout à l'heure on est tombé en panne, Vous savez comment elle est tombée la porte là? Elle est tombée là, c'est à cause du gros cul de Chamel. La calotte de c'est mort, t'as encore arraché la porte avec ton cul, ça, Chamel. Le levier de vitesse, c'est rouillé à l'intérieur. Mais c'est normal, c'est vétuste. Mais normal parce que la calotte de c'est mort que ça sert, c'est dehors, on vit dehors et forcément celle-là, elle est toujours à l'extérieur et elle prend les intempéries, monsieur l'agent. Je vois. C'est pas de notre faute la calotte de c'est mort, vraiment. On va la retaper petit à petit. Monsieur le shérif, est-ce qu'on peut juste finir nos courses ou il faut vraiment qu'on laisse tranquille Apu? Allez-y.
Merci beaucoup. À plus tard. Oh, c'est vrai qu'elle est mangée là, Moloto. Ah, tu te détends, il n'y a pas de problème. Ah, bah, je crois que Apu, il veut plus nous donner à manger. De toute façon, Apu, voilà, il a été méchant avec nous. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Lejean ? J'ai fait le petit relevé technique. Mmh. Si jamais je revois ce truc-là et qu'il n'est pas mis aux normes, Fourrière est à la casse. Mais monsieur l'agent, il faut que vous alliez voir justement le concessionnaire parce qu'il nous l'a vendu comme ça. C'est le gars du Nord, là, celui qui est juste à côté de chez vous. Mais il garde, c'est des merdes qui gardent pour vous. C'est des merdes qui gardent pour les pauvres. Bah justement, c'est il faut pas qu'il nous vende ça à ce moment-là, monsieur l'agent, parce que nous, après, si vous nous dites que l'auto, regarde. Ah bah merci, ça c'est bien, monsieur l'agent. J'aime bien quand vous dites ces choses comme ça. Allez, bonne soirée, monsieur l'agent. Regarde-moi ça, comment il m'a téléphié à l'intérieur. Il a regardé les posters. Il a regardé les posters. Alors, on n'est pas des Lopez, nous. On est Martinez. Non, Martinez. Ouais, ne confondez pas avec les Lopez, là, c'est des Lopez. Ah, il nous a confondu avec les Lopez, mon copain. Non, c'est des grosses Lopettes. Je te jure, ça va pas se passer, mon copain. Sur la tête de ces morts. Je te jure, c'est mangement, là, la prochaine fois que je les vois, je vais te mettre à terre. Oui, allô. Ah ben voilà, on a fini, on va rentrer là, au camp, hein, mais je crois que je vais aller me coucher, moi, mon copain. T'as gagné combien? J'ai gagné, à peu près. Ouais. Je crois que... On va faire la super-rête, et puis on rentre. Hein, j'ai gagné $5,000. Ah bah parce qu'ils nous ont dit que la prochaine fois, par contre, ils devaient terminer la super-rête. Heureusement qu'ils étaient là au début pour assurer, pour dire que c'était un peu qui avait peur. Ils ont cru directement. Ah du coup, on voulait pas le niveau. Non mais je... Moi je vais aller me coucher, je t'avoue, je suis fatigué là. Moi aussi je pense que je vais aller me coucher, mais... Tonton aussi va aller se coucher. Je vais passer aux rayettes, il faut que je vous dise des trucs. Maman, faut pas rester sur la route comme ça, la route c'est mort. Maman, vous êtes fous. Oh là je sais pas c'est qui bloque. Oh, maman, on est là. Maman, faut pas s'arrêter comme ça en plein milieu de la route. Là, on n'avait pas s'arrêter. Hein. Pardon. Ah, bah non, mais c'est surtout pour vous parce que l'auto il fait 2,5 tonnes. Là, on vous percute et. Il est juste à côté. Mais elle sent belle émotion. C'est quoi, c'est américain? T'as voulu les acquis encore? C'est américain. Bah non, mais. Attends, mais c'est à vous ça, cette bagnole? Comment qu'ils vont les chouras? Non, on la chouras. Bah on l'a volé comme d'habitude. Tu veux chouras celle-là aussi? Tiens, on te la donne celle-là, tu la veux? Ouais, vas-y, on la prend. On te la donne, c'est cadeau. Oh merci, vous êtes trop gentil. Pour faire l'avant, un peu. Aïe. On sent si c'est mort. Voilà, on l'avait dit de pas s'arrêter à pas mis dans la route. Bah allez, vas-y, on... La calotte de témoin, la voiture, la calotte de témoin. Bavure. La calotte de témoin, je vais la miner, la voiture, je vais. Ouais, c'est bien, on fait un cadeau. Oh bah merci, on va. Ouais, bonne soirée, Gidon. Allez, on va. Christophe, sort ton téléphone. Sors ton téléphone, il faut que je te demande contact. André, tiens mon copain. Ah mais non, ils ont mis cette musique là, les dimissiers. Ah ils l'ont mis dans la caravane en fait. Allez relou, avec Bambaléo, c'est DMCA. Ah mon Eli, je t'avais pas vu passer. Merci, mon Eli. T'as vu la supérette? Et ça fait grave de la thune, Eli. Je sais pas si t'es encore sur Discord, parce que je vais passer Discord. Là, je vais stopper le stream. Ça fait un petit 4 heures de stream, là. Ça va bien. $5,000 une supérette. Par contre, les flics sont ultra réactifs. Il faut virer une voiture. Ah, ça a l'air. Vers laquelle? Celle-là.
À quoi que, attends, c'est une 4 places celle-là, on va la garder. Ouais, peut-être bien une 2 places, ça, peut-être ça, non. Non, ça c'est pas mal. On va virer la moto. Ça là, regarde, ça peut être pas mal. Non, non, ça c'est génial, ça. Elle est géniale, celle-là. Au pire, on vire la caravane, hein. Hein? Au pire, on vire la caravane. Mais la caravane, c'est à nous, on l'a acheté. Ouais, mais justement, on peut l'acheter au foyer. Ouais, mais c'est payant. Et puis, s'il y a personne, on peut pas la récupérer. Bah... Vas-y, on va virer celle-là. La Buffalo, elle fait. On vire la Buffalo. Ah oui, bah oui. Christopher, t'as 5 minutes. Si tu restes encore un petit peu, tiens, montre à Lucas. Lucas. On va mettre ça dans le garage du sud. T'as les clés du garage du sud. Vas-y à Christopher, moi je vais dormir. Ouais. Mais mon Romain, il a les clés, mon Romain ? Oui, il a les clés. Allez. Bien vu, l'artiste. Allez, bonne nuit, le gars. Ou quoi ? Non, ça va, pas, Jeff. Bonne nuit, pas. Bonne nuit, mon fiston. Vas-y. Bah, allez. Je vais couper, je vais voir s'il y a quelqu'un que je peux raid. Peut-être le petit Zoa ou le Scratchy. Hop. En tout cas, c'était super sympa, les gars. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas stream rigolé autant avec tout ce que j'ai, tout ce que ça porte. Scratchy est là, est pas là, mais Zoa est là. Donc, on va aller envoyer de la force au petit Zoa. Donc, merci à tous. Je vous fais des bisous. Je vous dis. Pas demain, parce que demain je ne streamerai pas vu que je ne joue pas à GTA. Alors peut-être que je streamerai dans l'après-midi, comme d'habitude, du FF7 ou quelque chose comme ça, je ne sais pas encore. Donc je vous fais plein de bisous, merci pour la force que vous me donnez tout le temps, c'est vous êtes les meilleurs, donc je vous dis... À demain, ciao, des bisous.